Bonsoir, chers auditeurs, bienvenue sur la Grande Radio dans ce grand débat de tous les samedis. C'est un plaisir, toujours un plaisir pour moi de vous servir, servir cette grande communauté de la diaspora partout où vous trouvez. Je vous dis bonsoir. Merci de la confiance renouvelée à la Grande Radio. C'est comme ça se passe tous les week-ends sur la plateforme de la diaspora. C'est sous cette plateforme qu'on se rencontre pour parler de notre pays, la Guinée, notre beau pays, la Guinée. Et pendant cette transition, nous vous décortiquons les problèmes, nous analysons les problèmes de l'Afrique, plus précisément de chez nous, la Guinée, et nous apportons notre contribution au développement. C'est comme ça se passe. Tous les week-ends, bienvenue à vous. Merci encore de la fidélité. Je dis bonsoir à nos auditeurs sur Facebook. Je reçois vos messages. Bonsoir à vous. Merci de votre confiance. Bonsoir ou bonjour à nos auditeurs du côté de l'Asie. Merci à vous également du côté du Sénégal. On est très bien suivi. On a beaucoup d'auditeurs du côté du Sénégal sur le net. Merci à vous également du côté du Sénégal pour la confiance renouvelée à la Grande Radio. C'est comme ça se passe. Bienvenue, je dis bonsoir à tous les panélistes, à tous ceux qui nous écoutent du côté de New York. Je vous remercie également de la confiance à la Grande Radio, la radio de la proximité. Voilà, nous allons rester chez nous, hein. Chez nous, nous allons rester en Guinée. Nous allons parler de chez nous puisque nous sommes, c'est l'actualité qui nous oblige de le faire. Nous sommes dans une période d'exception. Et tout ce qui se passe en Guinée est exceptionnel actuellement. Là, donc, nous allons rester chez nous en Guinée, dans l'actualité guinéenne. OK? Et ce soir, nous allons parler de. Le premier sujet, nous allons parler des élections. Vous savez que le ministre Mo Kondé a sorti le chronogramme de la transition. Je vais vous lire, je crois qu'ils ont demandé un montant de 6 000 milliards, quelque chose comme ça. Ils ont besoin d'un montant de 6 000 milliards pour l'organisation des élections prochaines. Alors, il a confirmé aussi que même un seul jour nous sera ajouté sur ces 24 mois-là. Ils sont prêts à organiser les élections transparentes et puis les partis. Voilà, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Bon, on va faire une analyse ensemble par rapport à cela. 6 000 et quelques milliards. Hein. Et chacun va donner son point de vue par rapport à ces 6 milliards. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Si ils arrivent à se comprendre. En tout cas, c'était ce vendredi, le vendredi 28 avril. Et que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation était face aux partis politiques. Je crois qu'il a reçu les partis politiques et les organisations de la société civile, bon, l'hôtel Kaloum. Alors, le ministre a donné des informations, il a fait une présentation. Hein, voilà, je vais nous prendre cet appel là rapidement, ne quittez pas. Voilà, on s'excuse là. Voilà, on s'excuse. Voilà, on parlait à nos invités là. Alors, Maurice Condé nous a fait une présentation, un rapport financier du gouvernement. Il est parti jusqu'à nous aborder le montant. On va pas lire tout, mais le montant qui nous intéresse, les plans d'action de la transition, comment ça sera financé, combien ils ont besoin. Il a parlé de la CEDEAO. Alors, nous allons nous focaliser sur le montant ce soir, OK? Nous allons nous focaliser sur le montant. Je crois que le montant s'élève, où se trouve le montant, s'élève à 6 000 milliards, 500 et quelques millions de francs guinéens. Alors, si vous convertissez ça en dollars, on ne sait pas, peut-être quelqu'un va convertir pour nous
Ce montant, attendez, j'ai le montant ici. Le montant s'élève à 5 812 milliards 456 millions 180 661 francs. Voilà. Donc, je ne sais pas combien ce montant s'élève en dollars, mais c'est énorme. C'est énorme quand même. C'est énorme. Alors, c'est une très bonne nouvelle. Et si Maurice Condé nous rassure que les 24 mois, même une petite minute ne sera ajoutée sur les 24 mois, alors c'est ce que toujours nous demandons à Mamadi d'organiser les élections de parti parce que c'est un jeune et il a tout le temps devant lui pour revenir, pour se préparer. Il est déjà devenu président pour qu'il puisse organiser les élections entre. Les élections les plus transparentes, puisqu'il est en train de faire beaucoup de choses, le procès du 28 septembre, et la CRIEF. Tu vois, quand tu te lances dans ces programmes pareils, moi je crois qu'il faut penser aussi à ton avenir, l'avenir de ta famille, et l'avenir de la Guinée. Et puis voilà, pour que nous sortons maintenant de cette crise. Alors, chacun va donner son point de vue par rapport à ce chronogramme, mais malgré tout ça, les forces vives décident de se retirer de ce processus de consultation. Je crois qu'on a lu, on va lire tout à l'heure le communiqué des forces vives. Ils vont se retirer de ce processus de consultation. Pour reprendre les manifestations. Alors, je ne sais pas pourquoi ils veulent le faire, mais c'est ce qu'ils ont décidé. Tout se trouve sur la plateforme de la grande radio. Je suis en train de lire sur la plateforme, quoi. OK? Les forces vives de Guinée se retirent des consultations improductives. Pour eux, c'est improductif. Pour reprendre les manifestations publiques. Okay? Les forces vives ont clairement indiqué leur intention de poursuivre leur lutte pour la restauration de l'ordre constitutionnel. Alors, moi, ce que moi, je n'ai pas compris, Maurice Condé est sorti pour dire le chronogramme. J'étais dans un débat avant-hier, mais c'est ce que j'ai dit à Dansa aussi. Et nous, sortez, présenter la nouvelle constitution et le chronogramme au peuple de Guinée pour abaisser les tensions, puisque les gens veulent connaître. Nous gaspillé 16 mois, hein, je crois, un an, 6 mois, rien. Présentez-nous le chronogramme, la constitution, pour que le Guinéen sache maintenant sous quel pied danser. Alors, je crois que c'est Maurice Condé à commencer à travailler sur ça, mais cette crise de confiance entre les forces vives et le CNRD, ils nous renaît encore. Ils n'ont pas confiance. Ils disent qu'ils n'ont pas confiance. Ils se retirent. Je crois qu'il y a 3 ou 4 partis dans ça. Il y a ANAD, le RPG, l'UFR, et puis l'UFDG. ANAD, bon, c'est l'UFDG. Et puis il y a un autre parti, FPP, j'ai lu ça hier. Il y a le FNDC et le FNDC politique qui ont décidé de se retirer. Alors, les choses commencent à se compliquer. Les raisons de leur retrait, c'est quoi? Les raisons de leur retrait, c'est très simple. Ils ont demandé la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, hein? Mais l'abandon des poursuites judiciaires contre les leaders politiques. On n'est pas étonné. On n'est pas étonné par ces conditions, mais on a toujours dit ici, est-ce que c'est possible? Et nous, on a demandé à un moment donné d'être flexible par rapport à cela. C'est-à-dire que ces consultations pareil, sont des négociations. Ils sont en train de négocier. Est-ce que le Premier ministre a obtenu cette condition ou ces conditions avec le colonel Mamadi ou le CNRD? Je ne pense pas.
Alors, si ce n'est pas obtenu, est-ce que la consultation là aura un bon résultat? Je ne pense pas. Mais c'est ce qu'on a dit. Nous, on voyait ce blocage-là déjà. On voyait ce blocage. Mais l'idée d'un gouvernement d'union nationale, il y a les pros m'ont dit, certains m'ont appelé pour dire qu'ils ne sont pas d'accord pour cette affaire d'union nationale, ils ne sont pas, du gouvernement d'union nationale, ils sont, en tout cas pas avec cette opposition. Ils ne sont pas d'accord. Alors les choses ne font que se compliquer. Alors chacun va donner son point de vue par rapport à cela. Pour moi, l'idée du gouvernement d'union nationale est une très bonne idée si ils décident de travailler ensemble, mettre la Guinée devant pour que nous sortons de cette crise. Moi, je suis pour. Mais il faut que ce travail d'équipe soit fait dans une sincérité, puisque le problème des politiciens guinéens, c'est qu'il n'y a pas de sincérité. Tu ne peux pas avoir confiance en eux. Ils ne sont jamais d'accord et ils ne seront jamais d'accord entre eux. Alors, c'est ça. Si on vous accepte le gouvernement d'union nationale, en tout cas, mais ça a marché. Ça a marché avec Sékouba Konaté. Ils ont mis un gouvernement d'union nationale et Sékouba a pu, avec la pression de la communauté internationale, a pu nous amener aux élections, et ce qui a apporté Alpha Condé au pouvoir. Est-ce qu'on pourra faire la même chose avec Mamadi? Mais comparer les temps, on n'aura pas raison. Sékouba et Mamadi, c'est deux hommes différents, avec deux comportements différents. On ne sait pas les intentions de Mamadi, mais en tout cas, il dit, il réassure que personne parmi son gouvernement ne sera candidat et les 24 mois là, c'est garanti à 100%. Alors, donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, maintenant, ma question est-ce que les forces vives doivent continuer à résister contre le CNLD par rapport à ces consultations ou ce dialogue qu'ils sont en train de mettre en place? Est-ce que c'est le moment de résister, de se retirer de cette consultation? Puisque le budget est connu, la constitution va sortir, le chronogramme est déjà publié par le ministre de la décentralisation et il réassure que les 24 mois là, rien. Même un jour ne sera pas ajouté sur. Alors, moi, je vais vous laisser le soin de me dire ce que vous pensez. Et dans la deuxième partie, on va parler de la dissolution du BASP, du bataillon autonome de la sécurité présidentielle. Alors, vous savez que ça, c'est un bataillon qui m'a formé, moi. Je dois faire même un débat sur ça dans une autre radio. Ils vont m'inviter. C'est un bataillon. J'ai vu ce bataillon-là naître. Depuis 19 ans, je connais ce bataillon, comment l'objectif, pourquoi ça a été créé. Alors, Mamadi a sorti un décret pour mettre fin à l'existence de ce bataillon. Dans la deuxième partie, je vais vous expliquer, parler un peu de ce bataillon et je vais vous donner mon point de vue par rapport à la décision de Mamadi. Je ne suis pas dans les secrets de Mamadi Doumbouya, mais c'est lui qui sait pourquoi dissoudre un bataillon, ça ne s'est jamais fait en Guinée. C'est pour la première fois. Mais moi, je vous dirai ce que je connais de ce bataillon. Si Mamadi est bon, je ne sais pas, comme je dis, je ne suis pas dans ses secrets. Pourquoi il est le premier président à dissoudre un bataillon qui a été créé. Donc, quand on crée un bataillon, il est très difficile de dissoudre le bataillon. C'est pour la première fois que je vois un président signer un décret pour dissoudre un bataillon. C'est qu'il y a, je sais pas ce qui se passe. Comme je vous le dis, je ne suis pas dans le secret de Mamadi, mais je sais qu'il y a quelque chose qui lui a poussé à le faire. Alors, nous allons parler aussi de. Ce grand féticheur hein, qui a parlé, je ne sais pas si maintenant les deux sont liés, puisque ce grand féticheur a donné 12 ou 28 jours, 18 jours ou 28 jours à Mamadi, il y aura un coup d'État, et puis cela aussi, c'est-à-dire la fermeture de la dissolution du bataillon
a succédé cette information de ce grand fétichiste. Je ne sais pas. Je cherche à voir le lien entre les deux, puisque le féticheur a parlé 3 jours après le décret est sorti. Vous voyez, c'est ma conception, c'est mon point de vue. Hein. C'est comme ça que moi je vois. Ne quittez pas. Voilà, c'est mon point de vue, chers auditeurs. Je vais vous laisser le soin de me dire ce que vous pensez et non, par rapport à ces sujets. Mais chacun n'a qu'à donner et non, son point de vue. Nous parlons de notre pays. En tout cas, les choses commencent à être compliquées et du côté de Conakry pendant cette transition. Je dis bonsoir à tous les panélistes, bonsoir aux auditeurs qui sont connectés. Faites étoile 61 si vous voulez participer au débat. C'est comme ça se passe tous les week-ends. Merci d'être venu. Nous allons parler, continuer à parler de chez nous. Hein. Les choses se compliquent. À chaque fois, on est proche d'un résultat. Voilà, c'est pas, ils sont prêts encore à reprendre les manifestations. Je ne sais pas quelles seront les conséquences de, de tout cela. Voilà, je dis bonsoir. Je vais partir du côté de Londres, dire bonsoir à Madame Ba, bonsoir à Monsieur Barry, Sissoko, bonsoir. Monsieur Si, hein, du côté de Indiana, bonsoir à vous. Moustapha Touré est là. Bonsoir à Moustapha Touré aussi, du côté de New York, qui s'oppose catégoriquement de cette affaire d'union, du gouvernement d'union nationale. Il va nous expliquer pourquoi il s'oppose. En tout cas, pour moi, l'idée du gouvernement d'union nationale est une très bonne idée. Si c'est cela qui pourra nous faire sortir de cette crise, pourquoi pas? Alors voilà, bonsoir. Je vais commencer par vous, monsieur. Il sait qu'il ne sera pas parmi les membres du gouvernement. Voilà, bonjour. Je vais commencer par vous, monsieur Alpha Barry. Alors, voici les deux premiers sujets. Pourquoi encore on se retire cette consultation à la dernière minute, au moment où le gouvernement est en train de nous présenter le chronogramme de la transition, le budget et puis ainsi de suite, et nous rassurer que les 24 mois, même un jour, ne sera pas mis sous les 24 mois. Pourquoi c'est maintenant, en ce moment-là, que les forces vives décident de se retirer pour reprendre leur manifestation, monsieur Barry Alpha? Yeah, merci beaucoup, monsieur Bangoura. Je dis bonsoir à tous mes compatriotes guinéens à travers le monde. Et bonsoir à nos grands panélistes. Bonsoir à ma maman du côté de Londres. J'espère qu'elle a terminé les 6 mois. Les 6 jours, je voulais dire, pas 6 mois. Les 6 jours, les 6 jours, oui. Tout à fait. Monsieur Bangoura, je vais commencer d'abord par la dernière déclaration des forces vives représentatives du peuple de Guinée. Oui. Et je crois que vous avez eu le loisir de lire le contenu de la déclaration. Alors, Et M. Bangoura, vous savez, les forces vives là sont constituées de 6 coalitions. 6 coalitions. Mettez-vous à mute, Moussafa, mets-toi à mute, si tu es quelque part. Vas-y, M. Barry. Maintenant, les 6 coalitions là, ceux qui sont experts ou qui ont été des disciples de la numérologie comprennent le concept de 6 en numérologie, qui veut dire l'harmonie. L'harmonie. Maintenant, les forces vives constituées de toutes ces entités responsables, réfléchies et intellectuellement compétentes et psychologiquement stables dans le cadre de leur engagement pour la nation guinéenne et pour les Guinéens, malgré toutes les bonnes volontés et la bonne foi exprimées par le leadership de ces forces vives, le peuple de Guinée, à travers ses partenaires techniques et financiers, ont compris que cette processus de médiation qui a été entamé par les prélats
accompagné du Premier ministre aussi, qui a fait toutes les démarches de bonne volonté, parce que il faut saluer vraiment le courage de Dr. Bernard Gomou. Ouais. Il faut saluer son courage. Docteur Bernard Gomou a fait tout le possible. Mais ouais. Donc il n'a pu rien obtenir du CNRD, hein. Monsieur Bernard Gomou est en train de se battre, Monsieur Alpha Barry, c'est ce que tu veux nous dire? Alors, je ne sais pas si Monsieur Barry m'entend. Monsieur Barry, tu es là? Alpha, on ne t'entend pas, hein? Je ne sais pas. Monsieur Barry, tu nous entends? Voilà, on n'entend pas Monsieur Barry là. Voilà. Alors, je ne sais pas si Moustapha Touré, tu m'entends du côté de New York? Oui, Léo, on t'attend. Ce Barry est coupé. Le Barry est coupé. Bon, voilà. Donc, Moustapha, revenons sur cette idée de gouvernement de transition qui a été posée comme condition que les forces vives décident de se retirer de la consultation pour reprendre les manifestations, tandis que le gouvernement a sorti le chronogramme, ils ont sorti le budget, et ils ont réassuré le peuple de Guinée que même un jour ne sera pas mis sur les 24 mois-là. Alors, qu'en dites-vous? Quelle analyse tu peux faire par rapport à cela? Alors, Touré? Alors, Moustapha, tu m'entends? D'accord. Donc, Touré va revenir dans 2 minutes. Alpha Barry aussi est occupé. Je vais demander l'avis de M. Sissoko. Alors, M. Sissoko, tu m'entends? Bonsoir, M. Bangoula. Comment allez-vous? Alhamdoulilah. Voilà. Il ne veut pas commencer. Moustapha, il ne veut pas commencer. Il a peur. Il ne veut pas dire. Il veut écouter d'abord. Tu sais, c'est des stratèges, quoi. Non. Laissez-lui écouter. Je le connais. Il ne veut pas parler de problème. Non, Léo. Elle veut écouter d'abord. Tout le monde va parler après. D'accord. Voilà, alors, on ne sait pas pour qui lui se bat. Voilà, d'accord. Alors, non, moi, je ne veux pas pour la Guinée. Moi, je ne veux pas pour un individu comme vous. Vous vous battez pour un individu. On est différents. Non, moi je ne veux pas pour la Guinée. Moi je suis Guinéen qui aime le changement. Je n'aime pas les militaires. Je n'aime pas le régime militaire. Tu es occupé, Moustapha. Laissez-moi parler. Tu as dit que tu ne parles pas. Laissez-moi. On m'a donné la parole. Laissez-moi parler. Mets-toi maintenant, Amit. Tu vas écouter. Mets-toi, Amit. Voilà. Sissoko, vas-y, rapidement. Bonsoir, M. Bangoura. Je salue tous vos auditeurs. Bonsoir. Voilà. L'opposition s'est retirée au niveau de la dialogue politique, c'est pas étonnant, c'était prévisible, M. Bangoura. Ouais. Parce que pendant un mois qu'on a fini là, on a passé tout ce mois-là à dialoguer. L'opposition avait manifesté, avait décidé de manifester avant même le mois de carême. Les religieux sont venus, ils ont parlé avec l'opposition guinéenne de se calmer et ils vont essayer de dialoguer avec le gouvernement. Et on a suivi pendant tout le mois. Il y a eu chaque dialogue qui a été organisé par le gouvernement. Mais les préalables que les forces de vivre, ils ont déposé tous les préalables au niveau du Premier ministre, Bernard Gomou. Donc, tous ces préalables, rien n'a été satisfait. Donc, on a passé un mois, dialogue, rien n'est sorti comme quelque chose de concret. Ouais. Et le mois de carême est fini. Encore, on a continué encore 2 jours de dialogue après le mois de carême. Rien n'est sorti comme quelque chose qui va satisfaire l'opposition dans son ensemble. Donc, cela montre que la junte militaire, ils n'ont pas la bonne volonté de faire avancer cette transition. C'est ça la réalité. Donc, ils ont voulu composer avec d'autres classes politiques. Par après, on a vu le Premier ministre. Il a même fait des photos avec les partis politiques qui n'ont même pas de militants, les frères Milimono,
Il a regroupé les femmes, ils m'ont fait des photos et d'autres, la Kouyaté et d'autres, vous comprenez? Donc, les trois grands partis politiques, ils étaient à l'écart. Donc, c'est ça qui s'est passé. Donc, ils ont montré que le Premier ministre n'a pas de force, il avait la bonne volonté, mais il n'a pas de pouvoir pour décider quoi que ce soit, sans que Mamadi Doumbouya n'arrive pas à s'impliquer ou ne dit pas ce qu'il veut. Vous comprenez? C'est ça qui s'est passé. Donc, l'opposition a décidé maintenant de descendre dans les rues. Parce qu'ils n'ont rien trouvé comme dialogue, comme solution. Donc, la seule solution que l'opposition a, c'est prendre la rue. C'est aussi simple que ça. Mais est-ce que prendre la rue, là, ne sera pas un peu risqué au moment où... Non, mais on n'a pas le choix. Même s'il y a le risque, mais si on vient au niveau de la table pour dialoguer, si on ne trouve pas une solution, mais quelle est la dernière solution? La dernière solution de l'opposition, c'est descendre dans la rue. Non, ça, c'est pas seulement l'opposition guinéenne. Là où moi, j'ai des doutes, mais bon, de toute façon, quand tu dis on avait prédit tout cela ici, est-ce que l'opposition pourra obtenir ces conditions-là? Est-ce que c'est possible? L'abandon mais ça n'a pas politiques... été obtenu. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. Vous n'avez pas suivi. On peut abandonner les poursuites judiciaires et nos certains leaders, tandis que d'autres sont en prison. Et on avait discuté... Oui, ouais, la libération de Fonike Menge, ouais, toutes ces conditions-là ont été posées, ils n'ont pas été libérés. Le retour des leaders politiques, ça n'a pas marché. Enlever les poursuites judiciaires contre les neuf leaders qui sont à Conakry, ça n'a pas été enlevé. C'est tous les préalables que l'opposition a posés sur la table, rien n'a été satisfait, M. Bangoura. C'est ça la conclusion. Donc, ils n'ont plus de choix, c'est pour descendre dans la rue. C'est ça, ils n'ont pas d'autre solution. Parce que quand vous discutez avec quelqu'un et vous avez des prières avec le gars, la personne que vous êtes en train de discuter n'arrive pas à vous satisfaire, quelle est votre solution? Dernier recours. C'est descendre dans la rue. Donc, on est dans ça. Ça va être très, très compliqué pour la Guinée. C'est ça la réalité. Vous voyez ce qui se passe. Les manifestations, coupures de courant, les enseignants ne sont pas payés. Nos étudiants qui sont au Maroc, 11 mois, ils ne sont pas payés. Les enseignants contractuels, ils ne sont pas payés pendant 6 mois. Tous ces éléments-là, Mamadi est venu trouver tout cela ici, hein, depuis Alpha. Non, mais non, ça s'est passé sous le Mamadi, là. Ça fait 15 mois, ils sont en train de gouverner, mais il ne faut plus maintenant parler sur Alpha Condé. Ça fait 15 mois, ils sont sur l'affaire. Ils sont en train de gérer le pays. Et vous avez suivi, Ousmane Gawal avait dit que l'argent que CNRD a eu, aucun gouvernement n'a gagné ça. Ousmane Gawal a dit ça. C'est les vidéos là, c'est dit. Vous comprenez? Donc, ils ont des moyens. Donc, ils n'ont qu'à payer les fonctionnaires, les anciens contracteurs, ils n'ont qu'à payer les étudiants. Ils y réclament leur montant. Ils n'ont qu'à les payer. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont des moyens, que l'argent est dans la caisse de l'État. C'est ça qu'ils disent le plus souvent. La Guinée, on attend. La Guinée, c'est un pays souverain. Quand vous écoutez notre ministre des Affaires étrangères, Moussanga, c'est ça qu'il dit. La Guinée, c'est un pays riche. On a toutes les ressources naturelles. On n'a pas besoin. Ce que la CEDEAO peut nous dire, il y a ceci, il y a cela. Donc, ils ont les moyens, ils n'ont qu'à payer les gens. Donc, mettez tout ça là au bout en bout. On va dans une crise très, très, très profonde en Guinée. Non seulement une crise politique, mais aussi une crise sociale. Comme je viens de vous citer là, manque de courant, les gens, il y a la galère dans ce pays-là, les gens n'ont pas de beurre, ils n'ont pas d'électricité. Mais l'héritage d'Alpha Condé, le peu qu'Alpha Condé nous a donné à Conakry, le courant, et les Guinéens n'arrivent plus à gagner ça aussi maintenant. Vous voyez partout, ça manifeste à Bambeto, à Alhamdallah, vous partez à Badi Tondo, à Djibril Kalaba. Partout, il y a la manifestation, manque de courant, manque de l'eau. Vous comprenez ce qui se passe. Le CNRD, c'est ça que l'ambassadeur des États-Unis les fait comprendre. Ils n'ont pas compris. Plus vous allez durer au pouvoir, plus la situation va se compliquer devant vous. C'est ça qu'on est en train de voir actuellement. Parce qu'au lieu de se mettre ensemble, d'organiser les élections et partir, mais ils vont créer d'autres situations et ça va les compliquer. Et surtout cette année-là et l'année qui va venir, ça va les compliquer ici parce qu'ils n'ont pas la solution. La seule solution,
qu'ils devraient avoir, c'est comment organiser les élections et partir, cette jeune militaire. Mais s'ils n'ont pas dans ce chemin-là, ça va, la situation va se compliquer avec eux. Donc, ils n'ont pas la bonne volonté, le dialogue politique a échoué, les imams, ils ont échoué, le CNR a échoué. On connaît maintenant le budget. Et parce que nous voulons toujours privilégier ce dialogue. Comme je vous ai dit, c'est possible. Ça s'est passé au temps de Sekouba. On a mis Jean-Marie Doré avec un gouvernement d'union nationale. On est parti aux élections. Est-ce qu'on ne pourra pas faire la même chose? Le budget est connu et puis mettre pression sur eux par rapport. Monsieur Bangoura, en ce qui concerne le gouvernement d'union nationale, ça dépendra du CNRD. S'ils ont la volonté de mettre le gouvernement d'union nationale, c'est bon pour eux. Si c'est bon pour eux, ils peuvent le faire. Mais si ça ne les intéresse pas, ils ne vont pas le faire. Mais néanmoins, l'opposition guinéenne, dans sa grande majorité, c'est-à-dire, je parle des trois grands partis politiques, ils n'ont même pas besoin d'un gouvernement d'union nationale. Ils n'ont pas besoin. Tout ce qu'ils demandent à le CNRD, c'est comment organiser les élections et que celui qui gagne, on donne le pouvoir à cette personne. C'est tout. C'est tout ce que les grandes parties la demandent. Hein. Je ne parle pas des petits partis, les frères, mais ils peuvent rentrer dans le gouvernement d'union nationale. Mais quand les trois grands partis, ce n'est pas ça qui les intéresse. Monsieur Sissoko, ce sont les trois grands partis politiques qui demandent le gouvernement d'union nationale. Là. Ce ne sont pas les frères minoulous que vous accusez. Là. Mais, vous aussi. Non, de toute façon, si ça marche, non, ok. Si c'est les grands partis politiques qui demandent gouvernement national, ça dépendra de CNRD. S'il veut mettre en place, s'il ne veut pas, il n'y a pas de problème. Il y a trois grands partis politiques en Guinée. Les FAI et Mémoro, là, ça, ils n'ont pas de militants. Ça, ce sont les réalités, monsieur Touré. Mais je vais attaquer le deuxième sujet concernant la présentation. Il faut rentrer dans le gouvernement, il faut critiquer ça. Alors, mais dans le gouvernement, où est le problème? On a déjà fait le gouvernement d'union nationale sur Sekouba Konaté. Pourquoi tu critiques? Non, mais j'ai dit, même si cela se passe, moi, j'ai dit, monsieur Touré, moi, je n'ai pas de problème. On met en place un gouvernement d'union nationale. Moi, je n'ai pas un problème pour ça. Tout ce que moi, mon problème, c'est. Tu demandes ça. Faut arrêter. C'est trop indirect. Non, ce que moi, je demande, c'est. Non, monsieur Touré, ce que moi, je demande, c'est l'élection. C'est comment CNRD va organiser l'élection et parti. Voilà, c'est tout mon problème. Mais parce que le CNRD n'a pas la solution. Ils n'ont qu'à enlever les problèmes. Non, ça c'est un autre débat. Je parle des élections, mais le CNRD ne peut pas rester au pouvoir éternellement. Il faut qu'à un moment donné, ils vont organiser l'élection et partir. Ce sont les militaires. Ils ne sont pas faits pour gouverner. Ce sont les militaires. Donc, M. Bangoura, je vais attaquer le deuxième sujet. Ce qu'on a vu hier. Vas-y. Sur la présentation du chronogramme électoral. Ouais. Mm-hmm. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de détails. Il ne faut pas voir cette présentation seulement. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues par ces ministres-là. Ouais. Quand vous prenez Morikone, il nous a fait comprendre. Vous savez, sans la constitution, on peut pas, il n'y aura pas les élections. Voilà, c'est ça. Sans la constitution, il n'y aura pas d'élection, M. Bangoura. Voilà. Sans le fichier électoral, il n'y aura pas d'élection. Mais on a obtenu le chronogramme de 24 mois avec la CEDEAO. C'était le mois d'octobre dernier, le 22 décembre. C'était l'année dernière. L'accord conclu avec la CEDEAO, la nouvelle constitution aurait dû être adoptée à la fin du mois d'avril. Le mois-là, c'est-à-dire après les 24 mois, le chronogramme de 24 mois, c'est-à-dire la nouvelle constitution devrait être adoptée d'ici la fin de ce mois-là. Le mois-là est déjà fini. Donc on a fait 4 mois, on n'a pas pu adopter la nouvelle constitution. Vous avez suivi, lorsque Dansa Kuruma avait organisé l'avant-projet de la nouvelle constitution, vous avez suivi Saliba
Et Saliba, comment dirais-je, le Saliba qui est le. Quel le poste il occupe dans l'armée? Chef d'état-major de l'armée. Voilà. Il avait dit à Dacha Koumandé d'arrêter. Il a dit d'arrêter. Et que la mission principale du CNRD, c'est la rédaction. Non, du CNT, c'est la rédaction de la Constitution. Mais jusqu'à présent, la Constitution n'a pas été rédigée. Jusqu'à présent. Donc, on a perdu plus de 4-5 mois maintenant. Pourquoi Saliba s'est opposé? Ce n'est pas son rôle. Mais parce que nos institutions là, ils ne sont pas forts. Sinon, normalement, Saliba ne doit pas dire le président de la CNT d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Mais il s'est imposé en tant que militaire. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé. Donc, Morikone nous a fait comprendre. Ça, c'est connu. Sur les 10 points, du chronogramme de la transition, tant qu'on n'a pas l'avant-projet de la Constitution, on ne peut pas faire les élections. Il n'y aura pas d'élections. Oui. Donc, il faut tout faire d'abord. D'avoir cela, la nouvelle Constitution. Oui. Donc, jusqu'à présent, il est en train de parler. Il a dit que les accompagnements, il a parlé d'un montant qui se chiffre à 6 milliards. Pour les élections, 6 000 milliards, je crois 6 milliards de francs guinéens pour organiser les élections. Et à peu près 6 milliards, à peu près, donc pour organiser les élections. Vous savez, c'est le ministère du plan et de la coopération, sur les 10 points, le ministère du plan et de la coopération qui doit organiser les élections, le recensement général de la population, elle, la dame là, elle a pris la parole, un montant de 330 milliards de francs guinéens qui correspond à 38 millions de dollars américains pour le recensement général de la population. Donc, c'est le montant qu'on doit dépenser. Mais le ministre du Budget, lui aussi, il a pris la parole. Lui aussi, il a parlé les institutions qui doivent nous accompagner. Par exemple, il a cité la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement, et le système des Nations Unies. Au niveau de la Banque mondiale, il a cité un montant de la Banque mondiale est prêt à donner 45 millions de dollars pour le processus. Maintenant, 12 millions, ça va rentrer au niveau de recensement général de la population. Il a dit que 5 millions sont déjà disponibles pour le processus électoral. Vous voyez, donc la BAD aussi, il est prêt à payer 1 million de dollars. Donc, vous voyez, le système des Nations Unies, on parle de 60 millions. Donc, il a cité des montants là, le ministre du Budget. Les montants là sont insignifiants par rapport au budget total qui s'élève peut-être à 600 ou 700 millions. Monsieur Bangoura, je vais interrompre. Tout le financement visant à s'occuper du processus conduisant le retour à l'ordre constitutionnel est disponible. C'est disponible. Ouais, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. C'est ça qu'il a expliqué. On sera accompagné Alpha Bar. Ils ont cité la Banque mondiale. Est-ce que les 5 milliards, 800 et quelques millions sont disponibles? Je te dis, M. Bangoura, tout ce qui concerne le financement de toutes les activités conduisant au retour à l'ordre constitutionnel sont disponibles. Les enveloppes sont déjà présentées et tout est disponible. L'argent est là. À quel niveau, M. Bali? L'argent est à quel niveau? Monsieur Bali. Non, M. Bali, vous avez suivi le ministre de Budget. Monsieur Sissoko, attendez, s'il vous plaît, Monsieur Sissoko. Monsieur Bali, c'est très important. C'est une information. Monsieur Sissoko, il n'a qu'à nous donner l'information là. Où est l'argent? Oui. Non, Monsieur Sissoko, je vous comprends. Parce que vous êtes dans la salade du CNRD. Et là, vous vous fatiguez. Non, ce qu'ils ont dit, c'est ça que j'ai en train de répéter ici. Monsieur Bali, où se trouve l'argent? Où se trouve la disponibilité là? Où se trouve l'argent là? Monsieur Bangoura. Monsieur Bangoura, je vous dis que ce montant-là est disponible. Ça fait plus d'une année. Tout ce qu'on attend de débloquer le montant, c'est de voir
l'entente et l'obtention d'un chronogramme consensuel accepté de tous et de toutes. C'est tout ce que les institutions attendent. Donc tu veux dire que la disponibilité est là, on attend seulement l'accord, c'est-à-dire entre les parties prenantes, quoi. Non, tout ce qu'on attend de la Guinée, surtout quand je dis de la Guinée, je parle des nouvelles autorités et puis les forces vives. Les forces vives. C'est cette entente-là qui va être obtenue à l'issue du dialogue pour débloquer les fonds. En présence de ces cinq. Ok, Monsieur Barry. Mais est-ce que vous avez suivi le ministre de l'administration du territoire, Maurice Kone, qui dit qu'il compte sur la communauté internationale pour accompagner la Guinée au niveau du financement. Il a dit ça. Monsieur Sissoko, de ce que Maurice Kone est en train de dire ou ce que l'État guinéen est en train de véhiculer comme message pour justifier leur refus de s'ouvrir à un véritable cas de dialogue. Ok, je vous ai compris votre point, mais le point que j'ai en train de dire là, laissez-moi dire ça quand même. Je vous ai compris. Allez-y. On a compris votre point. Je m'excuse d'interrompre. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Donc, ce que le gouvernement nous a fait présenter, M. Barry et M. Bangoura, le ministre de Budget, il a pris la parole. Il dit, il a cité Banque mondiale, il a cité BAD, Banque africaine du développement, il a cité le système des Nations Unies et l'Union européenne. Tous ces éléments-là, ils sont prêts à nous accompagner financièrement. Il a même cité les montants que je viens de vous énumérer là tout de suite. Au niveau de la Banque mondiale, l'argent que la Banque mondiale va mobiliser, BAD va mobiliser, la cité, tout ça là. Mais c'est pas ça où se trouve le problème. Moi, c'est pas au niveau du financement. Moi, je sais que les institutions internationales ils vont nous accompagner financièrement. Parce que le CNRD n'a pas les moyens, tous les moyens d'organiser les élections là. Si la communauté internationale ne va pas nous accompagner, les élections ne seront pas organisées. C'est ça, moi, je connais ça. Donc, et c'est ça qui est clair, c'est ça que Maurice Kone a dit, il a affirmé qu'ils attendent l'accompagnement des organisations, de ces institutions-là pour qu'on trouve les financements pour qu'on puisse organiser les élections. C'est pas ça où je trouve moi mon problème. Maintenant, moi mon problème se trouve où? C'est-à-dire, M. Bangoura, comme je viens de vous dire, sur les 10 points, sur les 10 points du chronogramme, c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit organiser le recensement lié à l'état civil. Vous savez, pour avoir notre fichier électoral, il faut établir d'abord le recensement d'état civil. C'est à travers de ça, maintenant, on va tirer le fichier électoral. On a notre constitution, on peut aller au référendum. Vous comprenez? Oui. Mais maintenant, on dit sur le chronogramme, sur les 10 points du chronogramme, pour faire le recensement lié à l'état civil, que ça va prendre 13 mois. C'est ça qu'ils ont dit sur le chronogramme. Donc, il faut attendre 13 mois. Et sur la conférence qu'ils ont organisée hier, Morkone ne nous a pas dit quand est-ce qu'on va avoir notre fichier d'état civil. Quand est-ce qu'il ne nous a pas dit ça. Vous comprenez? Donc, ce sont des détails. Il ne nous a pas dit ça. Parce qu'ils ont dit que ça va prendre jusqu'à 13 mois. Et pourtant, l'établissement du fichier électoral, ils ont dit que ça va se faire pendant 6 mois. Et pourtant, on doit faire l'autre d'abord. Il faut faire d'abord le recensement lié à l'état civil. Lorsqu'on a établi ça, on peut tirer le fichier électoral. Mais si on n'a pas fait le recensement lié à l'état civil, comment on peut avoir notre fichier électoral? Et la constitution? Vous voyez les questions? Ce sont les détails que les gens n'arrivent pas à nous donner des explications. Vous comprenez? Oui. Donc, on a des problèmes. Je vous aide à ce niveau. Je souhaiterais que vous preniez votre temps, comme à vous entendre parler, vous êtes quelqu'un qui s'investit beaucoup dans la recherche. Vous partez lire le chronogramme dynamique qui a été obtenu suite à la rencontre des experts
de la CEDEAO et les experts des autorités guinéennes. Aujourd'hui, tous ces détails-là, là-bas, toutes les activités qui sont prévues pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ok, il n'y a pas de problème. Tout est là-bas, tout est défini là-bas. Ouais, ouais, ce sont les Alors maintenant, si tout est fini là-bas, tout est bouclé, pourquoi les forces vives ont décidé encore de boycotter cette consultation? Monsieur Bangoura, je ne souhaiterais pas que vous vous habillez dans cette robe de ces politiciens et des opérateurs économiques politiques. Vous comprenez? Ne dites pas qu'ils ont boycotté. Je ne veux pas dire que c'est une insulte envers l'âme. Non, si ils ont boycotté parce qu'il n'y a pas eu une solution. Pour moi, je me suis basé sur ce que tu es en train de dire. S'il y a toutes ces disponibilités, l'argent est là, disponible, comme, sauf si ce que tu nous dis, ce n'est pas vrai. Tout ce que je me base sur ce que tu viens de dire, s'il y a toutes cette disponibilité. Les bailleurs de fonds, attends, on va se comprendre. C'est toi qui viens de parler. Allez-y. Si l'argent est disponible, Alpha, comme ce que c'est toi qui viens de dire, que tout est disponible. Tout ce qui reste, c'est le dialogue entre les deux parties. S'ils tombent d'accord sur quelque chose, le fonds est débloqué tout de suite, on part aux élections. C'est pas ça? Alors, maintenant, si c'est ça, pourquoi les forces vives se retirent à la dernière minute, sachant que les fonds sont disponibles, en posant des conditions? Non, c'est pas un problème de l'argent que les forces vives se sont retirées. C'est pas une question de l'argent. C'est un problème d'argent que je parle. Allez, après, je vais prendre la parole très rapidement. L'objectif est quoi? C'est le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qu'on veut. Les 24 le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça l'essentiel. OK? Maintenant, on veut maintenant savoir comment ils pourront élaborer la nouvelle constitution, l'assainissement du fichier électoral, ainsi de suite, et que tout cela soit fait dans le délai des 24 mois. Alors, si ce fonds-là est disponible, moi, je ne vois en aucun cas ces forces vives-là se retirer de cette consultation à la dernière minute. Moi, je ne vois pas. C'est ce que je veux dire. Non, M. Bangoura, ce n'est pas lié. D'abord. Donnez-moi une minute. Je vais aider M. Bangoura. Voilà. Je commence par vous dire que les forces vives sont constituées de 6 entités. Et en numérologie, 6, ça veut dire l'harmonie. Donc, les forces vives qui ont décidé d'aller dans la rue et sur les places publiques, lorsqu'ils ont été approchés par les prélats de la République de Guinée, ont décidé de reporter les manifestations. Une fois, deux fois. Et en fin de compte, ils ont même arrêté. Ils se sont retirés même de ce processus de report. Ils ont décidé de suspendre d'abord pour donner l'assens aux prélats et au Premier ministre d'obtenir ce cadre de dialogue qui a été toujours recherché dès le début. Vous comprenez? Maintenant que ça nous a pris plus d'un mois, nous connaissons tous les préalables qui ont été demandés. Et malgré la bonne volonté du Premier ministre, Dr. Bernard Goumou, parce que ce monsieur, tout ce qu'il n'a pas pu faire, peut-être, c'est de donner son âme pour que nous obtenons ce cadre de dialogue. Nous avons compris, quand je dis nous, je parle des forces vives, que, disons, le Premier ministre n'a plus de marge de manœuvre. Il ne peut plus rien faire, parce qu'à chaque fois qu'il y a une rencontre... Le problème, Alpha, c'est les conditions posées, l'abandon des poursuites judiciaires. On a parlé de ça, c'est compliqué. Monsieur Bangoura. Bon, on va avancer, Monsieur Bangoura. Vous allez répéter les mêmes questions. On va avancer, Alpha. Je veux insister sur ce terme d'harmonie en numérologie qui veut dire 6. Maintenant, les forces vives, compte tenu de toutes ces réalités-là, ont décidé
de façon inanime de se retirer de ces consultations jugées improductives. Oui. Monsieur Bangoura, on va avancer, pour terminer, pour que les autres aussi puissent parler. Voilà. Monsieur Bangoura. Allô? On vous entend, monsieur Sissoko, allez-y. Voilà. Et il y a un autre point que je voudrais souligner ici. Lorsque les accords qui ont été trouvés entre la CEDEAO et le gouvernement, la CEDEAO avait demandé l'autorité de l'État de mettre en place un comité de suivi. Dans ce comité de suivi, il devrait être composé entre le gouvernement et les forces vives. D'accord. Le mouvement de la classe sociale. Lorsqu'ils ont mis ce comité en place, rapidement, le débat est ouvert, les autres vont parler. Ouais. Voilà. Donc le comité que la CEDEAO avait demandé l'autorité guinéenne de mettre en place, c'est la CEDEAO avait exigé que cette comité doit être composée entre le gouvernement et les forces vives et la classe sociale. Mais lorsqu'ils ont mis ce comité en place, ce comité était composé seulement du ministre et des premiers ministres. Ils ont exclu la classe politique et une grande partie aussi du mouvement social. Ouais. Vous comprenez, vous ne pouvez pas être arbitre en même temps et superviseur. Ouais, donc la CEDEAO même, il n'est pas content ce que le gouvernement est en train de faire, parce qu'il n'y a pas une transparence. Vous comprenez? D'accord. Donc, il y a beaucoup d'éléments que le gouvernement n'arrive pas à résoudre. Il y a beaucoup de détails dans ce chronogramme-là, M. Bangoura. Merci à vous, M. Sissoko. Finis ton temps rapidement. Ok, merci beaucoup. J'ai entendu, je vais continuer, parce que j'insistais sur le cas du Premier ministre. Franchement, il faut remercier le Premier ministre. Il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Mais il n'est pas le dernier à prendre la décision pour mettre ce cas de dialogue. Ça doit finir du Parlement mettre 5. Mais à ce niveau, Mamadi Doumbouya, qui affiche un refus catégorique, parce qu'il ne veut pas céder le pouvoir, il veut se maintenir là-bas, il a décidé, lui et son groupe, de ne pas répondre au préalable posé par les forces vives. Maintenant, ces préalables-là, M. Bangoura, dans un pays où tout le monde, que ce soit l'opposition ou le pouvoir, chacun exprime quand même la volonté de l'apaisement, de la décrispation. Si réellement il y avait une cohérence entre la communication tenue par les autorités et aussi l'autre partie, ce n'est pas un problème qu'on permet à des citoyens qui ont été placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d'être placé sous contrôle judiciaire. Il n'y a pas de problème. On peut le mettre en résidence surveillée. Ouais. Et de l'autre côté, avec le Fonité Mangue, ce qui est demandé, on n'a jamais dit. Parce qu'il y a une vieille rancune qui revient souvent. On dit que non, on veut que la grève arrête. C'est possible. Mais aucun Guinéen, je parle des Guinéens qui ont la bonne foi, ne va souhaiter qu'on arrête les travaux de la grève. Aucun Guinéen ne le souhaitera. Mais si on va poursuivre les gens, il faudrait que cela réponde aux critères de procédure. C'est tout ce qu'on demande. Monsieur Barry, si vous permettez, dans les préalables énumérés par vous, bonsoir, Président. Parmi les préalables, dans la déclaration, en tout cas faite il y a 2 jours ou hier, il est écrit noir sur blanc, la suspension, l'arrêt des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques. Arrêt. Ça veut dire quoi? Expliquez-nous ça, parce que nous, on ne comprend pas ça. Merci beaucoup. Ça, c'est une question qui n'est pas associée de mayonnaise. L'arrêt des poursuites judiciaires, ça veut dire quoi? Dans le contenu de la compréhension déclarative des forces vives, ça veut dire tout simplement les nouvelles autorités de Conakry doivent arrêter d'utiliser l'appareil judiciaire pour poursuivre
quand même dans l'interrogation qui est légitime de la gestion de la transition. C'est ce que je veux dire. Ok, M. Bali, vous faites assez de gymnastique linguistique là, hein, mais vous n'arrivez pas à continuer votre intervention. Non, c'est ce que ça veut dire, Monsieur le Président. Et parce que téléphoniquement, il est là, et puis tout ce qui s'en suit, on a dit beaucoup d'interpellations. Dès que tu prends la parole, tu dis que tu n'es pas d'accord avec la gestion de la transition et tu donnes ton avis de la suite sur les interpellations. C'est ce qui est demandé à ce qu'on arrête. Parce que nous voulons tous cette Nouvelle-Guinée. Mais c'est une Nouvelle-Guinée où tous les citoyens doivent être traités au regard de la loi, pas au regard des émotions ou du sentiment des dirigeants. Non. Mais, mettez-vous à mute là. C'est le tour de monsieur. Mettez-vous à mute là. Les micros sont ouverts. Mettez-vous à mute. Moustapha, mets-toi à mute. Touré, mets-toi à mute. Mettez-vous à mute. Il n'y a pas de bruit chez moi ici. Il y a des bruits. Il y a des bruits quelque part. Mettez-vous à mute si vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Sissoko, mets-toi à mute hein, si tu n'as pas la parole. Alpha, vas-y. Donc, c'est ce que l'arrêt avait dit dans la déclaration. Mm-hmm. Je prends un autre exemple. Le cas de Sano, nous l'avons vécu. Il organise une réunion sur lui. On l'interpelle. On dit qu'il a organisé une réunion non déclarée. Ça, c'était la première fois dans l'opinion publique guinéenne que les Guinéens entendent ça. Donc, ça veut dire, même pour tenir une réunion entre toi et ta femme, au milieu de votre lit, il faudrait que vous informiez et les chefs de quartier, informent sa hiérarchie et puis comme ça, jusqu'au palais, vous mettez 5. C'est ce que nous ne voulons pas. Oui, mais M. Barry, puisque vous parlez du cas de Sano, puisque vous avez donné un exemple, celui de Sano, quelle a été la suite? Quelle a été la suite, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Il a été interpellé, il a été accusé de quelque chose. Il a été au tribunal, devant la justice. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le droit a été dit? Non, parce que le juge, là, c'est quelqu'un qui a appris le droit. Monsieur Barry, de toute façon, c'est le droit qui a été dit. Ce n'est pas le juge X ou Y, non. Le juge qui était là-bas a dit le droit. C'est tout. Non, je suis d'accord donc, avec vous, mais monsieur... Voilà. C'est-à-dire que quand on parle de justice... Bon, allez, finissez votre intervention. Merci à vous, monsieur. Moi, je crois que, monsieur Barry, s'il y a consensus, il y a un consensus dans cette affaire, tout est possible. Il faudrait que les forces vives comprennent cela. Monsieur Bangoura, je vais mourir aujourd'hui, ou demain, après-demain, je ne connais pas. Mais je vous donne une garantie. Les jours où les autorités de Conakry accepteront réellement de s'habiller dans cette peau de cadre de dialogue inclusif qui sera présidé par la CEDEAO en présence du G5, le train de la transition va aller sans aucun déraillement. D'accord. L'argent, ce n'est pas un problème. Mais rapidement, pourquoi vous souhaitez, vous solliciter un gouvernement d'union nationale dans ce cadre? Pourquoi vous voulez un gouvernement d'union nationale? Moi, c'est ma première nouvelle ici. Hein. J'ai entendu ici que c'est les forces vives qui souhaiteraient un gouvernement d'union nationale. Je n'ai jamais entendu ça, ni dans mes réunions internes, ni dans mes échanges privés. Je n'ai jamais entendu ça. Tout ce qui est demandé, ce qui est unanime au niveau de toutes les entités, c'est... De renforcer la pression au niveau des autorités pour qu'elles acceptent pour une énième fois qu'on se retrouve en tant que fils et fille de la Guinée autour de la table présidée par la CEDEAO en présence du G5 et qu'on sorte avec un chronogramme dont tout le monde est d'accord ou la majorité est d'accord. Comme ça, on va sortir de cette crise. Mais vous dites que vous n'avez pas demandé un gouvernement d'union nationale, mais est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement national, un gouvernement d'union nationale pourrait être une solution pour sortir, pour une sortie de crise? Ça s'est passé avec Sékouba Konaté, où on a vu Jean-Marie Doré a joué un rôle très 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 important, et puis ce qui nous a amené aux élections. Est-ce que cela ne sera pas une très bonne idée? Un gouvernement d'union nationale.
Monsieur Bangoura, tout ce que la Guinée a besoin présentement, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour aller vers ce retour à l'ordre constitutionnel, il faudrait que tous les acteurs concernés comprennent cette nécessité et acceptent de se loger dans ce noyau et œuvrent ensemble vers ce retour. Mais si moi, Alpha Barré, je suis là, dans ma communication, je fais croire à tout le monde que oui, je suis prêt qu'on aille à ce retour à l'ordre constitutionnel, alors que derrière les rideaux, je suis en train de formater tout pour empêcher qu'on s'asseye. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'est pas prêt. Tous ces problèmes-là, le père fondateur de toute cette situation, c'est Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre, c'est lui le problème. C'est Mamadi qui est derrière tout ça. C'est lui le problème. C'est lui, hein, parce que c'est lui le père fondateur de la Guinée. Même si on l'aime ou pas, c'est notre papa. Donc s'il veut qu'il y ait la paix dans notre maison Guinée, mais on aura la paix. Mais s'il ne le veut pas, on n'aura pas la paix, M. Bangoura. Parce que la Guinée ne l'appartient pas. D'accord. Ça appartient à nous tous. Mais il s'est engagé quand même à respecter les 24 mois, même un jour ne sera pas. Alors cela ne vous rassure pas, Monsieur Bangoura, Monsieur Mamadi Doumbouya, dans le discours d'annonce de la prise du pouvoir, il a pris des engagements. Mais ces engagements-là aujourd'hui, si vous faites un sondage populationnel au niveau de l'opinion publique, vous verrez que 99,99% se demandent pourquoi il y a eu le coup d'État. C'est pourquoi on a débarqué Alpha Condé. Pourquoi? Parce que tous les éléments qu'il a énumérés, qui les ont amenés à prendre à leur prise de responsabilité, parce que c'est comme ça qu'ils l'appellent, pour moi c'est un fracas du pouvoir, tout ça là est vécu aujourd'hui en Guinée. Et de façon pure, Alpha Condé même était mieux. Oui, d'accord. Vous regrettez Alpha Condé aujourd'hui, mais voilà, on verra. Monsieur Barry, merci à vous. Pas regretter Alpha Condé, on ne le regrette pas. Mais nous sommes dans un contexte. Et ce contexte-là, le contexte d'Alpha était mieux que le contexte de Doumbouya. Ah bon, tu crois? Tu crois à cela? Le contexte d'Alpha était mieux? Non, mais Alpha Condé quand même a réussi à donner les Guinéens de Conakry le courant. Le courant? Il a réussi ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le courant, ce n'est pas... Ce ne sont pas les élèves qui sont contents, ce ne sont pas les enseignants, ce ne sont pas les docteurs, ce ne sont pas les souffriers. Tout le monde aujourd'hui a un ventre creux et ils ont exprimé la peur. Vous voyez des gens se faire assassiner à longueur de journée sur toute l'étendue du territoire national. Par qui? Par le CNRD. Parce que quand je le dis, certains me disent, attends, quand tu vis sous la direction du CNRD, mais est-ce que tu veux dire que c'est Mamadi qui a donné les instructions? J'ai dit, mais Mamadi reste des maires. Officiellement, le président du CNRD, ça c'est un. De deux, le CNRD est défini, c'est-à-dire la définition juridique du CNRD, c'est l'ensemble des forces vives, non, l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Oui. Quand on dit l'ensemble des forces de défense et de sécurité, ça veut dire la police est dans ça. Si un policier tue quelqu'un, c'est le CNRD qui a tué. Les gendarmes sont dans ça. Si un gendarme tue quelqu'un, c'est le CNRD qui a tué. Si un militaire tue quelqu'un, c'est le CNRD. Et tout, c'est le CNRD. Donc, c'est Mamadi qui tue les gens. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, M. Barry, merci. Merci à vous. Merci pour l'intervention. M. Si, du côté de Indiana, bonsoir. Vous avez écouté tout un chacun. Voilà, quelle est votre analyse? Quelles leçons vous tirez par rapport à toutes ces analyses-là, M. Si? Oui, bonsoir à vous, M. Bangoura. Bonsoir à tous les panélistes et tous les auditeurs. Oui. M. Bangoura, je vais commencer mon intervention par une citation de Voltaire. Oui. Il disait, je cite, « La politique est le moyen pour des hommes sans principe de diriger des hommes sans mémoire. » Regarde, et ça résume le caractère des Guinéens que nous sommes en matière de politique. Prenez la classe politique actuelle en Guinée. Ceux qui ne sont pas au pouvoir
Certains qui sont dans l'opposition dénoncent des pratiques. Quand ils viennent au pouvoir, ça s'exprime comme modèle du gouvernement les mêmes pratiques. Ça veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas de pratiques. Les Guinéens que nous sommes, observateurs de la scène politique. Aujourd'hui, M. Bangoura est président, on est contre M. Bangoura. Dès qu'il quitte, on oublie ce que M. Bangoura a fait, de bon ou de mauvais. Mais dès qu'il vient dans l'opposition, on vient avec lui. C'est-à-dire que, pour nous, Guinéens en général, ce n'est que l'opposition qui est bien. Je suis surpris qu'il m'excuse, M. Sissoko m'excuse encore une fois. Je n'ai pas pour habitude de dénoncer les gens, ni même nommément. C'est son point de vue qu'il a donné. Mais je ne suis pas d'accord là-dessus. Il me surprend. Parce que quand j'écoute M. Sissoko aujourd'hui, avec lequel on a eu des débats pendant plusieurs années, sur plusieurs antennes ici, j'écoute le même M. Sissoko aujourd'hui. Si vous voulez supporter le RPG arc-en-ciel, je n'en reviens pas. Il traite le RPG arc-en-ciel de grand parti aujourd'hui. M. Sissoko s'est toujours opposé à ce parti. En tout cas, au moment où Alpha Condé était président là-bas. Et subitement, aujourd'hui, le RPG devient un grand parti pour M. Sissoko. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas attention, nous qui avons la chance d'être écoutés, nous qui avons la chance de nous exprimer sur les antennes des radios communautaires ou parfois ailleurs. Non, mon frère, j'ai dit qu'il y a trois, peut-être vous ne m'avez pas compris, j'ai dit qu'il y a trois grands partis politiques en Guinée. Monsieur Sissoko, vous avez compté le RPG parmi les grands partis politiques. Vous l'avez dit. Je n'ai pas dit que vous avez dit que c'est le seul parti, non. Mais vous avez dit, en parlant des grands partis politiques, vous avez parlé du RPG. C'est ça, vous avez dit que les trois grands partis, UFDG, UFR, RPG. Bref. Ça, c'est pas assez important, mais je voulais simplement attirer l'attention dessus. Maintenant, M. Bangoura, c'est-à-dire encore une fois, il faudrait que nous fassions attention, très attention, les Guinéens que nous sommes. Sinon, notre pays va continuer à stagner. Il y a quelqu'un qui reçoit un appel là, voilà, il n'a qu'à se mettre sur mute. Donc, si on ne fait pas attention, Monsieur Bangoura, la Guinée ne sera que ce que nous voulons qu'elle soit, nous, Guinéens. Oui, tout à fait. Ce ne sont pas les Américains, ce ne sont pas les Français, ce ne sont pas les Sénégalais qui vont faire de la Guinée ce que nous voulons que la Guinée soit. Ce sont nous, les Guinéens. Si on ne s'inscrit pas dans la logique de défendre des principes, nous allons longtemps stagner. Il faut que nous sortions de cette du principe de défendre des personnes. Quand la classe politique, parce que moi je ne l'appelle pas opposition, parce que le régime qui est là n'a pas été, c'est pas un régime, c'est pas, le gouvernement n'est pas un gouvernement élu d'une élection, est issu d'une élection. Doumbouya a fait un coup d'État salutaire. Nous l'avons vu. La majorité des Guinéens ont applaudi le coup. Et puis on l'a toujours, on a tous souhaité ce coup d'État là, de près ou de loin. Bon, donc pour moi, il n'y a pas d'opposition aujourd'hui en Guinée proprement dit. Il y a une classe politique guinéenne qui ne se comprend pas avec le régime en place. Mais le régime en place n'est pas un régime issu des élections. C'est un régime transitaire. Regardez encore une fois, il faudrait que, quand on parle politique de notre pays, nous connaissons tous les acteurs politiques guinéens.
en tout cas les principaux. Mm-hmm. Regardez les préalables demandés par cette classe politique. Mm-hmm. D'abord, quand on est de bonne foi, M. Bangoura, oui. vous venez à une table de négociation, mm-hmm. vous ne posez pas de préalables, mais de quoi vous allez discuter après? Si vous posez des conditions pour votre participation à un dialogue, mais autour du dialogue proprement dit, qu'est-ce que vous allez poser comme problème? Deuxièmement, quand on voit dans cette déclaration une classe politique qui demande l'arrêt des poursuites judiciaires contre les acteurs politiques, mais c'est pour nous dire que ces acteurs politiques-là doivent être sont au-dessus de la loi. Au-dessus de la loi. Aucun acteur politique actuel n'est poursuivi pour des raisons politiques. Aucun. Mm-hmm. Les prisonniers aujourd'hui, qu'on peut peut-être qualifier de prisonniers d'opinion, c'est peut-être les représentants de la société civile, notamment Fonique Mangue et son de ses amis. Peut-être qu'on peut dire qu'eux, ils sont poursuivis pour opinion exprimée, contraire, etc. etc. Mm-hmm. Mais les autres, poursuivis en détention ou en dehors de la Guinée, pour le moment, en tout cas, on ne voit pas quelqu'un qui est poursuivi ou qui a été poursuivi pour des délits politique. Nous vivons, presque tous ceux qui sont à l'écoute de la radio, vivent en général en dehors de la Guinée, en Occident en général. Oui. Mais nous en voulons à ces pays, nous envions ces pays, nous voulons que la Guinée soit comme les États-Unis et dépasse même, nous voulons que la Guinée soit au-dessus de la France, du Sénégal, etc. Nous voulons tout cela, tous ceux qui parlent à la radio ici, je crois, souhaitent cela. Mais on ne veut pas faire ce que ces gens-là ont fait pour être là où ils sont. Mm-hmm. Mais comment on va être là-bas? Monsieur Bangoura, le principe élémentaire, même entre votre enfant et vous, quand votre enfant commence à travailler, Monsieur Bangoura, il ouvre un compte bancaire, il vous met co-signataire ou quoi que ce soit de ce compte. Si vous utilisez l'argent de ce compte, vous avez des comptes à rendre à cet enfant. Tout à fait. Vous devez rendre compte, lui dire, bon, voilà, fiston, j'ai utilisé 1000 dollars de ton argent pour ceci ou cela, j'ai été coincé pour payer telle facture ou telle autre facture, voilà. Et éventuellement, je te rembourserai, etc. etc. Okay. Mais vous devez rendre compte quand vous avez géré. Mais ça, c'est-à-dire que partout, c'est comme ça. Mais pourquoi on veut que ce soit autrement en Guinée? C'est cette condition-là, M. Si, qui bloque, et non tout... Mais oui, mais M. Bangoura, vous l'avez dit tout à l'heure en début d'émission, n'est-ce pas? Peut-être que vous l'aviez prédit. Mais le point, c'est là-bas. Tant que cette condition-là n'est pas acceptée, il y aura blocus. Il y aura blocus. Parce qu'en fait, il y a des gens, ce ne sont pas des principes qu'on défend, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des personnes qu'on défend. On veut que Paul, Pierre, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'ailleurs de le dire, on veut que Sidia et Selou reviennent en Guinée et qu'il y ait une garantie qu'ils ne seront pas poursuivis. Alors que les autres sont en prison. Mais c'est ça le problème. Mais c'est compliqué. Les autres non seulement sont en prison, mais depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Il y a plus d'une année que Kassori Fofana est en prison. Il y a plus d'une année que Damaro est en prison, que Gani est en prison, Oedio est en prison. Ça sera compliqué. Les Fonike Mangue sont en prison, ça va bientôt faire une année. Mais il faut arrêter tout ça pour que... Si, à ce point-là, je peux vous poser une question, à ce point-là. Le point que vous avez énuméré actuellement là. Allez-y, monsieur.
Monsieur Bangoura, si vous me permettez. Vas-y. Allez-y. Voilà, je suis d'accord avec tout ce point-là, monsieur Momersi est en train de dire. Je suis d'accord avec lui. Mais il y a un point que vraiment je ne suis pas d'accord avec le CNRD. Pourquoi? Lorsque, on est tous d'accord, il y a eu le détournement en Guinée. Sous la gestion d'Alpha Condé, il y a eu beaucoup de détournements. On est tous d'accord sur ça. Et non, pas on Alpha Condé, se bat pour que... Pas Alpha Condé. Non, mais ça, été, ça s'est empiré sous Alpha Condé. Monsieur... Voilà, ça a commencé, le détournement a commencé sur l'ancien Conté. En Guinée, depuis 1984, le détournement a commencé en Guinée. Oui, effectivement. Mais ça s'est empiré sur Alpha Condé. Le régime de Alpha Condé s'était empiré. Oui. Ça s'est aggravé sur Alpha Condé. On est d'accord avec vous. Mais le problème, c'est quoi? Oui. Le CNRD, lorsqu'ils sont venus au pouvoir, vous avez suivi la ministre de la Justice, là, comment elle s'appelle? Yari Souma, hein? C'est son nom, ça. Hein? Oui. Lorsqu'elle a demandé le CNRD de présenter chacun de ses membres du gouvernement, de présenter leurs biens, vous avez suivi la suite. Ils n'ont pas accepté, ils ont enlevé. C'est notre débat. Ça fait partie du débat. C'est le même débat. La lutte contre la corruption. Vous savez pourquoi c'est un autre débat, n'est-ce pas? Non. Et ceux qui sont aujourd'hui en détention, Kassori Fofana, Damaro, Diané et autres, vous pensez qu'au temps de leur régime, au temps de Alpha Condé, vous pensez que c'est les moyens techniques ou humains qui ont manqué pour qu'ils créent une structure pareille à celle de la CRIEF? Non. Mais ils ne pouvaient pas créer ça contre eux-mêmes. Mais c'est ça. Aujourd'hui, vous voulez que le CNRD crée une structure qui va se retourner contre le CNRD. Non. Mais ce qui est en cours... Mais monsieur, mon merci. Si on est là pour lutter contre la corruption, laissez-moi placer ça. Mon tour de parole, c'est à vous de me laisser. Non, je vais finir. Une minute. Si vous voulez, monsieur, si vous voulez lutter contre la corruption, vous venez, vous êtes en train de gérer. Vous allez présenter votre bien. Quelqu'un qui lutte contre la corruption, lui-même, il doit être transparent. Mais pourquoi le CNRD, jusqu'à présent, eux-mêmes, ils n'ont pas présenté leur bien? Le moment là viendra. Bon, monsieur, c'est là où je trouve le problème de débat. Vous pouvez aller. Mais écoutez, monsieur Sissoko, il faudrait bien qu'on commence quelque part. Il faut qu'on commence quelque part. Parce que les Qataris, ils ont géré hier, ils sont en prison aujourd'hui, mais ce qu'ils sont en train de gérer actuellement là, est-ce que nous savons de quoi ils sont en train de prendre actuellement là, au niveau du budget? Nous ne le savons pas. Ils sont en train de s'arrêter actuellement là. Voilà. Écoutez, monsieur Sissoko, monsieur Sissoko, nous ne le savons pas. N'est-ce pas? Voilà. Mais l'avantage qu'il y a dedans, c'est que ils ont ouvert la mentalité entre guillemets des Guinéens. Mais mon marché, l'agent judiciaire nous a dit. On oublie le plus souvent. L'agent judiciaire de l'État nous a dit. Le 1er octobre. Il y a d'autres mains. Il y a 421 milliards qui ont été détournés sous le CNRD. 421 milliards de francs guinéens. Allez-y, Monsieur Sissoko. Au temps de Alpha Condé, on a entendu plus que ça, oui ou non? Au temps de Alpha Condé, vous avez entendu qu'une seule ministre, notamment la dame Nabaya, s'est rendue coupable de détournement de plus de 200 milliards. Vous avez entendu ça? Mais oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé parce qu'elle était protégée, elle était membre du régime. Aujourd'hui, on va nous dire que 1000 milliards sont détournés. Eh, ok, mais vous pensez que si cela est vrai, que c'est le CNRD qui va mettre en place une équipe pour faire des enquêtes autour de ça? Mais ce n'est pas possible. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais ce qui est bon par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, c'est le principe qu'ils sont en train d'instaurer. C'est-à-dire renforcer le principe selon lequel, quand tu as géré, tu dois rendre compte. Maintenant, quand ils vont quitter, après la transition, mais le régime qui sera là aura charge aussi d'enquêter sur comment le pays a été géré pendant la transition. C'est comme ça qu'on procède.
Vous avez vu aux États-Unis ici, pendant tout le temps que Donald Trump est resté en prison, beaucoup de dossiers à président plutôt pas prison, beaucoup de dossiers le concernant étaient dans les tiroirs. Parce que c'est lui qui juge, nomme les juges, il avait de l'influence, etc., etc. Mais depuis après, depuis son départ de la Maison Blanche, les dossiers, on les sort tous les jours, contre lui. Mais c'est comme ça, à partir de... Non, présidentie, même pendant sa présidence, il y avait des poursuites et des enquêtes qui étaient organisées autour de sa personne et de sa gestion. Mais qu'il a, à quel moment il a été inculpé? À quelle occasion il a été inculpé? Il n'a jamais été inculpé, il n'a jamais été inquiété. Il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été inculpé. Je lance un dossier. Mais maintenant, il est inculpé. Une commission d'enquête a été établie dans ce contexte et ça a été confié à Bob Mueller. D'accord. Il y a tout un livre qui a été... Le résultat, il a été quoi? Le résultat, c'était quoi? C'est le tour d'antenne de M. Spier. Ce n'est pas les enquêtes, c'est le résultat des enquêtes, parce que les enquêtes visent quelque chose. C'est ce qui compte. Il ne s'agit pas simplement de faire des enquêtes pour des enquêtes. Mueller a fait les enquêtes. Dans le dossier, il y avait beaucoup de choses qui compromettaient Donald Trump. Le ministre de la Justice, Barr, a même voulu refuser de transmettre le résultat des enquêtes à Nancy Pelosi, qui était à l'époque président de la Chambre des représentants. Il a refusé, il a interprété, il a fait un résumé. Mais Nancy Pelosi, à l'occasion, lui a dit, donc, nous n'avons pas besoin de votre résumé, nous avons besoin du texte, nous avons besoin du rapport, nous pouvons l'interpréter nous-mêmes. Pourquoi Barr l'a fait? Parce qu'il était ministre de la Justice de Donald Trump. Il était ministre de la Justice de Donald Trump, donc il a mis le pied dessus. Connaissant tout ce qu'il y avait dans le rapport, s'il avait donné à Nancy Pelosi, qui n'est pas du même parti que Donald Trump, ça allait être un scandale contre Donald Trump. Mais c'est ce qui le rattrape aujourd'hui en partie. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que j'ai dit. Donc vous dites qu'il n'a jamais été inculpé. Quand on parle, la crise dont on parle. Comment? Il n'a jamais été inquiété. Qu'est-ce que vous appelez inquiété? Qu'est-ce que vous appelez? Qu'est-ce que vous comprenez par inquiété? Durant son mandat de président. Par qui? Qu'est-ce que vous comprenez par inquiété? Qu'est-ce que vous appelez par inquiété, M. Barry? Non, mais monsieur, je ne suis pas à avoir ce débat avec vous. Bon, on aura après alors. Donc laissez-moi finir. On aura ce débat là alors, si vous voulez. D'accord, voilà, on va laisser mon merci finir. Pour revenir au cas de la Guinée, Monsieur Bangoura, pour revenir au cas de la Guinée, n'est-ce pas, tout ce qu'on dit, tout ce que la classe politique fait aujourd'hui, vous l'avez rappelé en début de mission, et je suis d'accord avec vous. Quoi que qu'on fasse, tant qu'il n'y aura pas la garantie du retour de Sello et de Sidia, c'est-à-dire une garantie qu'ils vont rentrer en Guinée et qu'ils ne seront pas poursuivis, la classe politique ne sera jamais d'accord avec le CNRD. Donc le dialogue là n'aura pas lieu. Mais attention, à ce niveau aussi, ça dépend de quel bord vous vous trouvez. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de dialogue. Mais d'autres pensent qu'il y a le dialogue est là. Le dialogue est là. Et le programme arrêté avec la CDAO est en train d'être appliqué. C'est en par rapport à cela que le gouvernement a fait une sortie hier ou avant-hier pour demander, pour maintenant quantifier les besoins par rapport à l'accomplissement du programme de la transition. Ils ont dit voilà, 24 mois, voilà ce que ça va coûter. Et nous avons besoin d'assistance financière. Le dialogue, c'est nous peut-être qui en parlons, pour les autres, le dialogue est là, c'est un cadre, comme ils l'ont défini, un cadre de dialogue permanent. Il ne s'est pas arrêté, il est là. Le dialogue va toujours continuer. Ceux qui souhaitent rejoindre le dialogue à n'importe quel moment, d'après ce que j'ai compris, seront libres de venir. Mais on n'a fermé la porte à aucun acteur politique au dialogue.
aucun parti, aucune formation politique, j'allais dire. Aucune formation politique n'a été écartée dans ce dialogue. Aucune. Mais, encore une fois, nous nous sommes mis dans la logique de défendre des individus au lieu de défendre des principes. Quand vous prenez le cas de Sidi Touré, n'est-ce pas? Pourquoi Sidi Touré est en Guinée et est sorti de la Guinée? Qu'est-ce qui empêche Sidi Touré de rentrer? À ce que je sache, il n'a pour le moment, en tout cas, jamais été cité dans une affaire en Guinée concernant la CRIEF ou quoi que ce soit, pour le moment. Sa maison a été expropriée de façon illégale. Il n'a pas de domicile. Donc, c'est pourquoi il a été... M. Touré a plus de domicile que vous et moi réunis en Guinée, M. Barry. Monsieur Sidi Touré a plus de domicile que vous et moi réunis. Un, deuxièmement, avant qu'il ne sorte de la Guinée, quand il a été délogé, il n'était pas dans la rue. Non, on a vu les images de la maison qu'il a habitée et cette maison était encore plus belle que celle de la liberté. Et puis voilà, on m'a laissé mon monsieur son tour. Sidia n'était pas sans abri. Nous, on a le courage de dire les choses de la façon dont ils se sont Monsieur Barry, si vous avez un peu de considération d'ailleurs pour Sidia, vous n'aurez pas dit que Sidia n'avait pas de logement en Guinée. Si vous avez un peu de considération pour lui. Donc, c'est vous qui le dites. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je viens de la Guinée, M. Barry. Je suis allé en Guinée en décembre 2022. Je suis revenu en février, fin février. J'ai été jusque devant la cour de la maison de Sidia, jusque devant sa cour. C'est vous qui dites qu'il n'a pas de maison. Sidia, je suis allé jusque devant sa cour. Il est voisin à une connaissance. Alors, vous vous dites qu'il n'a pas de maison. Ça, c'est vous qui le dites. Il a été délogé de la maison de la minière. Il ne s'est pas retrouvé dans la rue. Il était dans une maison. On a vu ces images qui sont encore une maison d'ailleurs qui est plus belle que celle qu'il occupait. La seule différence, c'est que la minière était au bord de la mer. Et Sidia n'était pas un sans domicile fixe. Ah non, désolé, si vous avez un peu de considération pour Sidia, vous ne pouvez même pas imaginer ça pour Sidia. Bref, donc, M. Bangoura, de toutes les façons, je suis d'accord sur ce que vous avez dit. Le problème, c'est un problème de personne. Tant que ce problème-là ne sera pas, tant que le CNRD n'accédera pas à cette demande, il trouvera toujours moins de saboter le dialogue. Toujours moins de se retirer du dialogue. Mais ce qui est réconfortant pour les Guinéens, c'est que, malgré tout, le gouvernement continue à faire son travail. Malgré tout, le dialogue continue. L'inconvénient de ce sabotage, c'est encore retarder le processus. C'est encore retarder. Dumbuya n'a rien à perdre. Quand on dit qu'il n'y a pas de dialogue, etc., etc., on n'est pas d'accord sur ce qu'elle fait. Si par extraordinaire. Mais la reprise des manifestations aura des conséquences. C'est ce que nous voulons éviter. Monsieur Bangoura, il y a eu combien de manifestations au temps d'Alpha Condé? Combien? À un moment donné. Il y a eu toujours des morts. Nous, c'est ça. C'est ce que nous voulons éviter. C'est ce qui est regrettable. Et encore, ceux qui appellent à manifester, vous ne les verrez jamais là-bas avec les enfants. C'est les enfants des autres qui poussent dans la rue. C'est ça aussi. C'est ce qui est aussi regrettable. N'est-ce pas? Ouais. Ils vont continuer à manifester. Et les forces de l'ordre ne vont pas les laisser se rendre maître de la cité, il y aura affrontement. Malheureusement, il y aura encore des victimes. C'est ça qui est malheureux. Heureusement pour vous, c'est des assassinats. Et vous réussissez, c'est ça. La manifestation est un droit. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous que la manifestation est un droit. Mais ce droit aussi, pour l'appliquer, il y a des préalables. Mm-hmm. C'est ça aussi. Même au temps d'Alpha Condé,
quand on disait aux gens, on interdisait, quand les autorités locales refusaient la manifestation, en aucun moment, la classe politique de l'opposition d'alors n'a suivi la loi. C'est-à-dire que vous avez le droit de manifester. L'autorité locale, pour telle et telle raison, a le pouvoir de vous refuser. Vous, en tant que citoyen, avez le droit, après refus de l'autorité locale, de faire recours à telle autre structure. Ça n'a jamais été le cas. Mais épuisez d'abord toutes les voies de recours avant de prendre la rue. Quand le maire de Matoto vous dit qu'il n'autorise pas votre manifestation, mais la loi prévoit quelque chose. Mais allez à ce niveau, mais vous ne le faites pas. Mais on veut parler d'état de droit. L'état de droit, vous avez des droits, c'est vrai, mais vous avez aussi des devoirs. C'est malheureux que pour deux, trois personnes, on veuille encore créer des situations, donner l'impression que le pays n'est pas stable. Et quand le pays n'est pas stable, il n'y aura pas d'élection. On ne peut pas organiser des élections dans l'instabilité. Et alors, ceux qui veulent que Mamadi parte, il restera. Tant qu'il y aura instabilité, peut-être que, je ne le souhaite pas, un autre militaire va peut-être faire le coup, mais ce dernier aussi, il faut pas, c'est pas parce qu'il va faire le coup d'État samedi, dimanche, il va organiser les élections. Il va faire le coup, il va s'installer, il va faire ci et ça, et puis on parlera d'élections. Ça va être un perpétuel recommencement. C'est ça, M. Bangoura, je vous remercie, je suis à l'écoute. Allô? Oui, je suis là. On vous entend, hein? On vous entend, M. Sur ce premier aspect. Maintenant, ouais. Le deuxième aspect, le budget présenté par le gouvernement. Le budget présenté, bon, voilà. Moi, je suis très content d'apprendre de M. Barry que l'argent est disponible. Maintenant, l'argent est disponible, moi je ne comprends pas pourquoi ce refus, se retirer de ce processus, je ne comprends pas, M. Barry. Puisque l'argent est disponible, M. Bangoura, l'argent est disponible, on nous dit. Le gouvernement a fait une sortie officielle, parce que presque tous les membres du gouvernement étaient là-bas, à la rencontre, avec en tête le chef du gouvernement. Ils ont fait il n'y a pas de sortie plus officielle que ça. Maintenant, puisque les bailleurs de fonds étaient tous représentés et ils ont suivi ça, si l'argent est disponible, peut-être que la semaine qui commence lundi, ils vont faire une déclaration eux aussi pour dire, bon voilà, le gouvernement guinéen a estimé à ceci les frais liés à la transition, les fonds sont disponibles ici. C'est tout. Et ça, on ne demande pas mieux. Moi, je ne me lance pas dans ça. C'est-à-dire que, M. Bangoura, quand je vous dis de faire un travail, puisque ce n'est pas gratuit, le préalable, c'est de m'informer de combien va coûter le travail que je vous demande de faire. Mon problème, c'est quoi avec les forces vives, et non cette fois-ci, s'ils savent que l'argent est déjà disponible, les 6 000 milliards sont déjà disponibles, sécurisés par les bailleurs de fonds. Pourquoi se retirer de ces consultations-là à la dernière minute? Je ne comprends pas ça. Vous savez pourquoi? Monsieur Bangoura, vous savez pourquoi? Non, écoutez, Monsieur Bangoura, vous savez pourquoi? Oui. Et c'est parce que simplement Sidia et Selou ne sont pas dans le... Parce que si les élections ont lieu sur cette base, c'est que les deux-là sont disqualifiés. Parce qu'il ne peut pas rentrer. Parce que pour être candidat, il faut rentrer, présenter sa candidature. Donc, si le processus continue, et ils ne sont pas là, ils ne pourront pas être candidats. C'est tout. Mais il faut qu'on se dise la vérité. C'est ça la vérité. Mais vous l'avez dit, M. Bangoura, il ne faut pas qu'on tourne. Disons-nous la vérité, c'est ça le fond du problème. Merci. Voilà. Merci à vous, M. Si. On va prendre Mme Ba du côté de l'homme avant de prendre M. Ousmane Ba.
du côté de New York. Madame Ba, bonsoir. Monsieur Bangoura, bonsoir à vous. Mais comment allez-vous? Bonsoir à ma soeur Moui, j'espère qu'elle nous écoute souvent. Oui, elle nous écoute, elle va très bien. Dieu merci. Je dis bonsoir à tous les auditeurs, monsieur Si, monsieur Barry, que j'ai écouté tout à l'heure avec Sissoko, et monsieur Touré. Je suis là depuis un bon moment, j'écoute attentivement. Oui. Mm-hmm. D'abord, avant de passer, je vais poser une question à monsieur Si, il va me répondre peut-être après. Mm-hmm. Parce qu'il a dit que le coup d'État a été majoritairement salué. J'ai vu voir son camp. Il a lui aussi applaudi le coup d'État. Ça, c'est ma question, mais il peut répondre ça. Et ensuite, je ne fais pas l'avocate du diable. La première action de l'avocate du diable, c'est quand monsieur Condé va venir. Parce que je pense que la punition est déjà terminée là. Ensuite, pour le cas de la question de monsieur Sissoko, quand il a dit tout à l'heure que RPG est un grand parti. Oui, monsieur, si on peut dire qu'RPG est un grand parti, même si on refuse, on a rejeté le parti, mais il faut reconnaître quand même la grandeur du parti. La grandeur d'un parti ne fait pas la qualité du parti. Peut-être c'est là où... Non, madame, excusez-moi. Moi, je ne suis pas... Je reconnais. Moi, j'ai toujours reconnu la grandeur de ce parti. Mais c'est monsieur Sissoko qui n'a jamais reconnu ça. Ok. Dans quel sens il n'a pas reconnu. Bon, il va venir. Je pensais que... Vous étiez en train de critiquer de la, pourquoi il a dit que le RPG était... Si j'étais à la place de l'AMAD, c'était de passer à un gouvernement d'union nationale. Et je vous, et croyez-moi, M. Bangoura, ce gouvernement d'union nationale allait plus aider l'AMAD, même que ses opposants-là. Pour beaucoup, pour aujourd'hui et pour même demain. Mais ce n'est pas à moi de vendre ici mes conseils, parce que les gens ne peuvent pas s'enrichir en Guinée là-bas quand nous sommes là au débat. Et apparemment, les gens ils viennent, ils vous suivent et après, ils vous contactent. Ils voient que peut-être vos messages sont passés. Donc voilà, j'ai arrêté. Je vais arrêter ça. Même si je vais donner mon point de vue, je ne vais pas aller en profondeur. Et ça, ce n'est pas simplement le gouvernement, même l'opposition. Monsieur Bangoura, ce gouvernement d'Union nationale, il y a Monsieur Ba aussi, je pense, de Kindia, ouais. Le maire de Kindia, qui avait essayé de parler de ça. De parler de et ça. Et moi, personnellement... Je crois que Madame Ba, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Dès le début, M. Bangoura, bon, je vous ai dit ça il y a longtemps. Et je vais vous dire, ce que M. Doumbouya n'a pas compris, parce que c'est un militaire, ce n'est pas un politicien, on ne l'a pas expliqué. Parce que vous savez, quand vous gérez quelque chose, quel qu'en soit, même pas simplement un pays, pensez à aujourd'hui, même au boulot, quand vous partez pour une interview, on vous demande how are you going to look at the big picture? Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui, demain encore, qu'est-ce que tu peux apporter ou bien toi-même pour ta sécurité demain? M. Doumbouya pouvait... Le colonel pouvait faire un gouvernement d'union nationale pour avoir une transition, je ne dis pas paisible, peut-être on se dit que la transition est en ce moment paisible, c'est parce qu'il y a des personnes qui sont un peu contre que ça ne va pas être paisible, mais je veux dire une transition plus paisible. Et dans le futur, il peut être à l'abri de beaucoup de choses. Et je pense même que c'est ce que Sékouba Konaté a fait, ou du moins un peu. Donc, ce gouvernement d'union nationale, moi, j'ai toujours applaudi. J'ai même suggéré ça au début. Et si je me réjouis que l'opposition nous dise, oui, qu'elle est partante. Je ne suis pas ici en train d'être un peu injuste. Je pense que c'était un débat que j'ai eu à faire avec M. Sidibé à l'époque, où je disais que chaque fils s'occupe de l'héritage de son père. Quand la CRIEF est venue, ils ont dit pourquoi ils ont attrapé les gens de RPG, ils n'ont pas attrapé les trucs. Moi, je vais dire ici quoi par là, M. Bangoura. Si Alpha Sékou Touré est venu, quand Sékou Touré est parti, parce que ces crimes ont commencé dès le temps de Sékou Touré. Le crime, ce n'est pas simplement le crime économique. Il y a toutes sortes de crimes. Si Sékou Touré est parti, Lansana Conté est venu, il n'a pas suggéré cet héritage-là, il n'a pas envoyé sa CRIEF. Je ne dis pas demain, qu'il ne faudra pas poursuivre les gens de Sékou Touré. Si Lansana Conté est parti et que Alpha Condé est venu, il n'a pas poursuivi ces gens, ça, c'est le choix de Alpha Condé. Et ensuite, Alpha Condé même allé au-delà, il a pris même les gens de Lansana Conté. Si Doumbouya est venu, lui, il a décidé d'envoyer ses prédécesseurs
C'est lui qui sait. On dit quand quelqu'un met le feu dans sa bouche, qu'il sera celui qui l'a mis la langue. C'est son choix. Maintenant, pour la paisibilité du pays, ces personnes même que nous sommes en train de défendre qui sont dans le pays, et en prison, et Kassori, c'est eux qui nous ont envoyé cette expression disant que nous préférons l'ordre à la loi. C'est à Doumbouya de vérifier, d'aller au-delà de ce que nous appelons ici expertise, d'avoir géré le pays, parce que déjà, quelqu'un qui est président, je me dis que vous n'êtes pas bête. C'est de voir ce qui peut l'arranger lui-même pour sa transition, ce qui peut arranger le peuple de Guinée, et ce qui peut arranger demain ce pays. Je veux dire quoi? Cette poursuite-là, nous savons, on va aimer Alpha Condé ou bien on va le détester. On va aimer Cellula ou bien on va le détester. On va aimer Sidia ou bien on va le détester. Ces trois-là, comme vous tous, vous êtes unanimes là-dessus. Ce sont des grands partis et ils ont le peuple derrière eux. Et quand ce peuple-là est contre une transition, puisqu'ils font partie de la majorité, ça ne peut pas aller de l'avant. Si maintenant, ils ont mis une table, ils ont décidé, moi personnellement, je vous ai dit ici, je veux une transition paisible. Si Doumbouya peut construire même des gratte-ciel, je suis partante, ok, c'est une chance pour nous. Et qu'il nous organise une élection libre, transparente et inclusive, M. Bangoura, où tout le monde sera présent. C'est ce qui serait mieux d'ailleurs pour Doumbouya. Je vous ai dit ici, je le répète, parce que l'opposition ne veut pas entendre ça. Moi, personnellement, et je vous ai dit encore que je suis de Oufoué, je n'ai pas peur qu'un militaire qui va venir développer le pays soit au pouvoir, ou que quelqu'un qui est illettré, je veux qu'il y ait simplement une Guinée. Si peut-être où les intellectuels ont échoué, que sont les militaires ou bien sont les illettrés qui peuvent venir développer, je n'ai pas de problème. Donc, je n'ai pas de problème avec ce que vous appelez la transition et sa durée. Je veux simplement une transition qui va réussir et quand on ira aux élections, qu'on ait une élection où tout le monde sera là. Oui. Je l'ai toujours dit. L'idéal, c'est que ce n'est même pas que celle-là se présente. Ce n'est même pas que Sidia se présente. Et ça, ce n'est pas parce que, comme on appelle ça, je me dis qu'il y a des casseroles derrière eux. Non, c'est parce que je préfère que ça soit une jeune classe, qu'on rajeunisse ces partis-là. C'est mon seul problème. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils traversent. Mais si, dans l'ensemble, les Guinéens disent non, nous, on connaît Sidia, on ne connaît pas Talibé, on connaît Selou, on ne connaît pas Fode Oussou, c'est Alpha Condé, on préfère, on ne connaît pas Kassori, c'est leur foi. C'est ça aussi, je me dis, ça fait partie aussi de la démocratie. Donc, si arrivé à un certain moment, Doumbouya même doit d'abord voir son cas maintenant et voir son cas demain. Monsieur Bangoura, ce qui me peine un peu dans tout ça, c'est cette démission précoce des forces vives. Monsieur Sissé vient de dire tout à l'heure, quand vous avez directement lancé le sujet, je me suis un peu rappelé ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et c'est ce que Monsieur Sissé vient d'expliquer. Tant qu'il y a une instabilité politique, il n'y aura pas d'élection. Doumbouya va gérer. Où Gbagbo a fait cette stratégie pour rester 10 ans au pouvoir. Vous allez me dire que, et la suite de Gbagbo, c'était la CPI. Et je vais vous répondre en vous disant que, après CPI, Gbagbo est retourné, aujourd'hui il serre la main. Qui a perdu le peuple? 3000 personnes qui sont allées comme ça au plus. Ce peuple-là, c'est qui? Ce n'est pas Doumbouya, ce n'est pas Selou. C'est que quand vous allez refuser le dialogue, Doumbouya va envoyer des stratégies. Et chaque fois, le monde se mûrit, le monde devient plus mûr. Chaque problème, là, les solutions, là, les gens, ils en voient. Il y a des gens qui ont été témoins de ce que Gbagbo a eu. Ils peuvent essayer de faire comme Gbagbo et avoir des stratégies encore plus lourdes pour ne pas être peut-être demain taxé ou bien demain incriminé. Ouais. Je vous jure, c'est comme ça. Quand vous prenez un voleur qui sait que quand il vient chez vous, là, il sait que vous ne laissez pas votre porte fermée, il va venir tranquillement, il va rentrer. Mais quand il sait que la porte sera fermée, prochainement, il va venir avec quelque chose pour pouvoir défoncer. Donc chaque fois, ces gens-là, quand ils sont là, ils font quelque chose-là. Ils savent qu'il y a des conséquences. Et ces conséquences-là, souvent, ils s'apprêtent à les affronter. Ouais. Donc moi, aujourd'hui, quand je vois cette opposition, bien cette force vive, dire carrément ils sont en train de rejeter le dialogue, c'est pour leur rappeler que Doumbouya peut venir s'installer encore plus longtemps. Plus longtemps. Doumbouya avant de s'installer, tout à fait. Mais voilà, il y a une chance que Doumbouya... On est en train de donner l'opportunité à Doumbouya de changer de stratégie.
Monsieur Bangoura, c'est clair. Ouais. Et cette fois-ci, Doumbouya peut venir avec une avec un argument solide. Avec un argument solide. Mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, avec une excuse plus solide que celle de Babo. Babo n'a pas voulu même s'asseoir pour presque discuter. Mais Doumbouya, il va le prouver à l'opinion internationale. Combien de fois il a voulu discuter. Et dès les premières heures de la discussion, ces gens-là ont quitté la table. Ouais, ça veut dire que c'est comme si moi, M. Bangoura, je viens déjà, je sais qu'il y a, on m'a expliqué une anecdote, un truc que moi-même je connaissais, ok, où il y a des gens déjà, ils ont reçu écho de quelque chose. Je vous donne un exemple, on vous dit, ah, madame a préparé, c'est pas bon. Et dès que vous venez, on vous sert le riz, au moment où vous mettez la première cuillerée, la deuxième cuillerée, vous dites, ah, tu vas trouver ça même, c'est pas bon. C'est parce que vous êtes déjà venu avec l'intention. Vous êtes déjà venu préparer. Donc, cette opposition qui vient, qui quitte la table aux premières heures de ces négociations, c'est comme si elle était déjà venue avec l'intention de partir, de ne même pas faire partie de ce dialogue. Et je ne pense pas que ça va les arranger. Monsieur Bangoura, on a vu le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. On a vu le cas de ces manifestations où il y a eu des morts. Et n'oubliez pas, vous là, que ce soit Sidia, c'est lui-même Alpha Condé. Dieu seul sait. Combien d'années vous aviez en politique? Donc moi, je pense que c'est le bon moment. Et ces grands partis-là, ce qui fait plus peur, je l'ai dit ça ici, ce n'est pas peut-être les dédouaner, malgré que je veux que ça change. Quand vous prenez Sidia, vous enlevez Sidia à l'UFDG, à l'UFR, vous enlevez Selo à la tête de l'UFDG, ou bien vous enlevez, je ne sais pas qui, quelques-uns à la tête de RPG, pour que ces partis-là se reconstruisent et aient le même taux d'électeurs, ça va prendre encore 5-10 ans. Pour que l'UFDG ait un homme fort, c'est la seule raison qui a fait que la dernière fois dans un débat, ici, je disais que... On voit Ousmane Gawal là, qui est en train de préparer... Ah, M. Bangoura, Ousmane Gawal, lui, politiquement, M. Bangoura, j'aime pas dire... On l'a dit sur Adafo Media, moi j'ai l'impression qu'il ne veut pas céder, hein. Il est en train de préparer... Pas qu'il va céder. Je vais vous dire quelque chose. Je pense qu'on ne va pas rentrer dans ce débat. Ça, c'est un autre débat. Mais Ousmane Gawal même sait que... Qu'est-ce qu'il a fait, Ousmane Gawal? Il sait. Et cet elle-là, il l'a plus. Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas se reconstruire. Vous avez parlé de changement, de... C'est pour ça que ce changement... Ok, on va aller sur Ousmane Gawal. Bangoura, tu parles de changement, aujourd'hui, à laquelle tu n'appartiens pas, où je suis. Il ne faut pas minimiser aussi Ousmane Gawal. Il a travaillé pour ce parti-là. Il ne faut pas le minimiser. Il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Ça sera un autre débat. Parce que là, si on parle de changement, c'est Mme Ba qui l'a dit. On reviendra sur ça. Vous voyez déjà ce que je dis est confirmé. Vous nous avez donné un exemple sur un Ousmane Gawal aujourd'hui directement qui est rejeté. Avant que Ousmane Gawal d'abord n'ait cette crédibilité d'être à la tête de l'UFDG, d'être accepté par les UFDG, vous avez déjà que ça va prendre peut-être une décennie. Vous voyez déjà mon fils qui est en train de rejeter directement. Et il fait partie de ces gens qui doivent choisir. OK? Donc c'est pour vous dire que c'est ce qui est un peu plus, je trouve un peu plus dangereux pour ces grands partis-là, ces changements. Ça peut, les personnes qu'ils vont envoyer, ça peut réduire le nombre de leurs électeurs. Ou bien ça peut envoyer peut-être quelqu'un qui est un peu moins inexpérimenté. Moins expérimenté, j'allais dire, qui est inexpérimenté. OK? Donc, quand vous partez sur cet angle-là, M. Bangoura, moi je me dis, aujourd'hui, ce que Doumbouya doit faire. Il nous rassure, j'ai écouté le discours de Mori Kondé. Ils nous disent les 6 millions de dollars. Les 600 millions du moins, c'est dollars. Les 6 milliards. Oui, ça fait 600 millions de dollars. Quand on arrondit, ça fait 600 millions de dollars. Voilà. OK? Donc, si nous prenons ce discours-là, et on nous rassure déjà... Et puis, Madame Ba, c'est trop pour organiser une élection dans un petit... C'est trop. Mais je vais vous dire quelque chose, M. Bangoura. Sauf si quelqu'un qui est là, qui vient qui vous dire que vous voulez vous débarrasser d'une personne, la personne vient, il vous dit non... Si vous ne me donnez pas 10 000, je vais partir. Même si vous avez que 10 000 là, c'est trop. Mais vous êtes obligé de donner. Non, ça veut dire que pour moi, les 600 millions de dollars là, leur suffit pour quitter le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont prendre ces 600 millions. Mais maintenant, est-ce que vous avez le choix? Voilà. Et on n'a pas le choix. Ils vont garder le reste pour leur permettre de vivre après. Ce qui reste clair, moi, je préfère même ça.
J'ai toujours dit à quelqu'un, quand quelqu'un vient et vous prend votre richesse, ok, c'est ce qu'on appelle, la personne n'a pris que les œufs. Si la poule est en forme, elle va encore pondre. Si Dumbuya peut venir, il va prendre, viser les caisses. Si aucun Guinéen n'est mort, on va encore se relever. Si les élections sont libres et transparentes et on a pas eu de crise, on a eu quelqu'un qui est là, qui va venir aimer et diriger ce pays, on va encore se relever. Ces 600 millions là de dollars pour qu'un pays ait sa stabilité, retourne dans une démocratie. Ouais. Franchement, M. Bangoura, moi, mon problème n'est pas à ce niveau. C'est et j'ai toujours dit à ces militaires-là, même si c'était des gens que je n'aime pas, si quelqu'un me demande de leur conseil, je vais leur dire, quand vous êtes en train de faire quelque chose aujourd'hui, pensez à demain aussi. Pensez à votre sécurité aujourd'hui, mais pensez à votre sécurité plus demain. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le pouvoir. La sécurité dont vous avez besoin, peut-être, elle est minime par rapport à celle que vous aurez besoin demain. Parce que ça, ce sont des camps. Quand vous gérez un pays, ça va de génération en génération. Même vos enfants, vous avez vu, entre parenthèses, que moi, un homme que je n'ai jamais supporté dans ma vie, quand je lis ces histoires, c'est Sékou Touré, mais aujourd'hui, Dieu seul sait, je ne pense pas s'il y a un Guinéen qui peut aimer Mohamed que moi. Et qu'il y a un Guinéen aujourd'hui qui est peiné, qui prie aujourd'hui pour que Mohamed soit libéré, parce qu'il ne peut pas prendre le fardeau de son papa. Donc, c'est pour vous dire, et pourtant, aujourd'hui, ce monsieur, on a écouté des gens flagramment pour un cas domestique, pour un cas, je dirais même culturel, que ce qui n'est même pas crime, moi, sur moi. Qu'on mette quelqu'un en prison pendant 20 ans, et que vous voyez des gens qui disent, oui, c'est le fils, on veut qu'il prenne le fardeau, ils l'ont jeté, ils l'ont traité de tout, ils l'ont traité de parce que son papa était peut-être ça. C'est pour cela, souvent, quand vous faites quelque chose, pensez à votre génération. Donc, quand vous faites quelque chose, pensez aux conséquences et ce que ça va peser demain, même étant dans votre tombe, M. Bangoura. Donc, ce que là, il m'a dit, doit comprendre, qu'en Guinée, il est surtout lui-même là, il est très, 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 très jeune. Il y a des partis politiques comme le RPG qui sont même âgés que lui. Ce monsieur, on l'a dit que oui, qu'il était un Rawlings, il était, comment il s'appelle l'autre là, de Burkina là. Non, pas du Burkina, même du Mali. Et, ça veut dire quoi? Tu viens, tu fais bien la transition, tu t'en vas, on connaît. Je ne sais pas, c'est monsieur-ci qui disait tout à l'heure que souvent on oublie ou bien on réclame toujours. Malheureusement, en Afrique, c'est ça, hein. On a toujours réclamé nos prédécesseurs parce qu'on va toujours de choses de mal en pire. Donc, ce qui fait que ce dire-là, on le réclame toujours. C'est comme si on n'est pas satisfait. C'est pas parce qu'on n'est pas satisfait, parce que chaque fois, on gagne quelque chose qui était pire qu'hier. Donc, peut-être que Dumbuya, elle peut revenir demain et nous gérer encore. Donc, pour cela, il n'a qu'à laisser vraiment de bonnes traces. Moi, Ilias, je le répète pour conclure, M. Bangoura, que cette opposition ou cette force vive, qu'elle n'a qu'à mettre quelque chose en tête. Tant que le pays est instable, il n'y aura pas d'élection. Et eux, ils savent déjà qu'ils ont des leaders qui sont sur la liste rouge, la ligne rouge. Ce ne sont plus des enfants. Ils n'ont plus cette force-là. Il y a beaucoup de militants qui sont découragés, que vous n'entendez plus parler. Depuis 10 ans, on parle dans ces radios. Monsieur Bangoura, dites-moi aujourd'hui la liste. Même ceux qui viennent pour prendre ça un plaisir, pour donner leur point de vue, ils se sont découragés. Il y a des radios qui ont fermé. Il y a des donneurs d'opinion qui ne parlent plus. À plus forte raison, eux-mêmes les leaders. Dans 5 ans, 10 ans, moi je ne vois pas celui-là, le BNCDIA, être aussi en forme en politique. Donc ils n'ont qu'à aller vite faire, ils n'ont qu'à faciliter la tâche. Ouais. Qu'on parte aux élections, la seule chose qu'ils doivent demander, c'est une élection libre et transparente. Voilà, et ne pas effrayer ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Parce qu'ils ont quelque chose. Les Guinéens ont peur aujourd'hui, hein. Les Guinéens se sentent menacés, ils n'ont pas ces forces spéciales là, quoi. Il y a beaucoup de problèmes, madame. Il y a beaucoup de problèmes. Monsieur Bangoura, quand on vous dit de parler de la sorte de problème, moi maintenant, quand je vois de ces poissons et je vois de ces sorties, je ris. Parce que je me dis que rire me fait plus du bien que de venir même penser à ça. Ouais. Et je vais me faire des trucs inutiles, des tensions inutiles à mon jeune âge. Et entre-temps, ta famille a besoin. Donc, donnons-nous la main. Venez à cette table de négociation. Dumbuya, moi, personnellement, je n'ai pas de problème avec cette transition. Si c'est 24 mois, si c'est ceux qui veulent venir, même si on nous dit demain là, que vous avez quelqu'un qui va venir là, moi même tout ça, je n'ai pas. Tant que les élections seront libres là, les Guinéens vont choisir. Donc, M. Bangoura, je m'arrête là pour le moment. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu vraiment n'a qu'à plus, le plus réduire les tensions. On n'a qu'à penser à ce pays et on va aller à l'avant, M. Bangoura. Ouais, je vous remercie. Merci à vous, Mme Ba. On va aborder la dernière partie de cette émission. Et alors? Il y a un féticheur qui a parlé de 18 jours, 28 jours. Mamadi a dissous. Alors, M. Bangoura. Notre bataillon. Mais moi, je parlerai de ça tout à l'heure dans la deuxième partie avant de fermer cette émission. Ouais, Ousmane, mon frère, bonsoir. Et voilà,
Merci d'être venu. Alors, vous avez écouté tout un chacun, Ousmane Ba. Alors, quelle analyse faites-vous aussi de ces deux premiers sujets-là? Ok, merci pour le débat. Mm-hmm. C'est comment, mon frère? Tu es arrivé ou quoi? Oui, je suis arrivé, J'ai fait un petit voyage à l'arrivée. C'est le moment. Et la famille? La famille se porte bien. Et la tienne? Oui, ça va. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde. Mm-hmm. Et avant de parler du sujet, je vais clarifier quelque chose parce que j'ai entendu que Mohamed il est en prison, c'est parce que son père a été ce qu'il a été. Mm-hmm. Ce n'est pas vrai. Mohamed il est en prison. Monsieur Ousmane, je n'ai pas dit ça. Ne falsifiez pas. Je vous ai dit, quand moi personnellement, surtout vous, quand vous m'écoutez, répondez-moi, ok? Franchement, ne venez pas essayer de falsifier ce que j'ai dit. Nous sommes sur une plateforme publique. Ok, répète ce que tu as dit. Voilà. Okay, Mohamed est en prison, il y a des gens qui disaient qu'il le méritait à cause du crime que son papa a commis. C'est ce que j'ai dit. Et je le répète encore. Parce que moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec le... Écoutez-moi, je n'ai pas dit qu'il a quelque chose à voir. J'ai dit, j'ai vu des Guinéens, des gens qui sont venus, qui ont donné raison à cette justice-là, parce que soi-disant, c'est que son papa était un criminel. Okay, ils ont réglé le compte personnel, y compris des fous, si je me rappelle. Il n'est pas en prison. Et pourtant, vous savez, ce n'est pas le débat. Le débat n'est ni sur moi, mais c'était une parenthèse. Vous avez eu votre temps de parole. Je vais vous laisser parler. D'accord. Non, mais je ne veux pas que vous preniez ce que j'ai dit comme référence. Parce que vous allez venir. On va laisser Ousmane. Ce que j'ai dit, ce n'est pas le sujet. Voilà. D'accord. On va passer à autre chose. Il n'y a pas de problème, Madame Ba. On va laisser Ousmane. Non, mais moi, je ne veux pas que vous preniez ce que j'ai dit comme référence. Il n'y a pas de problème. Parce que sinon, Bangoura va me donner ma parole, je vais répliquer encore. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est son temps d'antenne, on va laisser Ousmane. Ousmane, vas-y, on va te poser des questions. Nous sommes dans un débat où des milliers de personnes nous écoutent. Oui. Mohamed n'est pas en prison parce que son papa a commis des crimes. Mm-hmm. Sont très clairs sur ce sujet. Moi aussi, soyons clairs que je n'ai pas dit Mohamed est en prison parce que son papa a commis des crimes. Si vous avez un problème de compréhension, c'est la même chose que vous dites. Peut-être qu'il y a une petite incompréhension. Fermez son micro parce que je dois dire ce que j'ai à dire. Non, c'est ton tour. Vous avez quel pouvoir de fermer mon micro? C'est ton tour d'antenne. Vas-y, Ousmane. Vous n'avez pas ce pouvoir? Vas-y, je vais dire, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Pourquoi je vais clarifier cela? Parce que c'est important. Mohamed n'est pas en prison. Monsieur Ba, ne perdez pas le temps sur ça. Si Madame Ba dit continuons. Moi, je ne parle pas de Madame Ba. Je vais clarifier quelque chose. Mohamed n'est pas en prison parce que son papa a commis des crimes. Personne n'a dit que Mohamed est en prison parce que son papa a commis des crimes. On peut passer à autre chose. Si vous n'avez pas compris, demandez comme les autres, on vous reprend. Je peux reprendre, même en poula. Voilà, reprends Madame Ba rapidement. Monsieur Bangoura, j'ai écouté, je vous ai dit, et si vous étiez là, tout le monde a écouté. J'ai dit, Mohamed, quand il partait à la justice, il y a des gens qui l'ont incriminé parce qu'ils disaient que son papa était un criminel. Ils ne sont pas dirigés. Les gens l'ont incriminé, disaient qu'il le méritait parce que son papa était criminel. Il y a des gens même qui disaient que c'était le karma. On lui faisait prendre quelque chose que son papa a commis. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, personne n'a dit qu'il allait en... On sait tout ce qui s'est passé. Et ce qui m'a fait plus mal, je vais vous dire... C'était un exemple que Madame Ba faisait avec le cas de Mohamed. Pour dire qu'en Guinée, vous avez des mauvaises personnes intentionnées qui peuvent vous voir quelque chose que vous n'avez même pas fait. Ils vous posent un problème qui a été commis par vos parents ou vos grands-parents. Tout à fait. On vous traite en fonction de eux leurs crimes. C'est sur ça que j'ai pris l'exemple et ce n'est pas le débat. On va revenir à Ousmane, c'est son tour d'antenne. On va laisser Ousmane avancer. Je vais dire ce que je vais dire.
Vous savez, l'opinion de quelqu'un n'est pas une décision de justice. Quand un problème se pose, il y a la cour de l'opinion publique où chacun peut venir dire son opinion. Ton opinion est différente des faits. Mon opinion et l'opinion de Léo et l'opinion de M. Si peut être des points de vue qui sont différents, mais les faits sont les faits. Il a reconnu coupable de quelque chose dans une cour équitable aux États-Unis. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Moi, lorsque le problème s'est posé, j'ai appelé certaines personnes qui sont autour de lui. Je dis, faites beaucoup attention, les accusations sont très graves. Il y a eu une guerre civile aux États-Unis lorsque Lincoln était président. C'était pourquoi la libération des Noirs qui étaient esclaves. Cette guerre a coûté à plus de 760 000 personnes. Après la guerre, il y a eu deux amendements constitutionnels, c'est-à-dire le 14e amendement qui donne la nationalité aux Noirs. Il y a eu le 15e amendement sur la Constitution des États-Unis qui a aboli l'esclavagisme aux États-Unis. Donc, quand une personne porte plainte contre vous pour des faits d'esclavagisme, parce que c'est ce que la fille, là, les charges qui étaient contre Mohamed, c'était l'une des charges, j'ai expliqué à ces gens, c'est quelque chose de très grave. Donc, ne déformons pas ce qu'il a fait. Il n'a pas été jugé, condamné parce que son père, l'opinion de quelqu'un, il était criminel ou bien il a commis des crimes. Ça n'a rien à voir avec Sékou Touré. Chacun peut avoir l'opinion de ce qu'il veut penser de lui. Et cette version que vous donnez, M. Bas, c'est cette version que vous avez vous-même conçue dans votre tête, c'est dans vos imaginations. Personne n'a dit ça. Non. Essayez de différencier non, ce, que les gens connais, disent et ce que vous moi imaginez. Je connais les charges. On ne peut pas venir à un débat, lancer des trucs qui ne sont pas vrais. Donc, il faut clarifier les choses. Dans un pays, on monsieur, ne fait pas une Bas, loi pour demander... Je préfère quelqu'un... Monsieur Bas, je ne suis pas responsable. Ok? Je ne suis pas responsable de votre manière de compréhension. Je ne suis pas responsable. J'ai ce que j'ai dit, je l'ai répété. Comme vous le dites, il y a des milliers. Si vous avez compris autrement, là, ça n'engage que vous. Mais de grâce, ne l'attachez pas à moi. Parce que ce n'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes dans un débat moi, public. Moi, je n'ai même pas dit ton nom. Oui, mais parce que tu n'es pas... Tu ne peux pas... Tu n'assumes jamais. Parce que sinon, tu n'as pas besoin, si tu ne sais pas parce que quelque chose, toi-même, tu sais que tu es dans le vide, non. Ok, attends, tu n'as pas ce que tu parler, dis. Parce que c'est moi, je l'ai laissé parler. Je ne te laisse pas parler parce que tu n'as jamais laissé quelqu'un parler. Si quand on te coûte. Non, attends. Quand on te coûte, tu ne laisses jamais parler. Et puis depuis le début de l'émission, Léo me voit, je suis là. Il m'a donné la parole. Tu sais comment il respecte cela? Je suis là, je suis depuis le début. Si Léo ne peut pas te dire okay. que ce n'est pas le sujet que j'ai attends, pris ça en parenthèse, vous pouvez vous dire que ne déformez pas mes dits. Ne déformez pas mes dits. C'est tout. Tu peux me laisser N'allez parler. Pas monter quelque chose qui est déjà figé parce que vous voyez tout en noir. C'est que j'ai dit là. C'est qu'ils viennent comprendre. Vous rebobinez, c'est parce que c'était une machine que vous aviez vous rebobiné et pour vous jouer la cassette. Et pourtant, ça ne répond pas à ce que la personne a dit. Se répéter. Je te on parle pas, c'est une parenthèse. Et moi, je suis passé. Je te dis, tu dois respecter, on m'a donné la parole. Si tu veux demander la parole après moi, demande la parole. Il y a des milliers de personnes qui nous écoutent. Ça, ce n'est pas une question de toi et moi. Yeah, on n'a rien de personnel, on n'a rien de commun. Toi, tu penses que toi et moi, on doit avoir quelque chose de commun. N'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai besoin de toi? Mais c'est ça, mais donc tu n'as pas besoin de dire. Tu as besoin parce que tu m'écoutes jusqu'à aller. On va ce que bas, je dis. Et bas, moins, s'il vous plaît. On respecte bien la parole. Au moins, on respecte. Voilà. Écoutez, monsieur Bas, si vous permettez. Laissez ce sujet-là, s'il vous plaît, pour qu'on évolue. Laissez ça. On a compris votre point de vue. On a compris celui de Madame Ba. Donc, tournez cette page-là. Évoluez dans votre analyse, s'il vous plaît. Il y
Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec toi ou bien d'être d'accord avec moi. Je n'ai pas de problème à être d'accord avec vous, mais c'est un problème quand vous déformez les vies. C'est différent. C'est comme ça que vous avez déformé l'histoire de ce pays et aujourd'hui on est dans la merde. Et moi personnellement, quand j'ai l'opportunité et la personne qui est en train de déformer mes dires, je vais le lui dire. Ilo, voilà. Gento, Isabari, on m'a donné la parole, j'ai la parole. Et ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, c'est quelque chose de très simple qu'on cherche à compliquer. Une transition, c'est une transition. Tu fais le travail lié à la transition. Si tu ne le fais pas, tu compliques ce qui n'est pas compliqué. Qu'est-ce qui est difficile à expliquer à quelqu'un dans une transition? Le travail, c'est faire le travail pour permettre au pays de choisir qui doit être le dirigeant. On a besoin de négocier cela, on a besoin de faire des dialogues cela. Je dis non, c'est parce que celui qui est là n'a pas l'intention de faire ce travail. Parce qu'il écoute des personnes peut-être qui parlent, on dit Doumbouya son pouvoir. Doumbouya, tu n'as pas de pouvoir. Ce pays-là a plus de 60 ans d'indépendance où on a décidé de faire un système. Quand quelqu'un veut être président de ce pays, c'est au peuple de le décider par des élections libres et transparentes. Tu as oublié le discours que vous avez tenu le 5? Aujourd'hui, on s'éloigne de ce discours. Ce n'est pas compliqué. Pourquoi maintenant, c'est chez nous seulement, peut-être en Afrique ou bien dans des pays en voie de développement, où on parle de guerre, de mort, de manifestation pour l'organisation d'élections? Parce que quand on dit la démocratie, ceux qui ne comprennent pas, on pense que non, ça, c'est une culture des Blancs. Non, ce n'est pas une culture des Blancs, ou bien des jaunes, ou bien de certaines personnes. La démocratie a pris sa naissance dans la société grecque. C'était en 1634, avant la naissance de Jésus-Christ. Ils ont décidé que le pouvoir appartient au peuple, par le peuple et pour le peuple, en organisant des élections. Dans les temps anciens, le pouvoir se décidait par l'été. C'est pourquoi vous avez ce dicton qu'on dit « Qui vivra par l'été, périra par l'été. » Si vous prenez le cas de l'Afrique, où on a connu de très grands empires ou bien des royaumes, ceux qui ont suivi le cours d'histoire, on a toujours parlé de la naissance du royaume. La naissance du royaume veut dire quoi? Quelqu'un a décidé de prendre l'épée, de se battre avec le roi qui était là. On a connu par exemple le cas de Sundiata et puis de Soumaoro Kanté. Mm-hmm. On parle de naissance d'empire parce que ce roi a été vaincu. Mm-hmm. À un moment donné, on nous parlait de l'apogée. L'empire était riche. Mais le déclin... Revenons dans le sujet. Attendez. Revenons dans le sujet. Non, nous sommes dans le sujet parce qu'il faut donner, une certaine histoire. Oui. Il faut donner une certaine éducation aux gens de comprendre mm-hmm. pourquoi en Guinée on a décidé au peuple de choisir le dirigeant. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui on pense que non, Bamadi doit rester au pouvoir. On dit qu'il travaille bien. Ce n'est pas une question de travailler bien. Mm-hmm. Qui sait que c'est quelqu'un qui connaît travailler? Il est intelligent, il doit attendre à ce que le choix du peuple de Guinée se porte sur lui dans des élections où il est candidat. Mais il a dit, je ne serai pas candidat. Les ministres ne seront pas candidats. Ouais. Les membres choisis par le TNT ne seront pas candidats. Mais ça, cela est rassurant, rassurant quand même, hein, que, comme il dit qu'il va quitter. Ou bien, non, attendez, il dit... Eh, vous savez, cette décision-là va revenir au peuple souverain. Au peuple. C'est le peuple qui est souverain. Mm-hmm. Quelqu'un ne peut pas prendre les armes
acheté par le peuple de Guinée, elle est braquée contre ce peuple. Regardez Mamadi qui dit qu'il est parti à la mort, qui se promène avec des militaires. Mais il y a un petit Mofa Sori qui dit... On parlera de lui tout à l'heure. Ok. J'ai même oublié de saluer Mofa, monsieur Si. C'est maintenant le mot Mofa, là, ça donne la force. Voilà. Mais Mofa, Ousmane, ce qui me fait mal dans tout ça, hein, Mofa a parlé, il a dissous un autre bataillon, le bataillon autonome de la sécurité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce lien. Je ne sais pas. Si mon père Soli parle, on prend ses armes de décision. Ce n'est pas le jour où ils vont écouter mon père Elias ou qu'est-ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. Vous faites un raccourci, là. Ça n'a rien à voir. Jésus, c'est toi qui le dis. Hein, ça n'a rien à voir. Mais il ne devrait pas prendre cette décision après la sortie. Hein. Deux jours après la sortie. Pourquoi ne devrait pas prendre la décision, M. Bangoura? Vous pensez que c'est la sortie d'un jeune comme ça, Mofa, qui va amener le président à prendre une décision aussi importante que la dissolution du bataillon chargé de sa sécurité? M. Bangoura, vous aussi. Non, vous êtes militaire, vous connaissez mieux que nous tous ici. Avant la sortie de ce monsieur, cette décision n'avait pas été prise. Et même qu'elle Mais forcément, il y a beaucoup de décisions qui seront prises après sa sortie. Vous voulez lier tout ça à quoi, monsieur Bangoura? On abordera ça dans la dernière partie. Sur le premier sujet, moi je ne vais pas être long parce que c'est tout. Tous les jours, on parle de la même chose. Mamadi et toutes les personnes qui sont autour de lui doivent faire nécessairement le travail, non seulement pour le peuple de Guinée, et puis pour la Guinée. Et vous voyez ce qui se passe au Soudan? C'est une catastrophe. C'est pas normal. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour la Guinée? Bon. On ne veut pas des trucs comme ça pour la Guinée, mais ce qui se passe... Mais on n'en veut pas de problème, donc dites aux gens, Ousmane, ce qui se passe au Soudan ne peut pas se passer en Guinée, ce n'est pas possible. Non, attendez, vous savez, le jour où on a parlé de la guerre civile en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes disaient que ce pays-là était calme. On ne pouvait jamais parler de coup d'État, mais il y a eu coup d'État. Après coup d'État, il y a eu la guerre civile. C'est parce que quand dans un pays, il y a l'accumulation de problèmes qui ne trouvent pas de solution dans le dialogue, dans la paix, dans le concorde, dans la discussion, ça crée des problèmes. Mais prenons des exemples terre à terre. Prenons en famille votre enfant là. L'enfant fait ceci aujourd'hui, vous venez, vous dites « Ah, Mohamed, viens là. Ce que tu fais là, il faut arrêter. » Hier, je suis allé à l'école, on me dit, lorsque les gens sont en train d'étudier, non seulement toi, tu n'étudies pas, mais tu perturbes toute la classe. Tu dis à ton fils, non, il faut arrêter. Une fois, deux fois. Vous pensez que la quatrième fois, vous n'allez pas le frapper? Maintenant, qu'est-ce que cela, quel lien cela a à faire avec le refus de... Le retrait des forces vives. Non, ils doivent se retirer. Mais Bangoura, pourquoi c'est difficile aux gens de comprendre? Tu ne veux pas. Se retirer, moi je me base, Ousmane, je me base sur ce que je viens d'obtenir de Alpha Barry. Et si tous les financements sont prêts, comme il le dit, il suffit d'être d'accord sur un consensus pour débloquer les fonds pour qu'on aille aux élections. Pourquoi se retirer? Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Monsieur Bangoura, alors, pourquoi poser des conditions dans ce processus? Je ne comprends pas. Moi, soit on veut aller aux élections, une élection transparente, soit on pose des conditions pour boycotter. En fait, le problème ici, il n'y a pas la volonté de faire le travail comme ça se doit. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à discuter avec quelqu'un, tu ne veux pas comprendre. Quand on dit, par exemple, quand les États-Unis disent, par exemple, ici, on a donné tel montant à la Guinée,
Mais il y a des procédures de décaissement de ce montant, il y a des conditions. Mmh. Ici, aux États-Unis, le budget fédéral commence au mois d'octobre. Quand le budget est voté, ce n'est pas de l'argent liquide qui est là quelque part. Là, ouais. Si vous ne remplissez pas les conditions, nous sommes à l'an 2023, jusqu'au mois d'octobre 2024, c'est que vous perdez l'argent. On ne va pas vous donner l'argent. Donc, pourquoi on rentre dans ça? On dialogue, c'est les religieux, c'est les femmes. Pourquoi c'est compliqué? Le travail, on connaît le travail à faire. Il faut faire une liste électorale. Tout ce qu'on doit faire, on connaît, mais on refuse de le faire. Parce que quelqu'un pense que, non, lui, il est intelligent, il peut garder le pouvoir parce qu'on dit non, aujourd'hui, le pays est en chantier. Mmh. Non, c'est pas... Toutes les nations qui n'ont pas encore la possibilité de se gouverner correctement, ces nations-là vont toujours rester dans les problèmes. Quand vous utilisez la force pour rester au pouvoir, c'est que vous ne travaillez pas pour le pays ou bien pour ce peuple. Parce que le jour où vous allez quitter, il n'y aura plus de pays. Regardez la Somalie. Depuis qu'ils ont tué Siad Barré, la Somalie n'existe plus en tant que pays. Regardez Omar El-Béchir. Il a fait 40 ans au pouvoir. On l'a pris. Aujourd'hui, nous allons vers une guerre civile. Parce que la façon dont le pays devrait être gouverné n'a pas été établi, maintenu. Mais pourquoi c'est difficile à comprendre? Alors, maintenant, on compare. Non, est-ce qu'on peut comparer ça au cas de la Guinée actuellement? Si les non, Mamadi, par exemple, le CNN dit, sort son chronogramme, ils sont prêts à quitter le pouvoir, respecter les 24 mois là. Où se trouve le problème, M. Ba? Mais M. Bangoura, on dit la transition. On n'a pas confiance. Monsieur Bangoura, c'est pas ce que vous savez, le débat là, quand on le pose, essayons de ne pas personnaliser le débat. Dire c'est une question de Mamadi, une question de Selou, une question de Sidia, ou bien de Ousmane, ou bien de Monsieur Si. Ça, c'est une question de notre nation. Comment le pays doit être gouverné? Le débat est là. Maintenant, c'est ce que nous parlons. Maintenant que Alpha Barry dit que l'argent est disponible, les 6 000 milliards sont disponibles, il y a une année de cela. Je me base sur ce qu'il dit. Hein. Mais où se trouve le problème? Ousmane, dis-moi, où se trouve le problème? Pourquoi vous ne venez pas ensemble pour qu'on puisse débloquer les 6 milliards là, 6 000 milliards là, pour qu'on aille aux élections? Mais où se trouve le problème? Alors, si on a déjà l'accord des 6 000 milliards, pourquoi poser des conditions pour bloquer? Mais c'est ce que moi, je ne comprends pas. Si c'est vrai, c'est que Alpha Barry dit. Ok, je vais me répéter encore. Quand Alpha Barry parle des promesses, ce sont des promesses. C'est comme si... votre petit frère vous appelle de la Guinée. Non, Monsieur Ba, il n'a pas parlé de promesses. Il n'a pas parlé de promesses. Il a dit, il a parlé de la disponibilité. Il a dit que les fonds sont là. Monsieur Ba, voilà, c'est voilà. Pose-lui la question. Les fonds sont où, Alpha Barry? Les fonds sont où? Non. Ok, laissez-le répondre. Monsieur Bangoura. Oui. Nous sommes dans un débat. Oui. Et l'idée recherchée dans ce débat, c'est de rassurer. Rassurer, tout à fait. Vous comprenez? Maintenant, ce que mon frère Ousmane Ba est en train de dire, le travail de la transition est là. C'est que tu n'as pas besoin d'aller voir le joueur de courrier ou les marabouts pour comprendre ce que tu dois faire. Je le redis encore. Oui. Tout ce qui est nécessaire dans le cadre du financement du retour à l'ordre constitutionnel, tout est prêt. Mais si peut-être vous attendez que je vous dise c'est prêt, ce mois ici à la maison ou bien aux Nations Unies, c'est ce que je ne ferai pas. Ça aussi,
c'est par mesure de prudence. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est quelque chose qui est interne. Ce qui s'interroge sur pourquoi, comme vous, M. Bangoura, les forces vives se sont retirées de l'opération de médiation qui a été enclenchée par nos prélats, la raison, elle a été évoquée au sein même de la déclaration générique du communiqué qui a officialisé ça dans l'opinion publique. Qu'est-ce qui est demandé aux autorités de la Guinée? C'est de mettre en place un cadre de dialogue présidé par la CEDEAO en présence du G5. C'est tout ce qui est demandé, pas présidé par le Premier ministre ou par Mamadi Doumbouya ou par Dansa Kourouma ou quelqu'un d'autre des membres du gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est des gens considérés comme étant des acteurs du processus. Vous ne pouvez pas être joueur et arbitre. C'est ça la logique interne. Maintenant, si, malgré toutes les bonnes volontés au niveau international, nous avons tous écouté le compte à rebours ou la communication qui a accompagné le compte à rebours de la représentation diplomatique américaine. On a écouté la ministre secrétaire d'État française auprès de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a dit lors de sa conférence de presse? Donc nous, de notre côté, je pense que porte vive, nous sommes rassurés. Non, mais maintenant, ouais, d'accord. Où se trouve l'argent? La question est très simple. Où se trouve l'argent? La question que Ousmane a posée. L'argent est disponible où? L'argent est disponible au niveau des institutions financières. Bon, d'accord. Maintenant, Ousmane, tu es satisfait avec ça? Non, ce qu'il dit, il n'a pas menti. Si les institutions internationales décident d'accompagner un pays, ils ont la capacité financière de financer les élections en Guinée. Mais ils ne vont pas financer n'importe quelle élection. Il y a un travail à faire. Dans le cas où vous faites le travail, l'argent est là. C'est comme M. Bangoura, vous avez un petit frère que vous avez laissé en Guinée. Vous appelez la maman vous dit « Ah, Bangoura, ton petit frère est là, hein. Ça fait longtemps, comme il n'écoutait pas, maintenant il a décidé qu'il va m'écouter, mais il veut, comme il a fait le bac deux fois, il n'a pas eu, il veut s'orienter. » Non, mais mon problème se trouve où? S'il y a une disponibilité pour qu'on aille aux élections, rapidement, pourquoi ce désistement de la part des forces vives? Pourquoi? Bangoura, là c'est simple. C'est parce que ceux qui sont là, qui sont censés faire le travail pour aller aux élections, ne veulent pas faire ce travail. Quelqu'un a fait un coup d'État. Il a dit il va tout faire pour organiser des élections. Il y a la société civile, les partis politiques. On dit, bon, on va s'asseoir, on va discuter comment on va faire les élections. Mais si toi, tu ne veux pas parler de ça, mais comment vous allez continuer à parler avec quelqu'un qui ne veut pas comprendre? Parce que le pouvoir ne t'appartient pas, soyons clairs sur quelque chose. Mamadi n'a pas été élu. On l'a laissé là parce qu'on connaît comment les choses se sont passées dans le pays. Maintenant, quand tu as la volonté de bien faire, je le dis encore en sous-sous, « Mihimudiha kamema wa mahangi minira ». C'est simple, nous parlons d'un pays. Monsieur Ba, vous parlez de Mamadi comme si lui n'était pas guinéen. C'est ça quoi? Anandena kamema wa fi. Attends, on la Guinée canaille, je vous ai dit, ce n'est pas une question de personne. Vous avez parlé de lui tout à l'heure. Vous savez, c'est ça la contradiction dans vos débats. Pas une question de personne, mais vous le citez nommément. Non, attendez. S'il est à la tête de la Guinée, alors que le système dit tu dois être élu
Lui-même, il a fait un discours. Mais il n'y a pas, monsieur Ba, c'est que vous n'arrivez pas à comprendre la réalité de la Guinée. Il n'y a pas de système normal en place. Nous sommes dans une transition. Mamadi n'est pas venu par élection. C'est ça aussi, vous ne comprenez pas? Maintenant, la procédure qu'il faut pour aller aux élections, ils sont en train d'en parler. Mais il y a une partie de la classe politique guinéenne qui ne se sent pas concernée. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on aille aux élections. Comprendre. Mais vraiment, il faut qu'on se comprenne. On dit, venez, on va parler de comment faire pour aller aux élections. Vous dites non, on ne va pas aux élections tant que vous n'arrêtez pas les poursuites contre les leaders. Mais après, on va dire il se mêle de la justice. Aucun, je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute, aucun, pour le moment en tout cas, acteur politique n'a été officiellement poursuivi pour délit politique. Tous sont poursuivis pour délit économique, en guillemets, qui n'est pas encore prouvé. Mais Fonike Mange, il est où? J'ai parlé de ça, vous n'étiez pas là. J'ai dit, à part justement les Fonike Mange qui sont peut-être poursuivis ou arrêtés pour délit d'expression, j'ai dit peut-être ceci. Mais je parle des acteurs politiques. Fonike Mange n'est pas un acteur politique à ce que je sache. Je mais parle bien des acteurs politiques. Non, il n'est dit, pas acteur politique. Non, non, attention. Non, monsieur, non, vous savez, j'ai dit acteur politique. Voilà. Ok. Fonike Mange, à ce que je sache, n'est pas acteur politique. Voilà. Kassori, il est où? Il est en prison. Pourquoi il est en prison? Il est poursuivi pour détournement, c'est ce qui est dit officiellement. Monsieur Siyatio, dites-nous alors pourquoi Kassori est poursuivi. Non mais, nous sommes en entretien, en débat, dites-nous quel est le chef d'accusation contre Kassori, pas lui seulement, Gané, Damaro et autres. Monsieur Siy, vous savez la justice. Vous ne voulez pas, non. Non, attendez, Bas, attendez, vous êtes toujours de ceux qui souhaitent, on se comprend. C'est-à-dire que votre vision de la Guinée va nous fatiguer. Je l'ai dit, je ne sais pas, peut-être que vous n'étiez pas là à l'entame. Nous faisons, il faut que nous sortions du principe de défense des individus. Défendons des principes. Nous ne défendons pas des personnes physiques. Et malheureusement, ce qui justifie aujourd'hui en partie le blocage, s'il y a blocage, moi je n'avais même pas ça, blocage, mais ce qui justifie l'attitude d'une partie de la classe politique aujourd'hui, c'est la défense des individus. Vous n'allez pas me dire, M. Ba, en votre âme et conscience, malgré tout ce que vous pouvez reprocher à Doumbouya et à son équipe, que la porte est fermée à une formation politique au cours de ce dialogue. Mais quand on dit, quand Sidia, par exemple, parce que je l'ai dit, vous n'étiez pas là, je les ai cités, nommément Sidia et Selou, si pour des raisons X ou Y, eux, ils ne peuvent pas être autour de la table, puisque le dialogue se tient à Conakry. Mais est-ce que dans l'UFR ou dans l'UFDG, il n'y a pas d'autres cadres qui peuvent venir autour de la table pour discuter au nom de ces deux parties? Il n'y en a pas? Je ne le souhaite pas. Si pour quelque raison que ce soit aujourd'hui, ces deux-là étaient empêchés de continuer à faire de la politique, ça sous-entend donc que ces deux parties-là vont disparaître? Non, qu'on nous donne aujourd'hui comme impression? Non. Non, non, mais ceci, ce que vous dites là n'est pas totalement juste. Si des personnes ne peuvent pas participer à un débat politique ou bien à un dialogue national, parce que quelqu'un a décidé de l'accepter, c'est là le problème. Donc, parlons du vrai problème. Quelqu'un a fait quoi? J'ai pas compris, il y avait du bruit là. Ok, on va, M. Si, Madame Ba.
Monsieur Si, Madame Ba, vous allez diriger le débat pour 10 minutes là, rapidement. Je vais m'occuper de quelque chose là. Mais les micros sont ouverts. Hein. Monsieur Konaté est là, Monsieur Diawara est là, Monsieur Alpha, you know, ils sont tous là. Les micros sont ouverts. Monsieur Bangoura, moi j'ai quelque chose à dire, mais je veux que vous soyez vous-même là, parce que ça va être à l'ensemble de tous les auditeurs. Voilà, non, je vais suivre, mais voilà, Monsieur Si et Madame Bangoura. Dans le cas contraire, donnez peut-être à Monsieur Diawara, peut-être qu'il va prendre 10 minutes, ou bien je ne sais pas. Voilà, pour 10 minutes, voilà, pour 10 minutes seulement, on va régler une panne là, rapidement, mais je vais suivre. Monsieur Si, je vais répondre à votre inquiétude. Votre logique de dire dans un parti politique, c'est une association où il y a beaucoup de personnes. Si quelqu'un est empêché ou bien ne peut pas être là, il y a d'autres personnes qui peuvent venir négocier. Mais ici, la question c'est quoi? C'est parce que ces personnes-là qu'on dit qui ne sont pas indispensables ont été empêchées. Pourquoi on les empêche? Empêchées par qui et par quoi? On va aller à un débat objectif, monsieur, vous et moi. En quoi faisant? Oui. En quoi faisant? Si on reproche... Non, attendez, nous sommes dans une transition. On vient donner des dossiers, coller des dossiers à des personnes dans une transition. Non, monsieur, vous monsieur pensez monsieur que ce n'est pas une façon de les empêcher? Monsieur Ba, non. Écoutez, monsieur Ba, n'est-ce pas que ce soit transition ou pas? Vous êtes contre le principe selon lequel il faudrait que quelqu'un rende compte de sa gestion? Mais ne disons pas qu'il faut remettre ça à la après transition. Mais n'a pas rendu compte de sa gestion, monsieur Si. Il a été commandant de la police. Monsieur n'a pas rendu compte de sa gestion. Mamadi Doumbouya. Mais il est encore aux affaires, là. Il est encore aux affaires. Le commandant de la police spécial, le budget qui était allé au commandement. Tout le monde est d'accord pour la justice. Monsieur Ba, on va discuter objectivement. Pour le cas de Sello, par exemple, hein, puisque je l'ai dit tout à l'heure, pour le moment, en tout cas, Sidia n'est pas poursuivi. Pour le moment. N'est-ce pas? Pour le cas de Sello, il est poursuivi pour quoi? Où il est. Oui, on lui a envoyé des convocations pour quel dossier? C'est le dossier Air Guinée. Nous ne connaissons pas les détails dedans, n'est-ce pas? Mamadou Sylla, un des acteurs principaux de la chose, s'est exprimé à plusieurs fois, à plusieurs reprises sur le sujet. C'est lui en personne, à combien de reprises a souhaité être entendu? Et ça, des déclarations au cours des meetings de son parti. Et souvenez-vous, Libre et indépendante. Mais la justice ne veut pas dire une justice orientée. C'est là le problème. Monsieur Ba, comment vous allez qualifier une justice d'orientée pendant qu'elle n'a même pas rendu son verdict? Comment vous pouvez qualifier? On reconnaît le maçon au pied du mur, monsieur Bamba. Vous le savez très bien. C'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Monsieur Barry, tout à l'heure, dans sa tentative de défendre les acteurs politiques et de la société civile, nous a rappelé d'ailleurs le cas de Abdourahmane Sanou, qui a été poursuivi il y a quelques semaines ou quelques mois, parce qu'il a organisé une réunion chez lui. Ce qui n'est contraire à aucune loi en Guinée. Ce que Abdourahmane Sanou a fait n'était contraire à aucune loi en vigueur en République. Il a été trimballé devant les tribunaux, ses avocats sont venus. Le droit a été dit, monsieur Abdourahmane Sanou est retourné chez lui avec tous ses droits. Pourquoi un autre citoyen guinéen qui est interpellé par la même justice pour d'autres faits ne pourrait pas venir s'expliquer? Et qu'on dise après à nous, observateurs, attention, aujourd'hui par exemple, il y a beaucoup parmi nous qui disent que non, Kassouri,
Damaro et Gianni, etc., sont poursuivis. Il n'y a pas de preuves contre eux. Parce qu'on a eu l'occasion d'écouter le procureur de la Kiev sur eux, sur leur cas. On a eu l'occasion d'écouter, n'est-ce pas, les acteurs eux-mêmes et leurs avocats. Mais c'est ce qu'on demande nous autres, qui viennent prouver que non, je suis poursuivi à tort. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, vous n'êtes pas non, poursuivi. Ce n'est pas... Hein. Non, attendez, ce n'est pas de ce qu'il s'agit. Il n'a jamais été interpellé par la justice. Il faut reconnaître. Moi, je suis d'accord pour faire la justice dans notre pays. Le point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est l'utilisation de la justice contre des personnes. Là, je ne suis absolument pas d'accord. Moi, par exemple... Oui, personne n'est d'accord sur ça, mais ce n'est pas ce qui se passe. Monsieur, si, vous m'avez écouté ici pendant des années. Moi, Kassouri Fofana, je dois aller au travail aux États-Unis. Mon enfant, il est mineur. Je ne vais pas le laisser avec Kassouri. Mais je défends les droits de Kassouri. Ces droits n'ont pas été respectés. Même pour poursuivre quelqu'un, permettez à la personne de défendre les droits des gens. On ne peut pas utiliser la justice contre Kassouri, Damaro et les autres. C'est ça le problème. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre cela, c'est que c'est compliqué pour notre pays. C'est vous qui refusez d'accepter la réalité. Mais vous savez, ce dialogue, ce débat, non, c'est vrai, ce débat ressemble à un dialogue de sourds, vous comprenez? C'est-à-dire que le principe, il est simple, M. Ba. Vous vivez aux États-Unis, je ne sais pas depuis combien de temps, mais je sais que depuis plusieurs années quand même. Vous avez une expérience, une connaissance qui vous permet de savoir que quand on gère, on rencontre. Voilà, on rend compte de sa gestion. Maintenant, qu'on vienne vous dire, M. Ba, vous avez détourné 10 millions, c'est à moi de prouver que vous avez détourné 10 millions. Mais vous ne devez pas fuir la justice. Si vous n'avez rien à dire, je trouve que, encore une fois, M. Ba, à plusieurs reprises, M. Ba, à plusieurs reprises, c'est Lou a dit, qui n'a pas été encore entendu sur l'affaire Erguiné et qu'il souhaite l'être. Et non, même, c'est même pas lui qui le premier jour. Non, moi je parle de lui. Moi je ne vais pas ailleurs. Monsieur Barry. Moi je ne vais pas ailleurs. C'est-à-dire, Monsieur Barry. Voilà, Monsieur Barry, écoutez, moi je ne... D'accord, il n'a jamais été entendu. Utilisé l'aéroport international, le Conakry-Bessia, pour prendre son avion. Mais pourquoi il rentre pas, alors? Il n'a pas fui. Non, pourquoi il ne rentre pas? Mais monsieur, si. Monsieur Ba. Combien de convocations on a envoyé chez Selou? Combien de convocations? Ils ont envoyé la convocation où? Chez lui. Ils ont envoyé la... À travers le chef du quartier. Monsieur Barry, permettez, on va s'écouter. Je sais que dès qu'on touche à Selou, on a touché à votre corps sensible. Attendez, vous n'êtes pas le seul. Dès qu'on touche à Selou, c'est fini. Laissez, on va donner l'opportunité aux autres aussi de s'exprimer. Et on va continuer. On va donner l'opportunité aux autres aussi de s'exprimer. Vous ne comprenez même pas, hein? La voix n'est même pas visible, on entend simplement... Voilà, vous parlez, on ne vous entend pas. On comprend, mais laissez l'opportunité aux autres de vous parler pour ceux qui ont la capacité de comprendre et d'entendre, mais pas ceux qui sont... M. Diawara, il y avait M. Diawara, Mme Bakon a dit, M. Diawara, c'est M. Diawara? Oui,
Maintenant, j'ai une question pour vous. Je viens de prendre le train. Je vous ai entendu dire que Funke Mangue est arrêté. Pourquoi? J'ai dit qu'il est arrêté pour délit peut-être d'expression, mais pas politique. Parce qu'il n'est pas acteur politique. Ça veut dire quoi, ça? Il n'est pas acteur politique, ça je ne sais pas. Il n'est pas en tout cas poursuivi pour délit politique. Ça, c'est... Il faut accepter, excusez-moi, ok, c'est ce qui amène le pays là en retard. Oui. Acceptons la vérité. Oui. Laissons la politique là, acceptons la vérité. Aurez-vous, oui, à la place de Funke Mangue, est-ce que vous allez juger comme ça? Juger quoi? Je ne juge pas, je ne suis pas le juge. Ce que vous avez dit. Ce que vous avez dit comme ça. Funke Mangue, tout le monde sait que la manière dont il a été arrêté. Mais monsieur Diawara, écoutez, ne venez pas comme ça monter sur vos grands chevaux sans comprendre de quoi il s'agit. Ce que je vais vous dire, on dit que quelqu'un qui regarde les gens derrière le mur, on pense qu'on ne voit pas son front. Tout le monde sait que c'est la chasse aux sorcières qui est en Guinée actuellement. Ce que Mamadi nous a dit, nous a trahi. C'est pas comme ça. Je ne sais pas si vous avez écouté. Écoutez, personne n'a dit. Comme je viens de prendre le train en marche, je vous ai entendu dire qu'encore, c'est le Air Guinée. Voilà, l'affaire d'Air Guinée, là, c'est lui n'était même pas Premier ministre. Il n'était même pas Premier ministre. Vous confondez tout. Vous voyez, c'est pourquoi vous êtes passionné là. Personne n'a dit que c'est lui poursuivi dans Air Guinée parce qu'il était Premier ministre. Personne n'a dit ça. Depuis maintenant. Même le gouvernement guinéen n'a pas dit qu'on poursuit Selou parce qu'il était Premier ministre à la vente d'Air Guinée. Non, Selou était ministre des Transports. Vous aussi, c'est pourquoi il faut vous calmer en intervenant. Personne n'a dit qu'il est poursuivi parce qu'il était Premier ministre au moment des faits. Non, il est poursuivi parce qu'il était ministre des Transports au moment des faits. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Voilà. Donc, vous n'avez pas assez d'éléments d'information. Ne vous lancez pas dans... Non, il n'y a pas un élément d'information. Nous sommes tous des Guinéens, nous sommes tous renseignés. Il y avait un Premier ministre, il y avait un chef d'État. Vous ne prouvez pas que vous êtes renseigné, là. Il ne faut pas venir accuser les gens ici arbitrairement parce que vous êtes aujourd'hui... Pourquoi qui seul? Ok, parce qu'ils sont contre lui, c'est tout. Parce qu'ils sont contre lui. Il est populaire, c'est tout. Qui? Contre qui? Contre Selou. Mais est-ce qu'il est le seul Mamadi ne veut pas voir les politiciens, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est vrai, il ne veut pas voir les politiciens. Il met ce crapaud au pouvoir là-bas. C'est votre point de vue. Ouais, parce que vous ne voulez pas reconnaître la vérité. C'est tout. Non, ne dites pas que c'est le point de vue de tous les Guinéens. Non, ça c'est le 90% des Guinéens, nous connaissons aujourd'hui que Mamadi est venu ici pour couillonner les Guinéens, alors qu'il est trop jeune pour ça. Il est venu avec les idées, les beaux discours, en disant que la Jésus sera la boussole, il n'y aura pas de sache sorcière, il n'y aura pas de recyclage, tout ça là, c'était des mensonges. Non, on ne voit rien. C'est la vérité. On ne voit rien. Mamadi, il a trahi ses collègues. C'est normal que vous vous exprimiez comme ça. Il a trahi ses collègues qui sont partis faire le coup d'État pour lui. Il a trahi ses collègues, il a trahi Alpha Condé, il a trahi les Guinéens. Et ça va lui coûter de la Guinée. C'est vrai. Merci. Si vous avez fini, on veut passer à quelqu'un d'autre. Monsieur Touré était là. Monsieur Touré, vous voulez intervenir? Monsieur Touré, ne revient pas. Est-ce qu'il y a un de nos amis qui n'a pas encore intervenu qui souhaite le faire? Moi, je n'ai pas parlé d'abord. Allez-y, Monsieur Konaté. C'est chaud là. Il y a l'Angleterre contre l'Amérique là. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Allez-y, monsieur Konaté, allez-y. Bon, je dis bonsoir à tout le monde. Je vois que le débat est chaud. Bon, tu sais, nous retournons encore à la case de départ,
en ce qui concerne les positions. Avant le 5 septembre, les uns et les autres, il y avait des alphaïstes, il y avait des gens qui étaient du côté de l'opposition. Et chacun voulait que ça s'embrase pour que le pays tombe dans un chaos. Je parle du côté de la diaspora, hein, surtout ceux des États-Unis. On ne voulait pas sentir Alpha Condé. On voulait le chaos coûte que coûte. Et aujourd'hui, il y a un monsieur qui a pris le courage pour faire un coup d'État. Et puis, je vais rappeler quelque chose aux uns aux autres. L'initiateur de coup d'État et l'exécutant de coup d'État n'ont pas les mêmes pouvoirs. Parce que personne ne me dira ici que celui qui est le concepteur de Walmart est en train de vendre à Walmart. Non, c'est les gens qui travaillent pour lui. Mamadou Doumbouya est le super-héros, il est le plus puissant et le plus aguerri parce que c'est lui qui a ordonné les uns et les autres d'aller faire le coup d'État. Donc, ne pensez pas qu'il s'est assis. Non, il ne s'est pas assis, il a été le concepteur. S'il y a eu des réalisateurs, les réalisateurs, c'est lui qui a commandé ces gens-là pour aller faire le coup d'État. Donc, qu'on donne la paternité du coup d'État à Mamadi. Cela veut dire quoi? Quand Mamadi a fait le coup d'État, c'est les Ousmane Ba et les autres qui étaient là en train de taper. Oui, il est parti, le vieux là, troisième mandat, c'est fini. On voulait se débarrasser d'Alpha Condé. Maintenant, quelqu'un s'est débarrassé d'Alpha Condé. En tant que républicain, en tant que démocrate, nous, on a pris acte du coup d'État. Mais on n'a pas supporté le coup d'État en question. Ceux qui ont supporté le coup d'État. Mais je ne vois pas s'il y a le Coran qui existe ou la Bible pour dire que un militaire ne peut pas gérer un pays. Il n'y en a pas. Je n'ai pas vu ça. Mamadi aussi est guinéen. Si Mamadi a pris le courage pour aller faire le coup d'État, c'est qu'il sait réellement qu'il peut faire quelque chose pour ce pays. Pourquoi précipiter encore les mêmes erreurs qui nous ont conduits au coup d'État? On a vu des dialogues pendant 11 ans. On a piétiné, on a saboté, on a pissé même sur nos constitutions lors de ces dialogues-là. Le pays s'est embrasé. On a eu combien de morts à cause de l'installation des chefs de quartier? Nous avons eu combien de morts avant qu'on organise les élections législatives en Guinée après 2010? Aujourd'hui, moi je dirais que la seule erreur que Mamadi a eu à commettre, c'est d'avoir dit aux Guinéens que je ne serai pas candidat et je vais organiser les élections. Je ne serai ni candidat, ni aucun ministre ou aucun membre du gouvernement ne sera candidat. C'est l'erreur que Mamadi a eu à commettre dans ce discours. Si Mamadi avait dit ce jour-là, oui, notre pays traverse des moments difficiles, je vais balayer la maison et nettoyer tout, mettre les institutions en place avant qu'on ne passe à l'élection. Parce que nous allons tomber encore Monsieur Konaté, je crois qu'on vous a perdu, hein. Monsieur Konaté? Tard. Non, même la radio ne peut pas écouter ce qu'il est en train de dire. La connaissance est contre les gens de Mamadi Doumbouya. Touré, Konaté. Voilà. Pourquoi on ne veut pas aller au dialogue? C'est très simple. Parce que les uns et les autres du côté de l'opposition, ils n'ont pas d'argument. C'est ça la réalité, Iliasu. Ces gens-là n'ont. Ils n'ont aucun argument. Qu'est-ce que ces gens-là veulent aujourd'hui? C'est défendre l'indéfendable, c'est-à-dire arrêtons les poursuites judiciaires contre les opposants. Essayons de voir quelles sont les garanties qu'on peut leur offrir pour que les uns et les autres puissent être candidats aux futures élections présidentielles législatives. Non.
leur seul combat aujourd'hui, il ne faut pas qu'il y ait élection en Guinée à l'absence. On a vu Kwatro Langalanga, on a vu Zeko Langalanga. Maintenant, on a quitté tous ces Kwatro et Langalanga. Là, on vient maintenant aux forces vives comme en 2007, comme en 2010. Parmi tous ces gens-là, monsieur Si, et pour ceux qui m'écoutent, Eliassou, personne n'a l'amour de la Guinée. Personne. Ils n'ont pas d'amour pour la Guinée. Ils veulent revenir. Ça, c'est des graves accusations, monsieur Konaté. Mais ils n'ont pas d'amour. Mais regardez, regardez. Mais si, pourquoi mais vous si citez vous les tables? Non, Alpha Barry, quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas... Attendez, quand vous avez parlé, moi, je n'ai pas interrompu quelqu'un. Prenez votre mal en souffrance. Moi, je vais parler parce que quand les gens parlent, je ne dis rien. Quand le procureur a émis des poursuites et les accusations contre Kassori, tout le monde applaudissait ici. Même Ousmane Ba, je le cite nommément. Moi, je ne suis pas d'accord avec Ali Touré. Hein, et je maintiens toujours ma position parce qu'il a dit et il a maintenu. Je n'ai pas besoin des preuves contre ces gens-là, parce que si je sors de la Guinée, je ne sors pas pour un mois, deux mois. On se connaît ici, je les reconnais, tous. Mais vous êtes tous là, hein. Vous avez, ceux qui suivent le procès au niveau de la CRIEF, regardez, c'est honteux. C'est honteux. Ces gens-là même sont... ils n'ont pas de preuves. Mais on a voulu éliminer tous les alphaïstes, toutes les personnes qui ont travaillé avec Alpha Condé. On a voulu tous les prendre, les humilier et les emprisonner. C'était ça le souhait des uns et des autres. Alpha Barry fait partie de ce groupe-là. Ousmane Ba fait partie de ce groupe-là. Et beaucoup de personnes, les Mas Diallo, ils sont tous partants. Mais aujourd'hui, en ça, voyant l'évolution ça, des choses, ils disent... Non, ce n'est pas des accusations. J'affirme et je confirme ce que je dis. Je suis l'un des Guinéens qui s'est opposé au coup d'État. Ici, aux États-Unis... Non, tu t'es opposé au coup d'État, je le sais. Mais toutes les personnes qui ont travaillé avec Alpha Condé, je dis sur la ligne ici, la majeure partie au départ, après le 5 septembre, on voulait qu'on prenne tout le monde et les emprisonner. C'était ça la réalité. Ils ont tous volé. Vous connaissez en matière... d'enquête, d'investigation pour prouver que quelqu'un a fait le blanchiment d'argent et il a été corrompu, ça prend combien d'années? Prenez l'exemple de Donald Trump ici, avec l'évasion fiscale, les fraudes. Depuis combien d'années on est en train de travailler sur ce sujet-là? Ça ne marchera pas. Nous voulons un changement en Guinée. Aujourd'hui, tout bon démocrate, c'est-à-dire, je ne suis pas là pour convaincre les uns et les autres pour dire que c'est supporter Mamadi dans ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, Mamadi est vraiment l'homme idéal qui peut changer ce pays-là parce que c'est un militaire. On respecte le pouvoir militaire que le pouvoir civil en Guinée et en Afrique. Vous voyez bien? Et c'est ça le problème. Regardez Paul Kagame. C'est pas facile. Donc, je reste dans le débat. Merci, M. Konaté. Madame Ba, vous voulez intervenir parce que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui sont allées là. Madame non, Ba, vous voulez intervenir tout à l'heure. Je voulais simplement, comment on appelle ça, pour l'incident qui s'est passé, d'abord m'excuser. Parce que le problème, c'est que j'ai horreur des accusations et du mensonge. J'ai horreur. Mais pour la qualité du débat et pour le respect que nous avons les uns envers les autres, nous tous ici, on a eu à un moment donné interrompre quelqu'un. Tout simplement parce qu'on se dit que la personne partait dans un sens qui n'était pas ce que peut-être on a dit. Mais la moindre des choses, si quelqu'un vous dit ce que vous dites, ce n'est pas ce que j'ai dit, si vous n'aviez pas peut-être d'autres problèmes avec la personne, c'est soit de dire à la personne « Ok, j'ai compris puisque ce n'est pas ce que vous dites » ou soit vous dites « Expliquez ». On le fait ici à tout moment. Tout à l'heure, monsieur, si, on vous a interrompu vous-même. À un moment donné, c'est ce qu'on vous a interrompu. Et ce sont des genres d'interruptions que jusqu'à présent, Léo ne s'est pas, disons, opposé. Ici, quand on vient dans les débats, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes tous des pères et des mères de famille. Si quelqu'un vient dire quelque chose et que la personne qui a eu à dire dit non, si vous respectez le débat, comme vous venez de le dire, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent,
Et c'est pour la crédibilité de tout un chacun, et demain pour ne pas que ça nous rattrape, nos dires nous rattrapent, parce que quelqu'un a bien ce flair, ou bien je vais dire cette capacité de modifier tout. On doit arrêter ça dans ce débat. Et de grâce, moi personnellement, en ce qui me concerne, si j'ai dit quelque chose, quand je viens dans ce débat, je nomme tout le monde et j'assume. Ousmane Ba a eu à dire des trucs qui sont plus choquants. Donc me nommer sur ce cas, ça ne veut absolument pas dire grand chose de mauvais. Mais quand vous faites des trucs comme si on était à la maternelle, non, moi je n'ai pas dit ton nom, moi ce n'est pas toi, des paraboles, ça ce sont des... On a dépassé ce temps-là depuis. Ce sont des gens, nous sommes toujours prêts à dire qu'on vit dans des démocraties. Madame, vous démocratie. Allez accepter que je vous interrompe, s'il vous plaît. Je vous souhaiterais s'il vous plaît. Bon, je crois qu'on s'est compris, si vous permettez. Oui, on s'est compris, mais il faut, parce que ce n'est pas vous, hein. Le problème n'est pas vous ou nous qui sommes dans le débat. Monsieur Si, je vous jure, hein, nous sommes très écoutés. Moi, je suis étonnée, ces derniers temps, des personnes qui m'ont contacté. Et quand je parle, je ne sais pas jusqu'où ma parole peut aller. Donc, je n'aime pas quand il y a un débat que quelqu'un falsifie. Si j'ai eu le courage de vous interrompre et de dire que non, ce n'est pas ce que j'ai dit, dites OK, parce que ce n'est pas ce que j'avais dit. Même si je n'ai pas eu honte, j'ai eu peut-être peur. Ou bien peut-être je veux vous faire comprendre. Mais que la personne n'insiste pas et revenir là-dessus, à moins que la personne ait un problème avec moi. Et je dis aussi, si Léo nous écoute, mais s'il écoute cette émission, c'est pour le respect de ces débats. Quand, parce que quand mais attends, Ilias, comment je peux avoir un problème avec toi? Je te connais bien. Non, je dis, écoute-moi, je vais finir. OK. Comment vous pouvez avoir un problème avec moi? Je te connais pas, tu ne me connais pas. Vous m'avez posé la question. Vous voyez, madame, c'est ce que je lui avais souhaité. C'est pour que je prends ça personnel maintenant. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur. Quand vous venez, vous dites que j'ai dit. Comment je peux avoir un problème avec toi? Je te connais. Mais attendez, je ne peux pas vous répéter. Arrêtez de vous répéter. Vous avez posé une question, je vais la répondre. Vous voyez ce que je suis en train de te dire? Quand vous êtes venu, vous dites que j'ai dit quelque chose. Et je vous ai dit non. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous êtes revenu là-dessus. Et quand le tour de M. Barry est venu, M. Barry a dit quelque chose. Vous dites, non, laissez-le expliquer. Je vais me sentir comment. Je ne tourne pas autour du pot. Nous sommes dans un débat d'adultes. Chacun de nous, écoutez. Écoute ce que tu dis. Qui a dit j'écoute ce que j'ai dit parce que je parle moi avant de parler. Donc, je n'ai pas besoin, ça vient de moi. Parce que son père a commis des crimes. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que on reprend à Monsieur Barry, je ne suis pas responsable de votre manière de compréhension. Quand je viens, je dis quelque chose, et que vous venez, vous dites quelque chose, je reviens encore, je coupe la parole, ce qui n'est pas respectueux, c'est parce que je tiens à recadrer, à vous dire que non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Au lieu de me demander des excuses, on m'a donné la parole, vous demandez de parler lorsque je parle. Non, mais vous êtes champion, ça. C'était mon temps de parole. Tu as parlé, je n'ai rien dit. J'ai le droit de... Vous êtes champion, ça, vous n'avez pas le logo de la coupure des paroles ici. Vous prenez la parole quand les gens parlent. Vous êtes champion, ça. Vous êtes champion numéro 1. On parle d'aujourd'hui, on ne parle pas de ce qui s'est passé la semaine passée. Mais si vous nous avez déjà habitués à cette pratique et qu'aujourd'hui vous commencez à vous dire quelque chose, je veux vous arrêter. Non, ne déplace pas le débat. On m'a donné la parole. Tu n'as pas respecté mon temps de parole. Je ne peux pas respecter ton temps de parole. Quand c'est une culture chez toi, on va suivre cette culture. Parce que c'est toi qui coupes les gens quand ils parlent. Je vous coupe même la parole avec amertume parce que je n'aime pas couper les gens. Mais c'est simplement, je ne veux pas que le débat il déborde pour ne pas que vous partiez dans un sens. Maintenant, tu as un problème avec moi. Vous me demandez une explication. OK? Vous ne déformez pas ce que j'ai dit. Ça, ce n'est pas pour vous. C'est à l'ensemble. Attends, le problème, c'est quoi? Tu ne me dis pas ce que je dois dire ou bien ce que je dois faire. Non, mais je ne vous dis pas ce que vous devrez dire, mais quand il s'agit de moi et que vous déformez ce que j'ai dit, j'ai le droit de vous arrêter ou bien de vous dire. Non, je n'ai pas déformé. Je n'ai pas déformé. Qu'est-ce que j'ai dit? Il n'y a pas de problème. Donc, j'ai très bien fait. OK? J'ai très, très bien fait, M. Ba. Allez-y vous plaindre où vous voulez. Vous faisiez partie des personnes qui ont dit sur ce débat-là, OK? C'est le karma. OK. Et le jour que le karma des parents ou bien des gens vont suivre, je ne pense pas si vous avez même la chance de parler sur cette radio. Nous sommes dans une société où c'est culturel de prendre un enfant. Ce que je pense de ce que vous dites. Monsieur Ba, Madame Ba,
s'il vous plaît. Je crois qu'on va dépasser ça, s'il vous plaît. Il y a plusieurs personnes, des milliers de l'écoute. Mais ceci pas pour laquelle en prison, parce que vous plaît, dans un débat bon, et qu'il dit quelque chose aujourd'hui, et que la personne qui pense que j'ai dit, pas à toi de venir. On s'est compris, on s'est compris, on va aller au-delà de cela maintenant. Que la personne qui m'écoute pendant des années connaisse ma position par rapport à Sékou Touré. Je le maintiens, je n'ai pas à toi de venir me dire, ah je dis, le problème n'est pas votre position. Par rapport à Sékou Touré, moi, mon problème aujourd'hui, c'est quand je dis quelque chose et que vous déformez, parce que vous aviez affaire à quelqu'un qui n'est pas se fait rattraper, parce que il l'a dit hier. Je n'ai rien déformé. Je n'ai absolument rien déformé. J'ai dit, moi-même n'est pas en prison aux États-Unis parce que son père a commis des crimes. Ça aussi, c'est oui, mais personne n'a dit que moi-même était en prison parce que son père a commis des crimes. Son père a tué Barry Diallo. Personne n'a dit que Mohamed a été jugé parce que son père est criminel. Parce que comment Diaby a trouvé la mort? Il a été jugé par rapport à ce qu'il a fait aux États-Unis avec sa femme. Pourquoi c'est difficile pour vous à comprendre? Ce qui est difficile à comprendre, c'est quand un adulte, quand vous pensez être dans un débat face aux adultes et que ces adultes-là qui se disent qu'ils sont bien formés et viennent, ils mélangent tout. Ça, c'est difficile à comprendre pour moi. Je ne peux pas parce que je ne suis pas en sécurité. Je n'ai rien déformé, j'ai donné même une certaine éducation à certaines personnes. Parce que les crimes qu'on leur reproche, c'est des crimes qui sont très graves aux États-Unis. Oui, c'est très grave. Si ce n'est pas de la malhonnêteté, si ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle, nous venons d'une société où nos parents ont pris des enfants, ils se sont occupés, ils ont pris ces enfants à la maison, et ces enfants les États-Unis ne sont pas en train d'en échange, on travaillait, et personne n'est allé en prison pour ça. Lois, et ce qui m'a fait mal, il y a les lois de la République. Exactement, et quand vous ne m'aviez pas écouté, où on respecte les lois de la République. Moi, ce n'est pas un Américain. Voilà, merci à vous, merci à... Merci à vous, monsieur. Voilà, monsieur Léo, donnez-moi 30 secondes. Merci infiniment. Il n'est pas au point de dire que la Coupe du Bouton est sale. Je suis désolé. Ces Américains ont leur loi. Si c'était un Américain, on ne peut pas organiser le débat. On va s'écouter. On fait des comportements de moyen âge, on dit non, c'est parce que mon papa a été ceci. Ça n'a rien à voir avec son père. Personne n'a dit cela, malheureusement, à part vous. Vous-même qui l'aviez dit. Voilà, c'est vous-même qui l'aviez dit. Et c'est dommage parce que vous avez grandi dans une société où on a eu des enfants qui sont venus. Oui, ou sur qui que ce soit, on a des sujets à débattre, on va revenir dans le débat et puis on va nous fermer dans 30 minutes, ok? Merci, Madame Ba. Monsieur Bangoura. Monsieur Bangoura, moi, en tout cas, ce que je suis en train de vous dire ici, quelqu'un vient et prend un exemple, ce n'est pas le débat. C'était à vous de dire que ce n'était pas le débat. J'ai pris un exemple et on passe. Ouais. Maintenant, si le débat s'allonge et que des gens viennent pour des règlements de compte ou je ne sais quoi, qu'ils partent ailleurs, il vient de le répéter lui-même. Il a dit, on n'a rien dans son nom, on ne peut même pas avoir même dans son nom. Il y a pas un problème pour parler de règlement de compte. Donc, quand il y a un problème, réglé. Non, je n'ai pas besoin, ça n'a pas d'importance. D'accord, on va revenir. Attends, quand il dit règlement de compte, il y a quelque chose entre vous. Ce que je dis, ce n'est pas ce que je dis. Ousmane, revenons dans le débat. Non, il n'y a rien de personnel. Je ne connais pas, tu ne connais pas. Il n'y a rien entre nous. Ousmane, quel est le règlement de compte? Ousmane, Ba, il y a des milliers de personnes. Ça fait difficile de comprendre quand quelqu'un vient. Tu accuses que la personne ne dit pas comme ça. On va donner nos mots de compte. Nous sommes dans un débat. C'est ce qu'on appelle un débat. Voilà. Donc, il n'y a rien de personnel. Tu as un PhD en ça, pour ne pas dire, être couronné dans ta coupe. Je ne te connais pas, il n'y a aucun règlement de compte. Il y a quel compte entre nous deux?
Ousmane, je ne te connais Ousmane. Pas, tu ne me connais pas. Vous Ousmane, allez me le dire, Ousmane, vous n'avez pas besoin. Quel est le problème? Vous connaissez, Bangoura, vous connaissez un dans le débat. Monsieur Bangoura, vous connaissez toutes Bangoura, les personnes que vous attaquez ici avec haine. On sera obligé de les connaître. Je ne te connais pas, tu ne me connais pas. Il n'y a aucun règlement de compte. En tout cas, moi, personnellement, d'accord, s'il n'y a pas de règlement de compte. Il y a eu tellement d'antécédents entre nous. Ok, voilà, d'accord. Et que au moins, vous pouvez venir dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Ousmane, mets-toi en mute maintenant. On va continuer le débat. Madame Ba, on va revenir dans le débat. Ousmane, mets-toi en mute. On revient dans le débat. Monsieur Bangoura, il fallait depuis quand il a commencé, parce que c'est toujours comme ça. C'est lui qui commence. Vous commencez un débat sur le Doumbouya. Il va aller à l'Antiquité d'accord. grecque, redescendre vers Sundiata Keita, pour passer par Mofamsori, et puis revenir. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, je viens dans un débat pour donner ce que je connais. Je suis un universitaire. Mais quand vous donnez ce que vous connaissez, n'accusez donc, pas. Quand je viens, on a des sujets à débattre, s'il vous plaît, Ousmane. On a des sujets à débattre. Revenons dans le débat. Monsieur Bangoura, allez-y. Je m'excuse. On reviendra. Voilà, merci à vous, madame. Tout est contre la façon dont vous avez mon point. Je vais prendre Ousmane Ba. Merci à vous. Voilà, on va revenir dans le débat. On n'a pas beaucoup de temps maintenant pour fermer l'émission. Merci pour la couverture, monsieur Si. Alors, qui avait la parole, monsieur Si? Qui avait la parole? Bon, il y avait on a pas... parlé pour le premier sujet. Voilà, c'est les deux qui échangeaient. Bon, maintenant, je crois qu'il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Les deux se sont suffisamment expliqués. Voilà, suffisamment expliqués. Oui, d'accord. Donc, je vais prendre Bidjalo. Je vais ouvrir son micro. Monsieur Bidjalo, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, Léo. Je dis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Yes. Vous avez écouté, c'était chaud, le débat est chaud. Bon, le débat est chaud. Bon, moi, je pense qu'on vient ici de... Pour parler de... Je vous renseigner. Et puis, non, et moi, c'est qu'aujourd'hui, ils ont gâté tout le débat, hein, ça, je vous dis. Tout à fait. Ils ont gâté le débat. Tu veux passer à une autre, je vais mettre un mythe, là, comme je suis en bleu, là. Je vais mettre un mythe, il y en a, ça m'écoute. Voilà, merci à vous, monsieur Ba, monsieur Diallo, il n'y a pas de problème. Alors, monsieur Konaté a parlé, monsieur Diawara, vous avez pu parler, monsieur Konaté, tu as dit quelque chose. Oui, Konaté a parlé. Et Diawara, monsieur Diawara. Diawara aussi. Monsieur Bangoura. Bon, ok, d'accord. Donc, monsieur Bangoura, tu veux ajouter quelque chose? Allô? Ouais, je voulais ajouter quelque chose. Ouais. Allô? Ouais, vas-y, monsieur Sissoko. Non, concernant sur la dissolution du BATA, c'est le troisième sujet que je voulais parler. BATA, voilà, c'est le dernier sujet. Voilà, le dernier sujet. Ouais. Moi, je voulais dire d'abord, moi, le bataillon là, je suis bien placé pour parler de ce bataillon Sissoko. Que moi, j'ai donc, allez-y, on va vous écouter. J'ai été recruté dans ce bataillon-là, dans ce bataillon autonome, en 1985. Mais mon problème, c'est qu'avec Mamadi, pourquoi dissoudre un bataillon? Moi, je ne comprends pas du tout cela. Il est paniqué, le petit est paniqué pour le renverser. Il est paniqué, il a cassé le pays-là. Pas le problème, pourquoi dissoudre un bataillon? Un pamparon comme ça qui vient au pouvoir là-bas, il veut se foutre des Guinéens. Il faut lui renverser. Non, Diawara, je vais revenir un tout petit peu en arrière. Il a gâté le pays là, le petit là. Il a mis le pays dans un coup d'État. Il nous a trahis. D'accord. La création du bataillon autonome a été un problème avant 1985, quand la proposition est venue. Mais il fallait qu'on explique aux Guinéens que le bataillon autonome de la sécurité présidentielle n'appartenait pas à Conté Général Conté seulement. Ça devrait continuer avec les autres présidents. N'importe quel président qui venait devrait... avec ce bataillon-là. Mais pourquoi Mamadi dit sous ça? Alors, l'erreur de Alpha Condé, pour moi, c'est ce que Mamadi a fait.
et il a fait les mêmes erreurs. Mamadi a négligé ce bataillon, Alpha Condé avait négligé ce bataillon-là en créant les forces spéciales, et c'est ces forces spéciales-là qui l'ont emporté. Mamadi dissout le bataillon autonome de la sécurité présidentielle pour des raisons inconnues. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais moi je crois que c'est une erreur. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Mais est-ce que cela est lié à la sortie de grands féticheurs qui a prédit le départ de Mamadi? Les gens ne sont pas d'accord, mais moi je vois que c'est qu'ils ont peur parce que le féticheur a parlé, donc il faut dissoudre ce bataillon-là. Parce qu'ils ont eu, ils ont des doutes. Parce que moi, je ne comprends pas ça. Le féticheur parle, deux jours après, vous sortez un décret pour dissoudre un bataillon. Je ne sais pas ce que vous pensez. Il n'est pas croyant, il a peur, il n'a pas la foi. Je crois que chacun va donner son point de vue par rapport à cela avant de fermer cette émission de ce soir. Alors, Diawara, pourquoi? Non, je n'ai pas fini, M. Bangoura. C'est moi qui avais la parole. Voilà. Merci beaucoup pour les informations. Vous savez, vous avez parfaitement raison, M. Bangoura. Cette bataillon a été créée par l'ancien Conté en 1985, après la prise de pouvoir de l'armée guinéenne et de l'ancien Conté. Vous savez, le plus souvent en Afrique, quand un chef de l'État vient, il crée un troupe qui va lui permettre d'assurer sa sécurité. Ouais. Donc, en fait, c'est ça que l'ancien Conté avait fait en 85. C'était une manière de protéger son pouvoir. Mais effectivement, il avait laissé ce bâtard-là jusqu'à sa mort. Lorsque chose aussi est venue au pouvoir, Alpha Condé, lui, il s'est méfié de ces bâtards-là. Lui aussi, il a recruté certains jeunes militaires. Vous avez suivi Alpha Condé même a envoyé certains jeunes en Angola pour aller se former. C'est eux qui sont venus maintenant qui assuraient sa sécurité. Maintenant, le fait que Mamadi Doumbouya, lui, est venu carrément, lui, il a dissous cette force armée, c'est que Mamadi a eu peur. Parce qu'il pense que si on doit le renverser, ça doit venir de là-bas. Donc, il a tout fait maintenant pour dissoudre ce bataille-là. C'est ça qui est en cours. Parce que les chefs de l'État, comme vous savez, en Afrique, ils cherchent d'abord à protéger leur pouvoir. Donc, c'est ça que Mamadi est en train de faire actuellement là. C'est parce que Mamadi n'a pas une promotion au sein de l'armée. Vous le savez, c'est quelqu'un qui était formé ailleurs, un légionnaire. Il n'a pas sa promotion au sein de l'armée guinéenne. Donc, toutes ces forces-là qui peuvent l'alianter, il est prêt à les dissoudre. C'est ça qui se passe. Donc, c'est pourquoi on a toujours dit. Je ne serais pas d'accord avec mon frère, mon merci, mais c'est tout à fait normal. Nous sommes dans un débat. Moi, l'armée n'a pas la solution pour un développement. Ce qu'on a dit à Mamadi Doumbouya, essayer d'aller vers les élections, c'est-à-dire nous faire sortir sous cette situation. Parce que ce qui se passe, Il y a un climat de méfiance actuellement là, même au sein de l'armée. Il y a un climat de méfiance au sein de l'armée parce qu'on apprend, commandant Farah là, comment on appelle le général, comment il s'appelle, commandant Farah là, comment il s'appelle son nom là, le général. J'ai oublié son nom. Abdoulaye Keita. Voilà. Abdoulaye Keita. Voilà. Celui qui était chargé. Voilà. Celui qui était le patron de renseignement, hein, lui aussi, il a dissous de ses fonctions aussi. Donc, non, c'est pas lui. C'est pas lui, monsieur. C'est pas lui. Keita, hein. Inspecteur général des forces armées. Ah, ok. Il y a un autre. Ismaël Keita, du renseignement. Ismaël Keita. Voilà, Ismaël Keita. Donc, voilà, vous savez, donc il y a ce climat de méfiance au sein de l'armée actuellement là. C'est une réalité.
Donc, quand il y a la paix, parce que moi, j'ai des parents qui vivent à Conakry là-bas, mais chaque fois, je parle avec eux, ça dit, vous dit qu'il y a un climat qui ne dit pas, de méfiance là, qui ne dit pas son nom, ils sont là-bas, au Calum là-bas, ils sont dans la paix, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Vous comprenez? Parce que c'est ça qu'on a vu. Un bon matin, et on est allé déloger Alpha Condé avec les forces spéciales. Donc, tout ça là, ça n'assure pas, ça ne garantit pas. Parce que tout ce que le jeune Mamadi Doumbouya est en train de faire, oui, c'est comment garder son pouvoir. Mais si ce que tu veux dire, est-ce que c'est lié la dissolution du bataillon à la sortie du fétiche? C'est lié, les deux? Non, moi je ne veux pas dire que c'est lié, mais ce que je comprends ici, il y a un climat de méfiance. Tissoko, il faut être tranchant. Il a peur, c'est un peureux. Il a peur. Non, il a dit il a peur, mais moi je ne parle pas le cas de Fétichel là. Le cas de Fétichel là, c'est pas ça qui m'intéresse. À cause de son intérêt personnel. Il veut gâter l'armée guinéenne. C'est comment garder son pouvoir. Il est dans ce chemin-là. Donc, tous les forces-là qui peuvent l'anéantir, il est prêt à les dissoudre. C'est ça qui est là. Mais, tu sais, dans la vie, on a toujours dit, tu es en train de faire tes affaires, mais Dieu aussi est le dernier mot. Dieu a le dernier mot, vous comprenez? C'est ça qui se passe. Donc, tout ce que Mamadi doit faire, c'est comment organiser les élections et s'en sortir dans la grande porte. C'est ça qui va lui arranger. Mais à part de ça, tous les trucs-là, il va essayer de faire de se maintenir au pouvoir. Merci. Vraiment, sincèrement, ça ne va pas lui arranger. Voilà. Ça ne va pas du tout lui arranger. C'est ça que j'ai voulu dire, M. Diawara. Merci beaucoup. Alors, M. Diawara, vas-y rapidement. Quelle analyse faites-vous par rapport à cela? Un féticheur sort, il parle, et puis deux jours après, on dissout un bataillon. D'abord, mon analyse, je ne vais pas très loin. La vérité, elle est très courte. Mm-hmm. Qui trahit sera trahi par quelqu'un d'autre. Ouais. Mets-toi à la place d'Alpha Condé. Mm-hmm. Tu prends tes armes. Tu sais qu'Alpha Condé a pris Mamadi, plus que son fils même. Mm-hmm. Il est devenu son griot. Mon garde-corps est bien arrêté. Les femmes sont fans de lui. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. Il est bien, il a donné tout. Il a donné toute la Guinée à ce petit-là. Oui. Mais s'il avait fait un coup d'État, il a promis les Guinéens, il n'a pas réalisé ça aussi. Il a trahi Alpha, il a trahi les Guinéens, il a trahi ses amis qui ont fait le coup d'État avec lui. Maintenant, il pense qu'il est le seul Guinéen, il pense qu'il est béni plus que tous les Guinéens. Il y a les militaires guinéens qui sont bénis plus que lui. Pourquoi? Parce que les gens là, respectent les choses. On connaît maintenant là où il veut aller et il n'arrivera pas là-bas s'il plaît à Dieu. Parce que le pays-là n'appartient pas à une personne. Mmh. Il ne peut pas mettre le pays-là dans ses poches et venir se foutre aux gens ici, dire qu'il n'y aura pas de recyclage. Nous connaissons le système aujourd'hui. Il n'est pas croyant. S'il était croyant, le féticheur n'a qu'à parler. Mais moi, je suis ce que je suis. Il n'est pas croyant. C'est à cause de ça qu'il a dissous ça. Alors que Bata, ça c'est le rapport des Guinéens. Mmh. Tu ne peux pas parler de l'armée guinéenne sans parler Bata. Ouais. Il veut gâter la Guinée, c'est pourquoi il a fait ça. Mm-hmm. En cas de l'attaque terroriste actuellement, qu'est-ce que nous allons faire? Hein? Mamadi n'a pas l'expérience dans l'armée. Il ne connaît rien, le petit-là. Mm-hmm. Il ne connaît rien. Absolument rien. Il veut gâter le pays-là. Moi, je souhaite qu'on lui fasse un coup d'État. Seulement, il ne faut pas le tuer là-dedans. Il a tué les Guinéens. Il a enduré la famille. Qui est le Guinée là, partir prendre le pouvoir et il veut blaguer avec le pouvoir là encore. Nous sommes là, nous sommes à l'écoute pour un coup d'État encore. D'accord. On se trompe plus en Guinée, hein, on se trompe plus là-bas. On dit Mamadi est en train de travailler. Qu'est-ce qu'il connaît? Il ne travaille pas. C'est les travaux d'Alpha Condé qu'il est en train de finir pour dire que c'est lui qui a fait. Voilà. D'accord. C'est ça. Merci à vous, Monsieur Bangoura. Voilà, merci à vous. Monsieur Konaté, vas-y, allez-y rapidement. On va essayer de corriger un peu. Ce n'est pas le BATA qui a été dit. Ouais, c'est le BASP. Ok, ce n'est pas BATA, c'est BSP. Maintenant. BSP, BATA, le chien a tué la voiture a tué le chien, les fesses sont là. Il a peur.
Il n'a pas eu. Sekouba n'a pas fait ça. Sekouba n'a pas fait ça. Jadis n'a pas fait ça. Jadis n'a pas fait ça. Alpha Condé n'a pas fait ça. Pourquoi il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Je suis d'accord. Personne n'a fait ça. Il ne sait pas pour qui. Il faut se prendre dans ce petit là. Il est zéro. Il se prend pour qui pour le pays là. D'accord, calme-toi, calme-toi. On va aller. Il se prend pour qui dans le pays là? Il a plus que Sekou. Il a plus que Dali. Il a plus que Sekouba. Calmez-vous, calmez-vous, monsieur. La Guinée, c'est pour tout le monde. Il y a pas de problème. Calme-toi. Voilà. C'est comme ça, ça se passe. Voilà, maintenant, Léo. Calmez-vous. Léo. Ouais, vas-y, Konaté. Ok, je dis une fois de plus, bonsoir à tout le monde. C'est pas le Bata qui a été dissous, mais plutôt le BSP. D'accord. Léo, je vais vous poser la question. Vous avez appartenu à ce bataillon de la sécurité présidentielle. Je pense bien sûr, je me rappelle bien, c'était commandant Isiaga qui était à Sangoya qui gérait ce bataillon-là à l'époque qui était basé à Koundara, non? Pour cette raison, moi, non, écoute, c'est pas Isiaga. Nous avons été les fondateurs de ce bataillon. Le premier commandant de ce bataillon s'appelait capitaine Luseni Kamara. Son adjoint, c'était Kerfala Sissoko, un lieutenant. Voilà, maintenant. Voilà, Isiaga est venu comme troisième commandant à la dernière minute. Moi, j'étais même plus là. Voilà. Moi, j'ai connu Isiaga, je suis venu là-bas à maintes reprises. Isiaga est venu 10 ans après. Voilà. Voilà, maintenant, je vais poser la question. Oui. Après la mort du général Lansana Conti, le bataillon de la sécurité présidentielle existait. Mais bien sûr, ça existe. Qui était le commandant? Mais non, ça existait par le nom ou bien par les... Écoute-moi. Moi, je résume, si Mamadi m'écoute, en fonction de ma petite expérience, tant mieux. Parce qu'Alpha Condé a fait les mêmes erreurs, il a créé les forces spéciales, c'est Mamadi qui lui a arrêté. Non, moi je te dis... Uh-huh. Après la mort du général Lansana Conti, est-ce que le BSP existait? Ça existait. Qui était le commandant? Konaté. Tu as écouté. Ce batteur-là devrait exister. Même après Conti, même après n'importe quel président. Non, je ne suis pas d'accord. Attends, il ne faut pas intervenir. Tu sais, moi, je n'ai pas. Vous avez écouté Toumba? Non. Vous avez écouté Toumba. Toumba est un exemple. Vous avez écouté Toumba. Que le bataillon autonome là a existé. Et c'est Fodeba. Mon ami Fodeba, qui était le commandant de la sécurité présidentielle, qu'on a arrêté la confusion. Tu sais que tu ne comprends pas jusqu'à présent. Écoutez. Dadis est venu au pouvoir. C'est Fodeba qui était le commandant du bataillon de la sécurité présidentielle qui avait été arrêté. Toumba est parti les libérer. OK? Après ça, c'est Bégré. On a confié ce bataillon-là à Bégré qui a été tué. Donc c'est un bataillon qui fonctionnait. Dans cet ancêtre-là qu'on a tiré sur Dadis. Il faut même pas Léo, attends. Oui. C'est-à-dire, vous pensez que... Parce que tu parles de fonctionnement, non, ça fonctionnait normalement. Je parle de fonctionnement, mais écoutez, mais quand on est parti, la dernière attaque de Doumbouya, quand on a dit que Doumbouya a été tiré sur son pied, et que chacun racontait ce qu'il voulait raconter ici. L'attaque est partie d'où? Pour ceux qui ont une bonne mémoire, l'attaque là est partie d'où? Je le sais. D'accord. C'était pas parti du camp Koundara. Les gens ne sont pas venus du camp Koundara en passant par le bord de Boulbiné. C'est que Doumbouya n'a pas confiance à sa force spéciale. C'est tout. Moi, je vous ai toujours dit ici. Non. Moi, je vous ai toujours dit ici. Les forces spéciales là, leur rôle, c'est pas de sécuriser un président. C'est là-bas l'erreur de Doumbouya. Il est en train de confondre. C'est-à-dire, il est en train de créer des amalgames en tant que militaire.
on va douter de sa formation parce que les forces spéciales ne sont pas formées pour assurer sa sécurité. Attention! Donc, s'il crée ces amalgames-là, tant pis pour lui. Hein. Moi, je ne fais que donner mon avis, Konaté. Tant pis pour lui. Les forces spéciales ne sont pas formées. Léo. Il y a des gens qui nous écoutent. Oui. Moi, je ne suis pas là. Et j'ai toujours dit ici que les gens qui donnent les avis sur les questions militaires ne doivent pas. Je condamne et je défends toujours que les civils n'ont rien à voir dans les affaires militaires. Tout à fait. Civils n'ont rien à voir parce que c'est la grande muette. Les militaires et ce qui se passe au camp et dans les affaires militaires, les civils n'ont rien à voir. On ne pourra qu'apprécier ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a un climat de méfiance comme beaucoup de personnes le pensent. Aujourd'hui, ce qui me fait mal dans ce pays-là aujourd'hui, surtout au niveau de la diaspora, c'est quand nous-mêmes nous mettons dans la peau des personnes qui ne sont pas stabilisées mentalement et que nous créons les psychoses dans le pays, dire que chacun a la peur au ventre et que personne ne veut s'écouter et qu'on crée un problème en Guinée là où le problème n'est pas. Vous savez, le problème aujourd'hui en Guinée, moi je n'écoute pas les blogueurs, je n'écoute pas les journalistes qui ne comprennent pas ce qui se passe réellement. Chacun veut l'auditoire et chacun veut faire du buzz. On ne parle pas des blogueurs dans ces débats-là. Je parle en général parce que beaucoup de personnes se fient sur les informations de ces gens-là pour pouvoir... Nous, on ne parle pas des blogueurs dans ce débat. Je vous pose une question très simple. Voilà. Est-ce que la sortie du petit cher qui a prédit le départ de Mamadi... Ce n'est pas une affaire de blogueur. Le féticheur a parlé. Ok, mais tout le monde a écouté le féticheur. Bon, moi, ce que je veux, est-ce que la sortie du féticheur est liée à la dissolution du BASP? C'est tout. Non, BASP, non. Je dis que la sortie du supposé féticheur n'a rien à voir avec la dissolution du BSP. Mais pourquoi il n'a pas fait ça avant? Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Pourquoi? Ok. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement l'acte-là qu'il a posé. On a le directeur des services de renseignement généraux, Ismaël Keïta, a été dissous de ses fonctions. Vrai ou faux? Il y a eu beaucoup d'actes qui ont été posés depuis jusqu'à présent. Maintenant, ce que nous devons faire, ne soyons pas de tomber dans le piège. Parce que je dis bien, c'est une affaire militaire. Moi, Jean, vous en connaissez beaucoup. Et beaucoup d'autres personnes, ils ont des sources de renseignements. Le vrai problème aujourd'hui dans l'armée, ce sont les engagements que le président a eu à prendre au niveau de l'armée. Donc, il n'a pas le consensus. Attends, ça me confirme maintenant que Mamadi n'a pas le consensus dans l'armée guinéenne et ça fait très peur. Écoute. Très, très peur. Léo, si tu me laisses finir, ce que je sais, c'est ça que je vais dire. Si tu parles avec un certain groupe de militaires, ils disent que non, on a eu des engagements qui ont été pris et que ces engagements-là n'ont pas été respectés à la lettre et tardent à venir. Ça peut être la cause. Est-ce que tu vois de ce climat de méfiance? Mais dire que quelqu'un va s'asseoir aujourd'hui parce que Dieu merci, à cause de Facebook, même ceux qui ne brossent pas leurs dents peuvent dire quelque chose au monde entier pour que les gens tombent dans la panique, dire que dans 18 jours, dans 13 jours, après maintenant lui-même il se contredit, il dit dans 28 jours, quelque chose va se passer en Guinée et qu'on voit des remue-ménages un peu partout, pensant que ça va passer. Je vais te dire une chose. L'adresse numéro 1 de la Guinée, c'est le palais Mohamed V. Deuxième adresse, c'est le palais Serro Touréa. Non, si ces gens-là sont réellement prêts. Non, attends, l'ami, Léo,
écoute. Non, attends, écoute, Léo. Le palais, écoutez, écoutez. Tu sais, moi, je n'aime pas que le Guinée ait modifié l'histoire. Mamadi serait fait sur... Je ne modifie pas. Attends, Mamadi serait fait sur le Ponte. Le palais, c'est trouvé, Mohamed Sen n'est pas un palais présidentiel. Non. Non, oui. Pas du tout. C'est non, ce n'est pas un palais présidentiel. C'est il Ponte qui a choisi ce palais présidentiel-là. Temporairement, pour renouveler Sempouréa, pour lui donner le temps de renouveler Sempouréa. C'est tout. Oui, mais alors, Léo, ce n'est pas forcément dit que là où Ponte était, je vais être là-bas. Non. Voilà, mais Marie a fait quelque chose au palais Sempouréa. Lui aussi, il est en train, là où je vous parle, Sempouréa sera bientôt renouvelé. Quand j'étais à Conakry, la logistique elle est déjà là sur place pour renouveler le palais Sempouréa pour le prochain président. Alors, tu dis que la sortie du féticheur n'est pas liée à la dissolution. Ah non, Léo, il y a beaucoup de féticheurs. C'est-à-dire, je vais te dire une chose. Mais le féticheur là, il est fort, il avait prédit le départ de la Condé. Ah, c'est ça qu'on a dit, Léo. Écoute, il est fort, hein. Écoute, il est fort. Il est introuvable, mais il est trouvable. Mais non. Mais, moi, mais, je. Attends, mais, je, même je, c'est, j'ai c'est, confiance c'est, à Fonike Mwenge. Attendez, Léo. Léo, j'ai confiance à Fonike Mwenge. J'ai confiance aux membres de FNDC qui ont été arrêtés et emprisonnés que ce féticheur-là, parce que eux ils ont assumé leurs propos, ils sont en prison à cause de leur opinion, mais quelqu'un qui dit quelque chose et qui disparaît, c'est pas un homme, je n'ai pas confiance à cette personne, et je ne le ferai jamais confiance, parce que moi, Léo, si je dis quelque chose, j'assume, je sais que c'est vrai. Et puis, tu oses dire même devant les gens, je veux tu que le président Nakama fasse des comptes. C'est un corps porteur. Non. Il a fui parce qu'il n'a pas de force. Ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ce qu'il dit, c'est faux. Okay. Ce qu'il dit, c'est faux. C'est un corps porteur. Amara, il a donné 28 jours. On attend les 28 jours. Ah, voilà. Après les 28 jours, si ça ne se réalise pas, qu'est-ce qu'on va dire ici encore? Alpha Mari va venir avec un autre argument. On reviendra dans ce débat. Et non pour quand quelqu'un parle, il doit assumer ses propos. Pour le moment, on attend les 28 jours. 28e jour, là même, c'est combien? C'est quand madame, même ça? Regarde. Regarde, Elias. Mamadi ne dort pas. Madame Ba. Mamadi ne dort pas. Dites-moi, 28e jour là, ça tombe quand même. Je crois, en fait, ça n'existe même pas dans le calendrier. Je n'ai jamais vu les gars le calculer. Ça. Plus, même Ramadan, ils n'ont pas calculé Ramadan. Même Ramadan n'a pas calculé. Ils sont en train de calculer les 28e jour là. On a vu Kolo venir à Conakry et partir. Là, ça n'a pas été là-bas. C'est quand ça tombe quand au mois de mai? Parce qu'apparemment, vous êtes en train de compter ça plus que même Ramadan qui est passé, les jours de Ramadan chauds qui sont passés. Bidjallo calcule ça plus que tout le monde. D'accord. Ah, vous n'avez pas de la donner la parole, il dit qu'il est occupé. On va attendre 28 jours. En attendant, Mamadi est là, M. Konaté. Mais ça tombe quand, monsieur Bamba, je ne sais pas, ça tombe quand. Wallahi. Alpha Barry, un mot de fin. La sortie. Monsieur Bangoura. Oui. Mais je dirais bonsoir. Hein. Bonsoir. Je voudrais d'abord, avant de donner mon opinion par rapport à cette dernière partie du débat, rectifier deux éléments très importants pour moi. Ouais. Un, il faudrait que les séloufobistes, quand ils prennent la parole pour dire qu'ils l'ont dit, et qu'ils disent, parce qu'ils disent de l'expression. Ça fait deux fois qu'il va à Limoura, hein. Ça fait deux fois qu'il va à Limoura. Madame, mon problème c'est quoi? Alpha Condé est parti à Oumoura avec le ministre des Affaires étrangères. Il est venu, Mamadi lui a renversé. Monsieur Lou est parti à Oumoura deux fois. Je ne sais pas maintenant. Alpha, monsieur Lou est parti à Oumoura. On verra. Peut-être il va devenir président. Monsieur Bangoura, c'est quelqu'un qui est quand même
engagé à faire un exercice de décision, de déposition. Il y a une fédération de son organisation politique du côté de la Mecque. De la Mecque, ouais, on donc, a c'est quelqu'un ça. Qui est combattu, oui, c'est quelqu'un qui est combattu par toutes les structures affiliées à son organisation dont il vit, à l'organisation dont il préside. Vous comprenez? Ça, c'est il n'y a un... pas de problème. Alors, ton mot de fin sur les deux derniers sujets, rapidement, on oui, est dans le temps. Le deuxième point, M. Bangoura, j'entends beaucoup dire que ce Loudalen a été convoqué. Ça aussi, je lance un défi à toutes les personnes qui tiennent ce tout court. Qu'il n'y a jamais eu de convocation envers M. Loudalen Diallo. Il y a eu tentative de séquestration illustrée dans un document pour lui connaître cela. Mais la législation guinéenne apprécie toutes les démarches à entreprendre par un juge pour adresser une convocation à un citoyen de la République. D'accord. Maintenant, la... le symbole de la sincérité. La sortie de féticheur est liée à la dissolution du BASP. Non, la réponse, vous l'avez déjà. Pourquoi on le fait ça? Mettez-vous à mettre. M. Bangoura, pourquoi après sa sortie, ils ont décidé d'envoyer tout un bataillon autonome pour aller le kidnapper? C'est parce que vous et moi, peut-être on s'interroge sur l'applicabilité de cette communication de monsieur. Mais Mamadi Doumbouya, il est convaincu que ce que le monsieur a dit, il a raison. Parce qu'il y a des marabouts autour de lui qui l'ont déjà informé avant que l'autre ne sorte pour informer l'opinion publique. Ce qui reste clair, Mamadi Doumbouya, tout constitue même le symbole de l'ingratitude dans l'histoire de l'humanité. Il a fait subir à son père qu'il a adopté de façon naturelle toute l'humiliation du monde, il sera plus humilié que M. Alpha Condé. Ça, je vous le garantis. Merci à vous. Merci à vous, M. Barry. M. Ousmane Ba, un mot de fin rapidement sur le dernier sujet, avant de prendre Bi Diallo. M. Ousmane. Ousmane Ba, vas-y. Est-ce que Ousmane Ba est là? Voilà. Alors, Bi Diallo, voilà, un dernier mot sur le dernier sujet. Le marabout est sorti, Mamadi a dissous le bataillon autonome. Parce qu'il n'est pas croyant. Il est trop croyant de choses parler comme ça. Là. C'est pour cela, M. Léo. Donc, je vous dis bonne soirée. À demain. Merci. À demain, Bi Diallo. À demain. Merci. Merci à vous. Alors, M. Condé, je vais prendre M. Condé du côté de Conakry. Là. M. Condé, bonsoir. S'il ne dort pas. Hein. Bonsoir, M. Condé. Bonjour. Alors, M. Condé, bonjour. Oh, là où M. Condé voilà, se trouve là, peut-être. Alors, M. Si, avant de fermer, une dernière analyse sur la sortie du féticheur. Et puis, est-ce que cela est un peu lié à la dissolution du bataillon autonome? Voilà, M. Bangoura, vous savez... Mon Valéo. Bon, valeu. Le féticheur a fui. Il dit que même un téléphone nous verra, que personne ne le verra. Non, pour une histoire, mettez-vous à mettre là. On vous entend là. I got it. Thank you. Bi Diallo, mets-toi à mettre. On t'entend. Monsieur Si, allez-y. Voilà, je disais que vous connaissez vous-même mieux que nous tous, peut-être sur les antennes ici, le fonctionnement de la sécurité présidentielle, parce que vous avez été membre de cette sécurité présidentielle. Oui. Vous savez aussi que c'est,
c'est un corps tellement important pour la présidence de la République que ce ne sont pas les déclarations d'un féticheur qui vont amener à prendre une décision aussi importante que la dissolution de ce corps. De mon point de vue, ce n'est pas lié. Jusqu'à preuve du contraire, je ne lis pas la dissolution de ce corps à la sortie de ce féticheur. On va me dire, comme on le dit d'ailleurs, pourquoi c'est seulement après sa sortie qu'il y a eu dissolution. Mais, M. Bangoura, il y a eu combien de dispositions, combien de décisions prises par Doumbouya avant, et il y en aura combien après? Donc, ce n'est pas, c'est pas, de mon point de vue, ce n'est pas lié. C'est pas, donc, je ne veux même pas m'attarder sur ça. Et comme je crois madame l'a rappelé tout à l'heure, le monsieur, c'est-à-dire, il a donné des délais et tout ça. Mais attendons de voir, parce que si nous sommes tous croyants, attendons de voir si c'est lui Dieu, on saura. On saura. Il a dit 18 à 28 jours. 18 à 28 jours. Mais souvenez-vous que sur nos antennes d'ici, on a entendu des choses comme ça, pas sur Mamadi, mais sur Alpha Condé combien de fois. Mais nous oublions que, en tant que croyants, c'est Dieu qui fait et défait. C'est pas quelqu'un d'autre. Tout à fait. Voilà. Alors, donc, M. Dit, comment tu vois l'avenir, de. Ce dialogue-là, est-ce que ce n'est pas une balle perdue? On n'est pas revenu à la case du départ. Vous l'avez dit, M. Bangoura, vous l'avez dit vous-même en début d'émission. Oui. Vous avez fait une analyse assez pertinente dessus. Nous connaissons tous les raisons qui amènent au retrait de ces formations politiques. Moi, je ne suis pas surpris et je sais que beaucoup de Guinéens aussi ne le sont pas. Donc, attendons de voir, ce qui est réconfortant dedans, c'est que ça continue, la Guinée continue sa marche, tant bien que mal. Voilà, on ne va pas mettre des individus au-dessus de la nation. Ouais. Voilà. C'est ça, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on sorte de ce débat. Parce que moi, je risque de voir les élections sans ces partis-là. Et moi, ça m'arrange, hein. ça nous arrange. Et là, si les élections, comment? Je vois les élections présidentielles en Guinée sans ces grands partis-là. Et moi, ça m'arrange, c'est tout. Ça, ce n'est pas possible. Bon. Il ne faut même pas rêver. Monsieur, personne ne peut dire les titres politiques. Léo, tu ne veux pas entendre ça, quoi. De toute façon, monsieur Bangoura, à la date venue, à la date arrêtée par les autorités, il y aura élection. Maintenant, si quelqu'un est en Guinée, s'il est éligible, il sera candidat. S'il n'est pas éligible, il ne sera pas candidat. Il ne sera pas candidat. Tout à fait. Dès qu'il y aura la date fixée par les autorités, les candidats présents et qualifiés iront aux élections. Mais c'est simple. Moi, je ne rentre pas dans ce débat futuriste-là. Je ne suis pas. Je ne prévois pas l'avenir. Moi, je parle de la réalité actuelle. Et voilà, je ne peux pas dire ce qui va venir dans 5 ans ou 10 ans. Ouais. Merci, M. Bangoura. Voilà, merci à vous, bien sûr, à la famille, M. Si. Alors, Madame Ba, c'est à vous. Ousmane, bon, vas-y rapidement. J'ai aimé le mot de... Moi, Léo, j'ai la parole. Ousmane, s'il part aux élections ou pas, j'ai aimé la dernière partie de l'intervention de M. Si, où il dit qu'il ne peut pas prévoir l'avenir. Donc, lui, il est exclu du mot Mofa Mohamed Si. Parce qu'on voit Mofa Sori. Parler de l'avenir, c'est-à-dire que ceux qui l'ont informé dans 18 jours ou bien 28 jours. Ça crée une panique, Ousmane, et ce qui a amené à la dissolution d'un bataillon. Ça, c'est grave. Un colon,
je veux finir en disant ceci à Soso. Oui. Et comme maman n'a pas la manière de Alpha Jona. Alors, il a mis donc oui à Palama, un courant maminera. Ali, ma mère, Mérine. Ah, mère, Mérine. C'est bien que la dame, c'est tout. La dame, c'est tout. Ah, merci beaucoup. Eh, donc oui, à Palais, un courant maminera. À ma mère, la mère, Mérine. Oui, n'a oui, n'a 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 Merci à vous. Merci pour le temps. Merci à vous. Bien sûr, à la famille, M. Ba. Merci à tous et de parler de la Guinée. Encore une fois, merci beaucoup, monsieur. Merci. Néo, à tous les participants. Quoi. Voilà, merci à vous, mon frère. Voilà, c'est comme ça. On se retrouve demain, Madame Ba. C'est à vous, l'antenne. M'en parlez où ? M'en parlez où ? De faire. M'en parlez où ? Oui. Les camarades, bon, on va voir. Alors, DPS, mais là, il est là qui. Il y a un Katani dans le coup d'état là-bas, Mara. Il y a confusion pour les pays. Ils ont donné 28 jours. On va m'en mettre 28 jours. Oui, oui. Mon favori, non, on va m'en mettre. On va m'en mettre. On va m'en mettre. A bien sûr, il fait dans la moula Guinée, 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 il fait dans la merci à vous, Monsieur Diawara, Madame Ba, c'est à vous. Je vous remercie d'être venu, on se reprend demain. Monsieur Bangoura, vous avez, parce qu'au début de l'émission, vous dites que vous allez venir nous expliquer comment le Batal a été formé. Voilà. Et qu'est-ce qui. Bon, je ne sais pas. Non, mais demain, j'aurai tout le temps. Et puis j'aurai ma voix et puis j'aurai tout le temps de vous expliquer comment ça a été créé. Ben, Léo, donc, il va reprendre là. Non, Léo. J'ai conduit. Moi, je conduis tous les jours, ma voix n'est pas comme ça. Voilà, comme moi, je n'ai pas l'habitude de conduire longue distance, là, 4 heures aller, 4 heures retour, voilà, c'est ça qui me fait. 4 heures du temps seulement. Et voilà. Ah, Léo, non. Léo, je comprends maintenant pourquoi Mamadi a dissous cette bataille de la sécurité présidentielle. Hein. Je comprends. Si vous conduisez 4 heures, vous tombez malade. Ce qui me, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est l'hypocrisie de l'Africain. On prie tout le temps, mais nous tous, ces croyances-là, même si ce n'est pas 100%, mais quand ces croyances-là sont données, on a un peu peur. Même ceux qui prient, et bizarrement, c'est pour cela, je ne sais pas peut-être demain si l'imam sera là, ces croyances-là, je pense que ce sont des croyances diaboliques de Satan qui sont reconnues même par l'islam. Même si l'islam dit que ton destin est dû au-dessus de ceux-là, mais ce sont des choses, on les a vues à l'acte. Et moi, aujourd'hui, ce qui est intéressant, je ne vais pas jurer pour dire, parce que je ne sais pas, que toutes les destitutions-là, c'est en fonction de ça, mais la coïncidence, elle est très flagrante, M. Bangoura. Très, 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 très flagrante. Parce qu'on a eu directement, Moffa Sory est sorti. Même Alpha Condé qui avait l'habitude de faire le buzz, Alpha Condé a fait son selfie, ses selfies préférés, là. Il a fait un autre selfie tout dernièrement. Personne ne parle de ça, tout le monde est concentré sur Moffa Sory. Et quand on me dit que peut-être les limogeages ou bien je ne sais pas quoi, que ce n'est pas lié, je peux les croire. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité, il y a toujours... La transition c'est ça, hein. Surtout quand une fois que même si c'est quelqu'un qui vient, ça gronde un peu partout et ça peut taper à tout moment. Ça ce n'est pas faux. Mais on n'a qu'à se dire la vérité. Ah,
Fafazori, il a mélangé la cité. Et quand il a mélangé la cité, et je vous jure, moi je prie, je crois en Dieu, mais jusqu'à présent là, je suis là, j'ai des doutes. Je ne dis pas que ce qu'il a dit, c'est forcément, ça va se passer. Mais c'est ces gens qui viennent, qui parlent et puis les... Et puis ce qui me fait, et puis ce qui me, comment on appelle ça, ce qui me fait un peu, je ne sais pas, je suis confuse parce que j'entends des gens même qui ont vu les membres du CNRD immoler des animaux. Si vous, vous avez, je ne sais pas comment il s'appelle, le Léo là, le Bangoura Ramé là. Comment Lion, il s'appelle Lion. Le Bangoura? Lion, voilà. C'est Lion. Le cousin de Léo, Léon Bangoura. Le cousin de Léo, merci. Donc, on l'a vu immoler un animal, ok? On l'a vu faire des trucs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont fait ça, moi j'ai entendu des gens qui avaient peur, qui ont dit que oui, Mamadi est venu, il va faire ça, c'est pour être au pouvoir. Si vous avez cru que ça, ça peut laisser Mamadi au pouvoir, croyez aussi que si ces mêmes personnes-là viennent là, et ces mêmes personnes, ou bien ce même clan vient dire qu'ils voient quelque chose, Mamadi va quoi? Ce sont des croyances africaines, M. Bangoura. Ces croyances-là, souvent, c'est pour cela même que, si vous voyez, on s'accroche plus à la religion là. Parce qu'on se dit que ça, là, ça existe, et seul Allah qui peut venir effacer. C'est Satan là. Donc franchement, toute personne qui va dire « Ah, moi je ne crois pas à ça, Wallahi Bilal, la personne ne vous a pas dit la vérité à 100%. » Franchement, M. Bangoura, et j'espère que... Bon, moi, personnellement, et ça va aussi. Oui, M. Konaté. Voilà, tu dis oui, M. Konaté, donc vous ne croyez pas. Il s'appelle Mofasourien. Oui. Il s'appelle Mofasourien. Mofasouri qui n'a pas tué les gens qui sont venus l'arrêter. Est-ce que lui, c'est un vrai Mofala? Non, mais il a fui et... quand même, hein? Il non, a mais c'est que c'est pas un homme, vous n'allez pas le retrouver. Non, mais c'est que c'est un homme pour faire peur, pour choquer, vous voyez? C'est comme un peu les boucantiers, là. Je ne sais pas si vous avez vu les boucantiers ivoiriens. Quand ils viennent pour le montrer, ils se disent « bas dollar », ils se disent quoi, devise, héros, quoi, quelque chose d'autre. Ils se donnent des noms pour pouvoir attirer l'attention. Ça n'est pas forcément du niveau. Flamoromba, lui, ce n'est pas un vrai homme. Si tu dis que monsieur, c'est un vrai monsieur, homme. Monsieur Konaté, wallahi, vous croyez. Monsieur Konaté, ce gars-là, moi-même, moi, je sais, je prie. Vous priez, on a tous jeûné. Mais nous tous qui sommes là, âme et conscience entre nous et Dieu, ces gens-là, quand ils font des trucs, le Satan existe, monsieur Konaté. Ça existe. Non, Satan existe. Voilà, ça existe. Et ce sont des croyances. Mais que... Dieu, c'est le sommet des sommets. Moi, pas celui merci. Je préfère ça. Je préfère que quand vous venez, les amis, le prophète Mohamed. Je préfère. Vous ne m'interrompez pas parce que vous avez dit qu'on nous a interrompu. C'est mon temps de parole. Et Ousmane, tu as envoyé le nom du prophète dans l'affaire de Jahannam. Laissez Madame Bakr, la dernière analyse, on va fermer cette émission. Monsieur Bangoura, vous avez vu le celui qui détend le prix Nobel d'interruption d'interrompre les gens. Ousmane, on va fermer les micros. On va fermer. Laissez Madame Bakr une dernière analyse. Avant de fermer cette émission, mettez-vous à mettre. Toi, vous là, tu ne m'as même pas demandé pardon. Tu es là on est pris par le temps. Monsieur, mettez-vous à mettre. Ousmane Konamba va fermer. Et puis, on va se retrouver. Elle n'a pas cru à ça, même si c'est 5%. Monsieur Bangoura, moi, je sais. Je prends l'exemple sur moi-même. Wallahi. Je vous jure, moi, j'ai confiance en Dieu. C'est pour cela même que je passe mon temps. Dieu. Wallahi, j'ai cru ça là un peu. Et je me dis aussi que quelque part, l'islam même a parlé de ces trucs. Ou bien, donc ça va remuer la cité. Donc si je vous prie, puisque vous savez que l'islam peut effacer, commencez à prier. On va tous prier. Parce que moi, je ne veux pas un deuxième coup d'état. Franchement, parce que ça va nous faire reculer encore. Ouais. Qu'on ait Mamadi ou pas, un deuxième coup d'état ne nous arrange pas du tout. Alpha Bayo, au début, a dit ici qu'il était contre les coups d'état. Moi, je vous dis, moi, j'avais dit que j'étais contre les coups d'état, mais le coup d'état de Mamadi, j'ai applaudi. C'est vrai qu'ils ont été les rares personnes. Mettez-vous à mettre, il y a des bruits quelque part. Il y a quelqu'un qui est arrivé en boîte de nuit là-bas, c'est pas M. Konaté. Mettez-vous à mettre, s'il vous plaît. Voilà. Donc, M. Bangoura, je vais vous dire quelque chose. Le coup d'état, là, ça ne nous arrange pas encore. Pas du tout. Moi-même, vous avez vous rappelé quand les gens parlaient de coup d'état, avant même le coup d'état, moi, j'ai dit que je suis contre les coups d'état. Mais franchement, le coup d'état de Mamadi, j'applaudis. Mais aujourd'hui où je suis là, je ne veux pas encore un autre coup d'état. On va nous donner un programme, on va nous donner un délai de 24 mois encore. Voilà. On va reprendre tout à zéro. Les décrets seulement peuvent vous prendre combien de temps? Franchement, mon Fassori, nous, si tu as des. Je ne parle pas à lui seul, eux tous. Moi, je ne les dénigre pas. Hein. C'est vrai que j'ai choisi l'islam
et je les laisse pratiquer leur religion, ou bien en quoi ils leur croyance. Mais s'ils veulent aider la Guinée, ils n'ont qu'à aider la Guinée de manière positive, comme ce que les Blancs font, utiliser la sorcellerie pour aller dans le bon sens. Il n'est pas Ousmane. Dans le mauvais sens. Monsieur Bangoula, je vais m'arrêter là pour le moment. Vous donnez la parole au propriétaire des micros. Bonne nuit à tout le monde. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve demain. Bonne nuit. Bonne nuit à vous. On reviendra sur ça demain. Merci à tout un chacun d'être venu. On est pris par le temps. Et bon week-end. Bien des choses à toute la famille.